Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous à cette émission Mode Histoire numéro 6. On est déjà à la sixième édition, c'est déjà pas mal. On dirait que ça vous plaît, à moi aussi, déjà c'est ça qui est important. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui sur Twitch pour avoir des petites interactivités nouvelles, etc. Bonjour au chat, bonjour à Piven qui est là, salut. Bonjour aux autres, les arrivants qui arriveront durant cette soirée. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un invité de marque qui est connu de la plupart des personnes qui suivent certaines communautés de jeux vidéo françaises. On va le retrouver tout de suite pour pas perdre de temps, vu que cette émission a toujours des anticipations au niveau du temps. On retrouve donc notre invité de marque qui est Monsieur Samagaga. Comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Donc merci pour l'invitation, je suis ravi de d'être là. On Ok, va. bah merci, merci, merci d'être là, merci d'être là. N'hésitez pas sur le chat à dire si le son est ok, si tout est ok, parce qu'aujourd'hui on était un petit peu en retard, on avait des petits problèmes techniques, mais espérons que ça soit résolu. Donc, Samaya, on va commencer tout de suite, voilà, tranquillement, le temps que les personnes arrivent. Bonjour aussi à Starbellule qui est là. Que tu nous fasses une petite présentation de toi, succincte, que ce soit voilà, ton nom dans les réseaux ou un truc comme ça, quelconque. Vas-y, Ouais, présente-toi. donc ok, bah écoute, moi sur les réseaux sociaux, on me connaît donc sous le nom de Samagaga, hein, je suis un peu partout, enfin partout, sur Twitter essentiellement, même si comme tout le monde, on a du Facebook, on a de l'Instagram et tout ça. Alors moi enfin j'ai travaillé à une époque dans le milieu du jeu vidéo en tant que revendeur dans une grande chaîne bien connue en France qui commence par Micro et qui termine par Mania. Donc j'ai eu l'occasion de vivre quelques sorties de console on va dire dans les années Donc t'as fin côtoyé 90 début 2000. Voilà, t'as côtoyé le game en première main, on va dire. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok, bah voilà, on est parti dans cette interview, dans ce mode histoire qui t'est consacré. Et on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. On a eu ta présentation. On va voir maintenant quelle est ma première question fatidique, qui est la même pour tout le monde, c'est-à-dire. Quels sont tes souvenirs en fait d'enfance au niveau avant le jeu vidéo? Qu'est-ce que tu avais pour jouer ou quels étaient les jeux dans ta génération? Bah, moi, j'avoue que aussi loin que je puisse me rappeler, le premier truc qui me vient à l'esprit, alors c'était pas à moi, c'était à mon frère. C'était une Videopac, donc c'était déjà un jeu vidéo. Après, je me rappelle aussi que plus petit, on avait des puzzles, on avait des peluches et tout ça, enfin pour se faire ces petits dessins animés ou ces petits films. À soi quoi mais c'est vrai que le premier truc qui me marque ça reste le Videopac Vidéopack. Alors attends, on de peut Philips. jeter peut-être. Hop, je te corrige juste un petit peu vu que tu es sur le côté, sur la Ah, caméra. attends, parce que sinon si attends je suis Voilà, là peut-être tu es pas tout à centré, ouais, voilà. T'as bougé un voilà, petit c'est peu, ma c'était faute, c'est pas, ma pas faute, grave, pas grave. pardon. Alors, on va passer ça vu que j'ai peut-être quelques petites images de Videopack. On va aller voir. On va aller voir vu que j'ai remis à jour sur certains systèmes. J'ai pu mettre des systèmes un petit peu plus anciens. Alors, je ne sais pas si ça a été mis dans l'Odyssée ou non. Ou peut-être pas le Videopack. Non, mais après, moi, je me rappelle sur Bah, cette c'est pas machine, grave. c'était la, c'était C'était assez succinct quand même. C'était des plus au Ouais, niveau bah, graphisme, c'était. ah bah, on était au niveau du Pong, hein. Ouais.
C'était à peu près ça, quoi. C'était à peine plus évolué. Sauf que l'avantage, c'est que tu avais en fait une console tout en un. Tu avais un clavier, un écran intégré. Donc là, en l'occurrence, c'était monochrome parce que je crois qu'après, par la suite, ils ont sorti un vidéo pack avec un écran couleur. Et moi, de mémoire, non, attends, je te raconte des bêtises. Est-ce que je l'avais? Non, on l'avait pas en couleur, on l'avait en monochrome. Je te Monochrome. raconte, ouais, on l'avait en monochrome. Je me rappelle d'un jeu de Formule 1. Alors là, pour te donner le titre, malheureusement, Bah, un film, je me sur ces rappelle plus. systèmes, voilà, si c'est des graphismes un petit peu au niveau du Pong, etc., voilà, le jeu c'était peut-être Racing ou un truc comme ça, ou Ouais, voilà, c'était un voiture, truc un peu dans. Ou dans ce genre. Formula One, tu vois, enfin, c'était un truc dans ce goût-là. Et c'était assez marrant parce qu'en fait, le jeu était donc hyper basique. Tu avais donc juste le contour, on va dire, du circuit. Donc, soit tu avais des lignes droites, ou après, ça partait à gauche, à droite. Et en fait, ta voiture, elle restait tout le temps sur le même axe, donc en bas de l'écran. Et en fait, globalement, tu la faisais bouger que de gauche à droite, en Alors, fait. est-ce que ça te rappelle en fait ce système de jeu de la voiture qui est centrale et tu bouges en fait, tu bouges la piste, tu ne bouges pas ton véhicule. Est-ce que ça te rappelle les jeux électroniques avec des écrans qui défilaient en fait? Ouais, c'est un peu ça, C'est un ouais, peu dans c'est ce effectivement, c'est un genre. peu ça. Ouais. Donc c'est enfin voilà, en plus tu avais des joysticks vraiment tu sais où tu avais enfin une étoile matérialisée, donc enfin tout était cranté en fait, c'était assez rigide, tu avais un bouton je crois de mémoire ou peut-être deux. Sur ces consoles, je pense que ouais, c'est à peu près. Voilà, donc c'était très succinct, mais on arrivait à bien s'amuser, c'était rigolo. Après, c'est pareil, même les bruitages, bon, c'était des bruitages, Et ça, voilà quoi. c'était à quel âge environ? Oh, je pense que, alors si je te raconte pas de bêtises, je pense que je devais avoir dans les 5, peut-être 5 ans, 5 ans? 4-5 ans, peut-être. Ouais, je pense, peut-être dans ces eaux-là. T'as pas de souvenir de jouer comme ça de ton enfance à peu près de cet âge-là ou? De cet âge-là, honnêtement, alors je sais qu'on avait aussi des Playmobil parce qu'en fait j'avais l'avantage d'avoir un grand frère et donc de 3 ans mon aîné Donc là, t'as récupéré les jeux, les jouets et donc tout. voilà, donc ça me permettait de récupérer certains jouets, pas tous. Parce qu'il voilà, il prêtait pas forcément tout le temps, mais c'est normal en même temps. Mais je me rappelle, ouais, on avait des. Donc là, pour le coup, on était Team Playmobil Plutôt que plutôt que Lego. Lego. Ok, ouais. Après, les Lego, c'est venu un petit peu après, mais beaucoup, enfin, dans des proportions beaucoup moindres. C'était plus Playmobil. Donc il y avait ça. Mais après, c'est vrai qu'en jouet pur, Bah, si tu t'en rappelles pas, c'est pas de grave, cette peut-être. période-là, ouais, honnêtement, de cette période-là, je me rappelle un peu plus tard, tu vois, là où pour le coup j'avais peut-être plutôt autour des 9 ans, dans ces eaux-là, où là, tu avais des. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais où c'était des maisons, tu sais, tu construisais des chalets, limite des chalets en bois, tu sais, où tu empilais les espèces de lattes de bois pour former les maisons. On avait ce genre de jeu de construction, Donc des mais jeux ça de c'est arrivé. construction civile Voilà. en bois. Ouais, non mais voilà, tu vois, c'est genre tu faisais ton petit chalet à la montagne, quoi. Donc c'était assez rigolo. Mais voilà quoi. Donc Après. c'est succinct. Donc on va continuer Ouais. sur cette lancée donc de jeux vidéo. Et ton premier contact, ça a été le Videopack. Voilà, Donc ça a été le Vidéopack, ouais. Videopack. Après, est-ce que tu as eu un autre système comme ça? Alors après, alors normalement, et je pense que ça va suivre à peu près un ordre chronologique si je te raconte pas de bêtises. Alors après, je peux peut-être me tromper sur les dates ou parce que c'est Non, plus c'est très très clair. Je ouais suis vieux, moi, hein, je suis vieux, ma mémoire flanche déjà. Mais le premier, la première console de jeu, on va dire en tant que telle, c'était la Master System. Master System. Alors on va aller Ouais. voir, on va aller voir la Master System. Donc Là c'était la Master normalement on a du matos. On peut regarder. System. On va essayer de trouver la Master. Elle est là, la Master System. Et quel a été ton starter pack de cette Master System? Alors, pour tout te dire, j'ai essayé de me rappeler, mais il me semble Alex Kidd, que Sonic. c'était. Ouais,
Ouais, il me semble, alors j'ai un doute avec Alex Kidd ou Sonic, c'était un des deux, ça c'est sûr. J'ai joué aux deux de toute façon, ça aussi c'est sûr. Mais alors par contre, je me rappelle plus. Je pense, je mettrai une petite pièce, je pense, sur le Alex Kidd. Alex Kidd, hein. Mais Alors, je pense, ouais. si c'est les versions initiales, elles étaient là, quasiment toutes équipées en Alex Kidd. Donc, ça peut être celui-ci. On va Ouais, je douter. pense. Et d'ailleurs, j'en profite, alors que tu regardes, c'est ton premier jeu donc sur Master System. Qu'est-ce que tu as pensé de l'annonce du remake? Ça te Bah fait écoute, plaisir? ça fait toujours plaisir parce que tu vois, c'est des jeux, même si moi je suis pas trop rétro gamer, Ouais. donc forcément c'est un jeu, voilà, j'y ai joué à l'époque, j'ai pris du plaisir. En plus, je me rappelle, tu sais, quand tu passais justement des jeux en couleur, enfin des jeux en noir et blanc à des jeux en couleur, donc déjà, même si t'avais que quatre couleurs affichées à l'écran, t'avais un wow effect Ouais. de Ah dingue. bah après, voilà, c'était peut-être au niveau de l'animation et au niveau de ce Mais que même, de la voilà, tu vois, complexité t'avais. du jeu aussi. Voilà, donc tu passais vraiment dans une dimension nouvelle. Donc là, le remake, ça peut être sympa parce qu'il y a eu des Alex Kidd qui ont suivi, mais qui étaient pas mal. Mais là, je pense qu'il y a moyen de faire des Ouais. choses actuelles, mais tout en gardant le j'allais dire l'ADN du jeu original. Donc ça peut être très Ah, sympa, donc ouais. Donc, ça va te faire plaisir. Voilà, le premier jeu master peut-être que tu vas ouais, reacheter. Et c'est pas c'est pas impossible, c'est pas impossible. impossible. Et alors sur ce système, qu'est-ce que tu as eu comme jeu qui t'ont marqué? Alors donc bah il y a eu alors il y en a eu pas mal, il y a eu Afterburner, il y a eu Sonic, ça je pense que c'était les jeux où j'ai passé pas mal de temps. Afterburner, ouais, je le trouvais dingue, et c'est marrant parce que après, enfin, on en parlera au fur et à mesure de l'émission, mais Ouais. sur Mega Drive, souvent en fait, tu vois, les jeux que j'avais sur Master System, ils sont quasiment tous ressortis sur Mega Drive, alors dans des nouvelles versions, mais et en fait pratiquement je les ai tous repris. Donc tu vois, par exemple, donc Afterburner, je l'ai commencé sur Master System, je l'ai continué sur Mega Drive. Sonic, pareil. Alors après, j'ai un petit trou de mémoire. Il me semble que c'était sur Master System aussi, Black Belt, Ah, si je Black raconte pas Belt, de bêtises. oui, Black Belt. Donc lui aussi, Il est là, c'était ouais. le Ouais. Hokuto no Ken français. Ouais, non mais et le jeu pourtant, enfin, des fois était buggé, était pas buggé, mais des fois tu comprenais pas pourquoi, quand les persos étaient trop près et que tu balançais ton coup de pied, en fait tu les touchais pas, Ouais, par exemple, on a vu parce dans que la t'étais trop près. vidéo, on a vu dans la vidéo, la hitbox en fait Ouais. est. Elle Donc est à la pointe du ça. pied, et si c'est trop près, Ouais. bah en fait, bah ça fait Ça passe au rien. travers. Ouais. Donc, mais c'était marrant, ça je me rappelle aussi. J'ai passé pas mal de temps à jouer dessus. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Alors là, j'ai un petit doute, mais ça, je crois que c'était sur Mega Drive. C'est triste de plus avoir de mémoire, mais je crois que Shinobi, Shinobi sur ça a Master commencé, aussi. non? Ça avait commencé sur Master. Alors Parce que Shinobi aussi, je me rappelle. peut-être cette version-là, on va voir. Normalement, Je me rappelle. c'est assez similaire. C'est assez similaire. Ouais, si, c'était celle-là, ouais, si, donc si, Shinobi, tu vois, ça a commencé aussi, ouais, sur Master System. Ouais, j'aimais bien aussi l'ambiance, Bah oui, tu vois. de toute façon, sur cette machine-là, les jeux Sega ou à base Sega, à chaque fois, c'est de l'adaptation d'arcade. Plus ou moins bien, mais c'est des bons jeux à chaque fois. Ouais. Ça, je sais que j'avais bien aimé. Et puis en plus, toi, genre, enfin, en mode ninja et tout. Enfin, c'était rigolo, quoi. Tu vois, tu te faisais pareil encore. Tu vois, quand t'étais petit, tu te Ouais, faisais des bah oui. films et tout. Genre, hop, bah, tu jouais le ninja, quoi. T'essayais de refaire un peu Bah les trucs à l'époque, je que pense le que héros faisait, quoi. c'était peut-être les ninjas, les cowboys et les indiens. Ouais. C'était peut-être Ouais. C'est ça. vrai que ça, c'était le truc qui revenait le Ouais, plus le souvent, quoi. plus, ouais. Mais c'était marrant, ouais. Alors après, si, il y a eu aussi là je le vois dans ta liste. D'ailleurs, Vas-y. tu vois, je pensais que c'était un jeu Mega Drive, Shadow Dancer. Mais je pense que j'ai dû faire la version Mega Drive parce que sur Master System, je suis pas sûr.
Alors, Shadow Dancer, il y a la version Mega Drive, oui. Mais sur Ouais, cette non, ça, version-là, elle est ouais. assez obscure. Hein, Ouais, non, parce que là, je regarde, ouais, non, là, celle-là, non, non, donc c'est la non. version Mega Drive que j'avais fait, ouais, qui était assez dingue d'ailleurs. Mais après, Ça, normalement, ça sur. peut être une adaptation Tectoy, sûrement. Ouais. Peut-être, je suis pas sûr, mais bon. Alors là, honnêtement, je pourrais pas te dire, donc je vais pas te raconter de bêtises. Mais après, alors qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Donc il y a eu le Sonic, donc ça c'était un Ouais, classique. Sonic c'est classique, hein. Il y a eu aussi, alors ça devait être Ghost and Goblin, je pense, parce que Ghost and Oui. Ghost n'était pas sorti. Ouais, Donc lui aussi. Ghost and Goblin. Ah, c'était Ghouls and Ghosts sur Master Ghouls System. and Ghosts. Ghost and Goblin, normalement, c'était sur CPC, Non, ou etc. c'était. Je pensais que c'était aussi. Mais c'est Ghouls and Ah Ghosts bah le alors, titre. bon bah alors Ghouls and Ghosts, alors ouais, ça aussi, je me rappelle, je l'avais fait Tu l'avais sur fini? Star Non? System. Non. Ouais. On est On est d'accord, on est d'accord. t'arrivais. Ouais, non, non, mais c'était impossible. Alors t'arrives à aller relativement, enfin Ouais. relativement loin. Je pense qu'aujourd'hui, si tu me remettais le jeu, je suis même pas sûr de passer le premier niveau. Ouais, non, c'était un jeu horriblement dur. Ouais, Mais c'est pourtant, tu clair. vois, j'ai pas désespéré parce que je me rappelle, t'avais la version Mega Drive aussi. Ouais, oui, tu as une version Mega Drive, ouais. Que j'avais repris et je me rappelle on faisait le comparo entre les deux versions et on était comme des oufs parce que genre la Mega Drive au lieu d'afficher 32 couleurs elle en affichait peut-être 64, enfin je raconte des bêtises sur les chiffres, c'était un peu l'idée quoi, et on était comme des fous, on comparait les choses, on se disait waouh mais c'est trop beau la machine, enfin la Mega Drive elle est trop bien machin, mais on se faisait des petits délires perso Et en plus, la master clipait un petit peu de temps en temps s'il y avait trop de pixels à l'écran aussi. Ça arrivait. Mais Mais c'était bien marrant en général, voilà, t'as vraiment aimé la master sur le catalogue que t'as eu. ouais. Ah ouais, il y avait Golden Axe aussi, c'est vrai, Golden Oui, Axe. Golden Putain, c'est Axe. vrai, en voyant la liste là des jeux Est-ce là, que tu l'as ça eu rappelle aussi? Tu des. l'as eu? Ouais, Golden Axe, ouais, Adaptation d'arcade, jeu que tu pouvais ça je. jouer à deux, au moins sur Mega Drive, etc. Sur cette adaptation-là, Ouais. il n'y avait qu'un player. Un player, ouais, je me rappelle, mais j'y avais joué. Mais pour te dire que c'est ouf, et là où Sega était quand même extraordinairement fort, c'est qu'une fois encore, tu vois, c'est pareil, Golden Axe sur Master System, mais sur Mega Drive aussi, je l'ai fait. Et en fait, ils étaient très forts pour ça, hein. Ils avaient vraiment des excellentes licences et bien fun, et qu'ils ont su magnifier, on va dire, sur Mega Drive. Et au final, alors tu rachètes pas le même jeu, mais la même licence et tu kiffes comme si tu avais Ouais, jamais joué au premier en fait. parce qu'en fait, si tu te remémores l'histoire, mais il y avait une très grosse différence de temps à autre au niveau des jeux. Sur une version à une autre, même sur la même génération, sur différentes plateformes, tu as des jeux différents. Ça arrivait beaucoup. Exemple Aladdin sur Super Nintendo et Mega Drive. Même génération, mais jeux différents. Ça arrivait Jeux beaucoup. différents. Ouais. Ok. Sur Master, tu veux rajouter un autre titre, quelque chose que tu conseillerais, que tu te rappelles, non? Non, là, comme ça, je crois que. Alors, après, ouais, non, je pense que là, j'ai fait le tour. J'ai dû avoir probablement d'autres jeux, mais après, c'est vrai que. Tu vois, peut-être même Hang-On, je me demande. Mais je crois que j'ai eu que sur Mega Drive, lui, par contre, j'ai un doute. Hang-on. Oh, peut-être, hein. Hang-On. Mais je pense que lui, j'ai dû l'avoir. Je suis pas sûr, j'ai un doute. Peut-être dans la cartouche avec les trois jeux, la Mega Games, peut-être. On sait pas. Ah, je suis pas sûr. Non, je pense que j'ai dû le faire sur Mega Sur Drive, Mega lui. Drive, ok. Donc non, je pense que c'est à peu près tout. Ok. Donc là, on a vu ce qui se passait sur Master. Donc là, on est en époque 90-89. T'es un petit peu plus vieux. Et en fait, voilà, j'ai en profité. Voilà, tu as l'âge. Tu as l'âge. Donc, je vais te montrer un petit objet. Donc, peut-être que tu as possédé dans ces zones-là ou avant. En fait, on va tout de suite regarder. Hop. Ah, c'est un petit peu près. Et d'ailleurs, il faut que je tourne la caméra. Je vais en profiter, je vais la tourner en même temps que tu regardes. Alors là, Ah oui, c'est inversé en plus. Oh là là. Tout est OK aujourd'hui, hein. Je vais faire ça. Je vais faire ça vite fait. Hop. Voilà. Tac. Est-ce que tu connais ça? Le Macographe.
Le macrographe. Alors là, le nom ne me dit absolument rien. Alors, macographe de Mako, voilà, de cette marque-là. Il y avait Ouais, plusieurs objets qui étaient de cette marque. Et Mako, je me rappelle, mais ouais. alors, macrographe. Alors, en fait, là, tu as. C'était pour faire des dessins. Tu avais des petites. Ouais. Ces petits trucs-là tournaient, en fait, et Ouais. tu avais sur un écran doré. Tu avais juste la petite ligne qui passait. En fait, tu faisais ces dessins-là comme il y a sur la pub, Ouais. que personne n'a réussi à D'accord. faire à l'époque, vu que voilà, c'était super dur à faire. Est-ce que dans le chat, est-ce que vous le rappelez? En fait, c'est un petit peu près, mais c'est le système. Et après, voilà, quand Ah. tu faisais ce dessin-là, en fait, pour l'enlever, tu secouais d'un côté et de l'autre. Et hop, Ah ouais, ça non, l'enlevait. ouais. Voilà. D'accord, ça m'en va. Ah Alors, ouais, non, non. c'était le macrographe. Donc, ça, t'en as pas eu. Ça, Non, non, t'as non. rien eu de Non, non, ça. je me... Ok. Non, je me rappelle de l'ardoise magique, mais ça, Ah, c'est dans le là, même ça n'a rien genre. à C'est voir. dans le même genre. Mais, enfin, ouais, mais là, le macographe, non. Non, non, ça, j'avais l'ardoise magique, ouais, je Alors, me rappelle, ça, c'était marrant. on est tout le temps Yeah. dans cette ère. Est-ce que tu te souviens de ça? Ah ouais. Alors, La de la j'avais marque pas... Nico, Ouais. le cyclone. Donc on Ah a. ouais. Ça, c'était excellent, ça. Alors, c'était pas ce modèle-là que j'avais, moi, je Ouais. pense que Il y avait je me plusieurs rappelle, modèles, ouais. ouais. Ouais, voiture Ben. téléguidée. Moi, de mémoire, si je te raconte pas de bêtises, je crois que la mienne était bleue. Ouais. Il me semble. C'était à peu près dans ces zones-là, hein, normalement. Et Hein. ouais, mais ouais, ça, je me rappelle, les voitures téléguidées. D'ailleurs. C'était un peu enfin, pas le passage obligé, mais presque, quoi. Ouais. Alors, T'étais. d'ailleurs, on va avoir une petite pub de l'époque de Nico C'est vrai. sur ses petites voitures. Peut-être que c'est une qui passe en ce moment à l'écran. Donc voilà, Ah ouais, ça se si t'étais un vrai à l'époque, voilà, t'avais une Ah ouais. voiture télécommandée. Ah ouais, non, mais ça, c'était trop marrant. C'était obligé, C'est hein. vrai que. Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu regardes, bon, ça se fait plus tellement. Ou alors après, c'est vraiment les voitures télécommandées, mais limite avec essence et tout, où là, c'est plus du tout le même délire Ouais, que les c'est plus voitures le même délire. électriques. Là, c'est vraiment une voiture électrique. Et à l'époque, la Mais. marque Nico était l'une des plus convoitées, en fait. C'était ce Ah qui était à ouais, la mode. Hein. c'était énorme ça. Ouais, tu pouvais pas passer à côté. Ok. Bah, donc on a vu ce petit objet. Donc tu en as possédé une qui était Ouais. bleue dans ce cas-là. Ouais, si j'ai bonne mémoire, ouais, de mémoire, il me semble qu'elle était bleue. Mon frère devait en avoir une rouge. Ok. Bah, c'était généralement quand tu avais un frère et une sœur, on avait tout le temps les mêmes cadeaux et on. Et Ouais. généralement, quand l'un avait un truc, l'autre devait l'avoir pareil, sinon il était jaloux. Donc voilà. C'était Ouais, à peu près souvent ça. c'était. Et donc dans Ouais. cette époque 89-90, est-ce que tu aussi tu lisais les livres dont vous êtes le héros? Est-ce que tu avais comme ça des Ouais. jeux de rôle ou quelque chose comme ça? Est-ce que tu as des Ouais. souvenirs avec? Les livres dont vous êtes le héros, ouais, ça j'aimais bien. Alors que bizarrement, tu vois, enfin, faire des jeux de rôle, pas tellement. Mais les livres dont vous êtes le héros, ouais, ça j'adorais avoir la possibilité justement de faire ta propre histoire en fonction des événements et des choix que tu fais. Donc ça c'était plutôt cool. Je sais même pas si ça existe encore aujourd'hui, les livres dont vous êtes le héros. Ça, je peux pas te le dire, mais je pense que comme c'est un livre, ça peut être réédité, donc pourquoi Ouais, pas. c'est pas Mais impossible, ouais. peut-être que ça a été mangé par le marché du jeu de rôle, peut-être, je ne sais pas. Ouais, c'est possible. Mais ça, c'était bien sympa parce que c'était toujours en plus des histoires. Enfin, t'avais beaucoup d'histoires, soit d'heroic fantasy, soit un peu plus basées sur des monstres. Enfin, c'était toujours des livres hyper agréables à lire. Et puis, ce qui est sympa, c'est que quand tu t'es fait ta propre histoire, tu pouvais les relire en te disant, bon, bah voilà, j'ai fait ce que je voulais au départ. Là, on va essayer Ouais, voilà, tu de faire des faisais choix un peu différents et de voir exactement comment une comment fin ça se déroule. alternative en fait sur le jeu. T'avais plusieurs Ouais. fins. Soit tu mourais de plusieurs manières et ça, t'en avais beaucoup Ouais. beaucoup. Mais la fin, en Ouais. fait, t'avais des fins alternatives. C'était bien ça. C'était bien, c'est Ouais, vrai, c'est ouais. vrai. On va Non, voir c'était. juste le dernier objet avant de passer sur le jeu vidéo. Est-ce que tu te rappelles de ça?
Alors j'en ai retourné une exprès, juste parce que si je le retourne, ça va être un truc blanc, on va pas distinguer ce que c'est. Alors donc Ouais, on mais voit c'est des quoi? C'est des tortues Kuala ninjas. Comani, ça? Alors c'était C'était... des tatouages en fait que tu Ouais, avais quand tu ouais, mangeais ouais. des Chupa Chups ou quand tu mangeais des bonbons et tu les mettais sur la main, hop, tu mettais Ouais. de l'eau et en fait Ouais. t'avais des tatouages. Ouais, t'avais le tatouage. Donc Ouais, ça, je là me rappelle. Ouais, j'en ai une, ça. on distingue un peu, voilà, c'est les tortues ninja. Donc c'est de 91. C'était une collection de tortues ninja parce qu'à l'époque, voilà, les tortues ninja ça cartonnait de Ouais, partout. c'était... Ouais, ça, Donc ça aussi, t'étais tatouage. j'en avais quelques-uns, ouais. C'était marrant et c'est vrai que le principe de tu pouvais te tatouer, c'était presque comme une décalcomanie, quoi. Tu te le mettais, ça, moi, ça en général, ça durait, si ça durait 2 3 jours, c'était déjà pas Ah mal bah avant que ça ce, sortait avant que direct quand ça, tu prends ton ça bain. c'était... Ah ouais, non, C'est... mais moi, je me rappelle, des fois, j'évitais justement, tu sais, je me mettais dans la baignoire et genre, je mettais ma main au La main dehors, tu vois, dehors. La exprès technique. pour que ce soit pas mouillé, tu vois, pour essayer de le garder, tu vois, De t'arrives à le garder. garder 2 3 jours, tu vois, si t'arrives à bien t'en sortir. Ouais, pour arriver à Mais l'école et pour montrer ton tatouage. Ah, regarde, vas-y, t'as vu, hein. ça, c'était Mon marrant, idole, bah ouais. ouais. Et donc à l'école, c'était quoi la fureur de la cour de récré? Qu'est-ce que tu jouais dans la cour de récré? Il y avait le deal de quoi? Le deal des billes, les Ouais, voitures, ouais. Ah ouais, ça, les billes, les je crois que billes. je pense que c'était le truc le plus important, enfin le plus gros, À l'époque, parce que ouais. quasiment tout le monde avait un paquet de billes. Dans la cour de récré, c'était la lutte infernale, Ouais, quoi. ça c'était vraiment, enfin, le plus gros des jeux dans la cour de récré, ouais. C'est C'était la bille. jouer aux billes. Ah ouais, ça Et après, c'était tu jouais fou, sur ça. les coins des trottoirs, en fait, parce que la bille, comme ça, elle courait. Ouais, bon, ouais. Ça te permet, ça t'aidait un petit Ça peu, tu t'aidait vois, un peu, mais... ouais. Mais. Ouais. Ah ouais, non, Ok, ça, je me ok. rappelle, ces petites collections de billes. Et puis, tu vois, après, quand tu arrivais à en gagner, tu sais, genre que je trouvais vraiment super jolie, tu vois, celle-là, je les mettais de côté et je les jouais plus jamais, tu vois, je les gardais, tu vois, parce que je me suis dit, enfin, j'avais trop peur de les De perdre, les tu vois. perdre, ouais. Et je me disais, non, celle-là, faut que je les garde. Bah Donc, c'était les jeux d'argent entre guillemets avant l'heure, parce que si tu paumais tes ouais, billes, c'était tu comme paumais tes ça, billes. C'était comme ouais. ça. C'était la loi des billes. Donc je vais poser la petite question. Alors, est-ce que c'était le boulard? Est-ce que c'était le boulet? La plus grosse bille que t'attaquais? C'était Le le calot. calot, Ok, donc le qui est... calot. Oui. Ok, Team Ah oui. calot. Team calot. Eh oui, eh Donc dans oui. le sud, c'est plus les boulards et tout. Voilà. Ok. Donc on va retourner donc dans l'aspect vidéoludique. Donc on a parlé de la Master System. Quel a été ton prochain système de jeu vidéo après cette Master System? Est-ce que tu as attendu quelque temps ou tu as directement enclenché sur une Alors, bah en fait, j'ai directement enclenché sur la Mega Drive. Alors, je sais qu'après, en parallèle, alors je pense que c'était à peu près la même période Master System aussi. Mon frère, lui, il était un peu plus branché, on va dire, ordinateur. Il avait un Amiga 500. Je pense que c'est à peu près dans la même période, si je raconte pas de bêtises, hein. J'en doute. Alors, Je crois que c'est... est-ce que tu as en fait, on va te parler comme ça, le Starter Pack Mega Drive, tu dois le savoir, je pense. Et sur Amiga, est-ce que tu as des jeux qui t'ont marqué? Parce que généralement, Alors sur Amiga, Alors, on commence là par je serais Amiga? inca... ouais Ouais, ouais alors on va sur Amiga. alors je serais incapable de donner le titre d'un jeu, mais je me Ouais, rappelle de je peux t'aiguiller. Psygnosis. Ouais. Psygnosis, moi je me rappelle à chaque fois qu'on voyait le logo de parce que au départ Psygnosis c'était des codeurs, je sais plus, ils étaient genre 2 ou 3, enfin c'était rien, c'était tout petit, Ouais. avant qu'ils passent sur PlayStation et que ça devienne un truc énorme, et ils codaient ça limite chez eux, enfin ils faisaient leurs jeux, enfin comme à l'époque, hein, tu faisais des jeux relativement facilement, t'avais pas besoin d'avoir du matos de ouf, t'avais ton ordi et t'étais content. Donc je me rappelle que dès que t'avais un logo Psygnosis, t'étais sûr que t'allais bien t'éclater. Ouais. Après, Est-ce que tu as eu je un titre comme ça ou deux, trois titres que tu rejouais en boucle sur ce micro-ordinateur? après je serais incapable Incapable. par contre de te donner le nom des jeux.
Alors là, incapable. Je me rappelle de la machine, je me rappelle de Ouais. quelques images comme ça, enfin, de façon un peu fugace. Alors, est-ce que par exemple celui-ci est populaire, Cannon Folder, tu dirigeais une équipe, c'était genre Command and Conquer, mais avec une équipe de Ouais. soldats. Généralement, c'était populaire sur Amiga, ça. Alors, ouais, ça me dit vaguement quelque chose, C'était Cannon Fodder. mais Mais non. ouais, honnêtement, je serais pas sûr. Je pourrais pas te le certifier à 100%. Chuck Rock dirigeait un Néandertal ou. Ouais, ça me parle par Ouais, contre. Chuck Ça me parle. Rock, ça a été Ouais. disponible. Avec le coup de bide là. Ouais, Ouais, le coup de ça bide. c'est ouais. Alors, donc, il y a les Ouais, civilisations, ça me etc. Mais bon. Donc, tu me dis, voilà, t'as aucun titre de jeu ni genre de Non. jeu que tu as joué, en fait. Comme ça, Non, on non. passe à la Mega Drive. Mais voilà, J'avoue. t'as joué, en fait, avec ton frère à l'Amiga. Ouais, donc lui était donc assez branché dessus. Il avait quelques jeux, on pouvait, ça nous arrivait, ouais, de jouer. Celui-ci, Fire and Ice, est-ce que tu t'en Fire and souviens? Un Ice. loup, un loup. Non, je t'avoue, Non. là, tu me. Ok. Donc Ouais, c'était. tu Je me colles. Oh là parle là. juste des jeux, quelques jeux qui étaient populaires à l'époque. Ouais. Sensible Soccer, Kick-Off, des jeux de foot comme ça, non. Kick-off, Kick-off, j'ai peut-être eu sur enfin j'ai peut-être joué sur Amiga, ouais, Peut-être jouer sur Kick-off. Amiga. Ouais, c'est Ok. possible, Bon, ouais. mais bon, voilà, tu sais pas les titres, donc on va Ah passer sur ouais, Mega non, Drive, ce sera plus franchement. pratique Ouais, j'avoue là, que de je. parcourir. Hein. Donc sur Mega Drive, vas-y, ton starter pack, quel a été Donc. Alors, celui? sur Mega Drive, ça c'est sûr. Premier jeu, c'était Sonic. Donc Sonic, classique. Ça c'est voilà, c'est pas très original, je vous Bah, l'accorde. c'est normal, c'est une valeur sûre, hein. Ouais, C'est ça une valeur sûre, c'était. on te le met aujourd'hui, tu joues sans aucun problème, c'est un jeu qui est Ah ouais. éternel. Il était excellent, vitesse d'exécution, c'était assez fou quand t'arrivais à bien speeder, à te mettre en boule au bon moment pour prendre de la vitesse. Ça, ce jeu, il était vraiment excellentissime. Ouais, ça, j'ai passé des heures dessus. Franchement, excellent, hein, excellentissime. D'ailleurs, même la compile qu'ils ont refait le Sonic Mania là qui est sorti. Oui, sur. C'était quand l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Oui, à peu près dans ces eaux-là. Disponible sur quasiment toute la génération actuelle. Donc ça aussi j'y ai rejoué un petit peu, tu retrouves les sensations et t'as l'impression qu'en fait ouais, c'est ce que tu disais, le jeu il a plus de 20 ans, même 30 pratiquement, et il a pas pris une ride quoi, Non, c'est fou. C'est fou. le gameplay quand il est pointu, hein, c'est pour tout le temps. Hein. Ouais. Donc Ah ouais, tu as non, eu quel jeu ce énorme. Sonic et est-ce que tu as eu un autre jeu accompagné ou quels a été les autres jeux que tu as eu qui t'ont marqué sur cette plateforme? Alors je pense que de mémoire, alors je te raconte peut-être une grosse bêtise, mais il me semble que j'avais eu que celui-là au départ, Ouais. ce qui était déjà pas mal, hein, Bah, pas sympa, hein, attention. c'était le choix optimal. Ouais. Après sur Mega Drive, donc bah, j'ai eu du Hang-On, j'ai repris, bah, ce que je te disais tout à l'heure, le Golden Axe. Ouais, qu'on a vu. Je vais juste mettre le Hang-On pour voir la différence en fait. C'est peut-être Super Hang-On d'ailleurs sur Mega Ouais. Drive. C'est Super Hang-On. Ouais, moi, ouais. J'étais pas loin. Super Hang-On, c'était cette boîte-ci. Et là, ouais, là on a une version qui est largement plus proche que de Ah l'arcade. ouais. Ah ouais, là c'était ouf aussi, c'est pareil, tu vois, enfin quand tu faisais le comparo avec la Master System, en même temps c'est logique, hein, c'était les consoles de nouvelle génération, là tu disais waouh, quand même Là, il y a un le gap. jeu. Ouais, ah ouais, il y avait un vrai gap, même sur la sensation de vitesse, franchement c'était assez ouf, et même aussi au niveau sonore, les Oui. bruitages et tout, enfin c'était Bah, beaucoup plus réaliste, même si au final c'était loin de la réalité, mais c'était quand même beaucoup mais plus voilà, réaliste. les possibilités Mais étaient décuplées grâce à la puissance de la console. ouais. Ce qu'on ne Ah mais voit plus c'était maintenant, peut-être dans certaines choses à l'époque, voilà, tu sautais d'une Ouais. génération, c'était fou. Donc voilà, le Ouais. Super Hang-On, donc Donc tu as eu le Golden Axe.
aussi que Ouais, tu m'as dit. Donc, Golden Axe. t'as repris Ouais. les anciens jeux et nouveaux jeux sur cette plateforme-là qui t'ont marqué. Donc, tu as eu Altered Beast. Ça, j'aimais Ah bien ouais, aussi. bien. Altered Beast, le côté je me transforme en monstre, c'était assez sympa. Les musiques étaient pas mal aussi. Je me rappelle des musiques de l'époque qui étaient plutôt pas mal. Donc, Donc en fait, c'était voilà, assez cool. tu te transformais en loup-garou. Ouais. Donc ça j'aimais bien parce qu'au départ, tu sais, tu t'étais pas très musclé. Après, quand tu arrivais à attraper, alors je sais plus si c'était des gemmes ou, enfin ouais, voilà, ce qu'on vient de voir à l'image, t'en attrapais, je sais plus, deux ou trois. Donc quand t'en attrapais un, tu commences à gagner des muscles. Après, tu regagnais encore des muscles et puis après, au bout d'un moment, bah ça y est, tu passais en mode loup-garou. Donc c'était assez cool. Donc ouais, j'aimais beaucoup le jeu. J'aimais bien l'ambiance qu'il y avait Cette dans. ambiance, voilà, que assez Dans. horrifique à l'époque, voilà, Ouais, quand même, ouais. une mutation d'un personnage, surtout à cet Ouais. âge-là. On est en train de parler qu'en 90, voilà, tu étais encore jeune, donc Ouais. ça impressionne toujours un petit peu. Ouais. Et alors, d'autres petites perles que tu as jouées ou que tu te souviens? Alors, il y avait un jeu que j'aimais bien aussi qui s'appelle alors Elventio ou quelque chose dans ce goût-là. C'était un jeu que j'aimais bien. El viento, C'est Elvien. Ouais, voilà, c'était le vent celui-là. en espagnol. Ouais. Ah, ça ressemble à du Strider. Ouais, un petit peu. Ouais. Et je le trouvais vraiment pas mal. Après, t'avais une espèce, je crois, de boomerang ou enfin un truc un Ouais, peu dans ce goût-là. on le voit sur l'image, sur Ouais, la vidéo. ouais. Et franchement, je le trouvais super sympa à jouer. Très fluide dans ses actions. Donc, franchement, il était vraiment chouette. Ça, j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Ah, et Je crois c'est. qu'ils en ont fait aussi une version Game Gear, si je raconte pas de bêtises, je Ah, crois. peut-être, je vérifierai là si t'as eu le système, ou sinon on va y passer après, voir. Ouais, j'ai eu Mais le système on aussi. dirait qu'on dit. Et. C'est vrai, le jeu est japonisant et il ressemble beaucoup à Strider. Ouais, 91, ouais, d'ailleurs, ouais. je me demande si c'est pas trop la même époque, d'ailleurs. On vérifiera. C'est pas impossible, Pas ouais, ouais, impossible. ouais. Ouais, et ouais, j'aimais beaucoup ce jeu-là. Shadow Dancer aussi. Alors là, on va Ça, le la voir. version Mega Drive. Alors, du coup, là, ouais, Ah, alors, je connaissais pas la version Master System, mais la Mega Drive était vraiment Le Shadow Dancer, chouette. après, c'est l'un des meilleurs ou le meilleur shinobi de la Mega Drive. Et c'est un jeu qui est coté aujourd'hui. Ouais, avec le chien. Ah ouais. Et puis je me rappelle, t'avais un niveau où tu commençais du haut de l'immeuble et en fait tu te jetais dans le vide et en fait les ennemis, alors soit arrivaient par au-dessus ou alors ils étaient accrochés sur les murs, ils essayaient de te sauter dessus et toi en fait tu devais redescendre de l'immeuble. Alors sauf que le truc durait, je sais pas, peut-être 1 minute 30 ou t'avais 1 minute 30 ou 2 minutes de chute libre et donc bon bah tu devais essayer de tuer tout le monde avant qu'il t'arrête. Et je me rappelle, tu avais aussi une musique complètement folle sur cette partie-là du jeu. Et franchement, D'ailleurs, c'était. il y avait aussi les pouvoirs spéciaux, normalement, les flammes qui arrivaient sur l'écran, qui remplissaient Ouais. l'écran, c'était bien aussi. Ouais, non, franchement, il était excellent ce jeu, franchement, excellentissime. Et ça, ouais, je pouvais y passer des heures, je pouvais, même si le jeu, je l'avais fini, j'y rejouais toujours avec plaisir. Donc, franchement, non, non, très très sympa. Donc, il y a eu aussi donc Shinobi. Alors, le Shinobi, je sais plus le combien, c'était sur Mega Drive, c'était le. Je Alors, sais plus, t'avais eu Shinobi 3. 3, je crois, ouais, je pense que ça devait être le 3. Ouais, ça devait être. Ouais, 3 si, c'était ou. celui-là. Ouais, normalement c'est le 3. C'est le 3. Je pense que. Ouais, c'était celui-là. Celui-là. C'était. Ouais, quand je vois les images là, Ah, c'était ouais. peut-être celui-là qui a plus de cotes en fait. Je suis en train. J'hésite. Oui, je crois que c'était celui-là en fait. Les deux valent leur pesant, mais celui-ci, je crois que c'est le plus coté. D'ailleurs, on va voir une attaque spéciale. Ah, il a pris le pouvoir de la foudre. Ok, donc 93, on a le Shinobi 3.
Ouais, sur Mega Drive. ça aussi. Qu'est-ce que tu avais eu d'autre aussi? Tu avais Space Harrier. Alors, je crois que sur Mega Drive, c'était le 2, Alors, il me semble. Space Area, normalement. Non, si je raconte pas de bêtises. Il me semble. Space Area 2, tu as raison. Ouais. Tu as raison. Donc ça aussi c'était pas mal. Ouais, ça c'était complètement fou. J'adorais jeu de shoot assez délire. Ouais, c'était dans l'esprit, en fait, voilà, on innove avec de la pseudo 3D qui n'en est pas. Mais on avait déjà des sensations, en fait, de mouvement 3D. Disons, des mouvements C'était pas 3D, des mouvements dans l'espace, je dirais. Mais dans l'espace, ouais, c'était assez fou. T'avais des super bonnes sensations en plus, parce que le jeu était quand même globalement toujours très fluide, et quel que soit le nombre d'ennemis affichés à l'écran. Et franchement, c'était des bonnes sessions de jeu aussi, parce qu'en fait, ça s'arrêtait jamais. Dès que tu commençais ta partie, ça s'arrêtait jamais, quoi. Ouais, c'est tout le Donc, temps de l'action non-stop. ouais. Donc ça c'était bien bien fun, ouais, aussi. Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Outrun aussi, je crois. Ouais, Si je te raconte pas de bêtises, Outrun Outrun. aussi, Il y a qui les deux, était. je crois qu'il y a le super, il y a le normal aussi. Mais ça se peut. Alors par contre, alors je serais incapable de dire. Bah, Non, le je pense meilleur que c'est ça devait celui-ci, être. hein. C'est Outrun Ouais, normal. c'était. Ouais, mais je pense que ça devait être celui-là que j'ai eu, ouais. Donc ça aussi, c'était marrant. Jeu de course bien fun. En fait, au final, quand tu regardes les jeux, ils avaient tous plus ou moins la même structure. Tu vois, tu regardes Outrun et tu regardes Space Harrier juste avant. Au final, t'as quasiment la même structure. Après, c'est le skin qui change. Tu vois, au lieu d'avoir un petit gars qui se balade, qui court ou qui vole, t'as ta voiture. Alors certes, Avec elle les vole pas. ennemis, ouais. Mais t'as le défilement, ouais. Mais ouais, c'est le même défilement, et tu vois, donc là tu dois esquiver les voitures. Mais c'était assez fandard quand même, parce que ça c'était des jeux vraiment, bah, pour le coup, typé arcade, hein, parce que Sega s'était fait une spécialité de faire des consoles typées arcade. Ça c'était du fun immédiat, quoi. Ah C'est tu, tu oui. même tu jouais que 5 minutes, t'avais 5 minutes pour jouer, bah tac, tu lances le jeu. Tac, c'est du fun immédiat, tu vois, t'as pas besoin Bah, de rentrer dans le jeu ou quoi que ce soit, c'est tout de suite, quoi. sur toutes ces adaptations d'arcade sur console, c'était vraiment tu lançais la console, peut-être 2-3 secondes, tu étais déjà dans le menu, tu appuyais sur start, 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 et hop, tu commençais, hein. Tu Ouais, faisais c'était ta ça, petite quoi, pause qui était génial. midi, après manger, avant d'aller à l'école, et voilà, tu pouvais jouer Ouais. direct. Ouais, Ok, ça donc c'était bien cool. est-ce que tu as eu d'autres jeux qui t'ont marqué sur la Mega Drive ou on a fait un petit peu le tour de ce qui t'intéressait? Alors là, Est-ce je qu'il y a une pense qu'on a. perle, est-ce qu'il y a une perle cachée que tu voudrais partager avec nous sur cette console? Une perle cachée, une perle cachée. Peut-être que tu as eu. Je réfléchis, non, franchement, je pense que vraiment. Ah si, t'avais aussi. Là, je viens de voir, c'est vrai, t'avais Michael Jackson, là, t'avais. Comment il s'appelait, Moonraker? Moonwalker. Ah Moonwalker. ouais, qui était génial aussi. Ah, moi j'adorais avec l'ambiance sonore et tout. Ah ouais, il était génial. Alors, en plus, c'était Avec l'époque sauver les Michael petites filles. Jackson. Ouais, bon, ça c'est vrai que quand tu y jouais sur le coup, tu vois, tu pensais pas. Après, avec le recul, tu dis bon, ok. Mais sur le coup, et puis en plus, Michael Jackson à cette époque-là, il était sur le toit du monde, Ah oui, c'était. c'était complètement ouf. Et là, tu pouvais même, ouais, avec la démarche et tout, comme dans le clip et tout. Ah ouais, non, Et c'était puis génial. alors, tu C'était rentrais, puis excellent. t'envoyais ta petite pièce dans le Ouais, jukebox et la musique commençait ouais. juste après. Ouais, non, C'était ça c'était excellent. génial. J'ai adoré aussi celui-là. Adoré. T'avais aussi, ah si, c'est vrai, tu vois, en reparlant, t'avais aussi Castle of Illusion, qui était extraordinaire. Castle of Illusion, voilà, on est reparti sur les jeux Disney, c'était Ouais. Ah, la base, hein. La base il à l'époque. était excellentissime. Excellentissime. Gameplay, animation aux oignons pour l'époque. Ah ouais, là, t'avais l'impression de voir un dessin animé, en fait, tellement tellement c'était bien fait, quoi. Et D'ailleurs, même c'est. l'ambiance sonore et Ouais. tout, D'ailleurs, ces c'était dingue. personnages, ils se prêtent très bien aux jeux vidéo, en fait, sur l'univers cartoon. Ça rendait très bien en pixel.
Ah, mais clairement, c'était excellent. Moi, j'adorais jouer à Castle of Illusion. Et il n'était pas facile, hein, quand même. Tu avais des passages qui étaient Oui. assez ardus. Hein. Mais tu avais franchement toujours un kiff de jouer à ce jeu-là. Ouais. Et même aussi Aladdin. Tu Aladdin. vois, en pensant au dessin animé. Ah oui. Aladdin aussi, donc forcément Team Mega Drive, puisque moi j'ai jamais été Nintendo, enfin tous les cas sur cette période-là. Donc Aladdin, génial aussi. Là, oui, le jeu qui a été super bien noté à l'époque dans les magazines. Et c'était vraiment l'argument pour la Mega Drive en comparaison entre l'un et l'autre. À l'époque, il y avait vraiment la version voilà, concurrente Super Nintendo était un bon jeu, mais l'adaptation qui a été remarquée, ça a été celle-ci. Et après, voilà, Ah ouais, il y avait clairement. aussi les adaptations pour Master System, Game Gear, voilà, les autres systèmes aussi de l'époque, qui sont à chaque fois des versions différentes. Les niveaux n'étaient pas les mêmes et tout. Mais cette version-là, excellente, ouais. Ah ouais, non, Donc celle-là, des. je trouve que c'était la meilleure, c'est tout. Donc Team Rien Mega d'autre Drive avec. Aladdin. Team Aladdin Mega Ah bah Drive. oui, obligé, quoi, t'as pas le Ok, choix, tu vois, ok. c'est. Voilà. Ah non, c'est les choix qu'on fait, c'est comme ça. Tu veux nous partager un autre jeu ou on passe à un autre système? Sinon après vite fait tu vois la Ouais. Afterburner c'est ce que je te disais tout à l'heure donc il y avait eu la Afterburner 2, version ouais. Master System donc l'Afterburner forcément aussi sur Mega Ouais, Drive là c'est déjà le 2, donc on a des améliorations. Là t'as plus de sprites à Et puis l'écran faire des loopings, et puis t'as plus ouais. ça défilait très vite hein, à l'écran. Et je me rappelle aussi de la borne d'arcade. Alors, je suis pas sûr que c'était Afterburner, mais je crois qu'ils avaient développé une version d'Afterburner spécifique. C'était avec le R360, Ouais. où là, en fait, tu montais, en fait, tu étais dans une cabine où en fait, tu pouvais faire de vrais loopings. C'est-à-dire que tu pouvais te retrouver la tête en bas, Ah mais parce qu'en c'était fait, tu étais ouais. C'était la version monté. d'Afterburner, ouais. C'était vraiment Afterburner, Ouais, ouais. ouais, ouais. Mais je me rappelle ça aussi, dépenser quelques piécettes là-dedans, juste pour le plaisir de faire des loopings, même si Ouais. ça servait à rien. Mais si j'étais juste, Oui, tu vois, c'était. t'es sur ton siège, tu fais un looping, tu fais waouh, Bah, c'était la l'arcade folie. à l'époque, c'était pour avoir des sensations que tu ne pouvais pas avoir à la maison. Et donc, l'histoire, c'était vraiment comme si c'était des manèges. Tu faisais Ah, mais clairement. un tour de manège, tu faisais un tour aussi de borne d'arcade. Qui avait Ah les ouais. simulateurs, c'était plus ça, c'était des sensations qu'on recherchait. Mais ok, donc voilà, Afterburner sur Mega Drive, très bon choix aussi. Pour l'instant, des classiques, on a eu des Ouais, après classiques, beaucoup de à classiques. part le El Viento, qui est largement moins commun, mais très bon jeu. Fait penser donc à Strider. Donc on passe sur un autre système ou t'as encore un autre jeu que tu voudrais nous partager, pour pas en louper? Après, Là, comme ça, je si c'est pense des jeux qu'on. communs, on peut, voilà, on peut, on, je pense qu'on a eu. Mais si t'as comme ça quelque chose de caché, non. Non, parce que si, après, tu enfin, t'avais les classiques, même Phantasy Star, tu vois, enfin, Ouais. tu as des jeux comme ça. Bon, c'est des jeux qui sont quand même relativement connus. Donc, Les bon. aliens, peut-être que t'as eu des FIFA à l'époque, Ouais, voilà, tu vois, ouais, Astérix, FIFA. non, je sais pas. Alors, Astérix peut-être pas, mais je sais aussi que j'ai eu un jeu. Alors, je sais plus. C'était avec. Je sais plus si c'était. Non, c'était avec Picsou. Non, Picsou, Donald. Non, ça devait être avec Donald aussi. Le Duck C'était. Hunt, peut-être. Duck Hunt, Non, non. Quackshot. Oui, ouais, Quackshot. Duck Hunt. Donc, ouais, non, c'était pas tout à fait pareil ça. Non, non, non. Bah, c'était le canard, donc donc, j'ai dit Duck. ouais. Quackshot, alors attends, faut que je remonte. Tu vois, bon, et puis t'avais bien sûr les super classiques Streets of Rage, notamment le 2, rien que pour l'intro. Des fois, je mettais la cartouche, je mettais juste Ah, l'intro pour avoir la musique de l'intro. le Tu son, sais, quand c'est t'as le texte clair. qui défile là Ouais, ouais, où t'expliques ouais. Ah, la. j'ai fait la même, hein, j'ai fait la Et même. c'était obligé, quoi. J'ai fait la même. C'était ouais non c'était trop excellent là Et d'ailleurs à cette époque sur la Mega Drive, est-ce que tu jouais avec ton frère? Est-ce que tu profitais des modes de player sur ces jeux-là? alors ça nous arrivait de jouer ensemble ouais mais c'est vrai que enfin souvent bon souvent c'est peut-être abusé mais de temps enfin on jouait je pense plus quand même solo que qu'à deux K2, ok. quand même Ok. ouais.
Ouais, c'était Mais comme si enfin. c'était des jeux qui se proposaient pour le deux players, peut-être que Ouais. voilà, tu avais un partage avec ton frère. Donc ok, donc la Mega Drive, on voit des beaux titres, des petites découvertes, donc c'est déjà assez c'est cool. Ah Et ouais, clairement. donc on a vu quelques petits jouets que tu avais, des petites mémoires que tu avais à l'école. Et on va parler peut-être à cette époque-là, 90, 92. Est-ce qu'on va parler de quelques petites tenues vestimentaires? Hop, on va passer en caméra. Est-ce que tu as eu ça? Est-ce que tu reconnais l'objet? Ou alors c'est comme Alors ça. laisse-moi deviner, c'est Nike. Ouais, T'as mais vu, je suis fort quand même. Mais c'est ouais. surtout l'objet, c'est une banane. Bah ouais, Une t'es obligé banane. à l'époque. À l'époque, t'étais obligé. T'es limite, t'avais pas le choix. Donc oh, c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui, tu te dis mais qu'ont fait nos parents? Oui. Mais Donc, alors, ouais. avais-tu des sacs bananes? Et qu'est-ce que t'emmenais Ah dedans? ouais. Donc, d'ailleurs, je vais le montrer Bah. sur cette image. Peut-être que c'est plus facile. Voilà, la banane. Ouais. Ah ouais, la banane. Bah non, mais tu sais, c'était un petit truc un peu fourre-tout. Alors des fois, tu pouvais foutre des si t'avais des paquets de gâteaux, tu sais, en sachet, ou des fois t'avais deux gâteaux, donc t'en glissais un dedans, tu Ouais. vois, histoire de dire si jamais dans la journée, toi, t'as un petit coup de faim intact, un petit gâteau, tu mettais un peu, enfin, tu t'en servais un peu comme d'un fourre-tout, quoi. Ouais. Ouais, ou tu vois, ou même les clés de la maison, enfin, ouais, tu Donc t'en servais vraiment comme d'un fourre-tout, quoi. tu Enfin, je m'en étais servais comme utilisateur de à l'époque. bananes à l'époque. Ouais, pendant longtemps, hein, pendant longtemps, pendant Donc longtemps. c'était assez pratique en fait, et après c'est devenu Ouais. assez kitsch en fait, Ouais. mais bon. Ouais, c'est devenu complètement has-been, Ouais. tu sais pas pourquoi, du jour au lendemain, limite. C'était Alors les qu'au modes, hein. final, c'est vrai que c'est quand même. D'un point de vue praticité, on va dire, c'est quand même hyper pratique, quoi. T'as un truc tout de suite là, Je tac, comparerais plac. ça à l'objet maintenant des exécutifs, c'est les espèces de sacs à hommes, hein, en fait, où tu as un petit sac juste à côté, tu mets tes babioles, même les footballeurs les utilisent, mais maintenant, voilà, ça c'est à la mode, mais les bananes, non, Ouais. c'est has-been. Ouais, non, c'est foutu. Ok. Et Ah, donc, ouais. à cette époque, quand tu utilisais les bananes et tu avais une Mega Drive, est-ce que tu es passé sur un autre système où tu es passé sur... tu as fait une attente. Alors après, alors j'ai gardé la Mega Drive quand même pas mal longtemps parce que Donc pas de Team Nintendo à l'époque, rien. alors non, absolument pas parce que j'étais absolument pas du tout attiré. Alors tu vois, après c'est pareil, à l'époque tu vois, t'avais pas la possibilité d'avoir les deux, c'était tu devais choisir quoi. Ouais. Donc moi j'étais pas du tout attiré par les jeux que proposait Nintendo, les Mario et consorts, ça me parlait pas du tout. Je préférais justement le côté un peu plus, enfin, je vais pas dire adulte, c'est peut-être un peu exagéré, mais enfin, on peut dire aller Bah, un peu plus au niveau des adulte. publicités, Ouais, ça marquait la c'était aussi. différence, hein. Ouais, Sega était aussi plus punchy. Tu voyais que Nintendo, eux, ils avaient plus une culture de jouets, donc ils s'adressaient plutôt aux enfants vraiment, enfin jeunes, jeunes quoi. Ouais. Alors que Sega, eux, t'avais plutôt l'impression qu'ils s'intéressaient plus aux ados qu'aux enfants. Ça se retrouvait aussi un peu dans leurs jeux. Tu vois, t'as des jeux comme Altered Beast ou des jeux comme ça. Tu vois, t'avais pas trop, T'avais enfin, ou en plus tous de les cas jeux à l'époque. matures. T'avais plus de jeux Ouais, voilà, matures. tu vois, t'avais pas trop l'équivalent sur Super Nintendo ou même sur Famicom. Donc, j'ai jamais été Nintendo sur cette période-là. En revanche, ça m'a pas empêché de jouer à certains jeux parce que automatiquement, dans tes amis, t'avais forcément des gens qui avaient des Super C'est ce que Nintendo. j'allais te demander. Est-ce qu'à l'époque, alors, tu pratiquais le prêt de jeu? C'est-à-dire que voilà, on se prêtait directement la console avec tous les jeux qu'on avait. Durant une semaine, tiens, je te file ma Mega Drive et mes jeux, toi, donne-moi ta Super Nintendo ou ta NES ou n'importe quoi. Est-ce que tu le faisais? Alors ça, j'en connaissais qui le faisaient, mais moi je Ouais. le faisais pas. En revanche, tu vois, quand tu devais aller chez un pote pour y jouer, il n'y a pas de souci, on y Ouais. jouait, ou ça, il n'y a pas de problème, tu vois. On arrivait quand même à aller entre guillemets à droite à gauche et on pouvait jouer chacun sur le système de l'autre. Ouais. Mais c'est vrai que ça n'allait pas
Même si j'en connaissais qui le faisaient, mais ça n'allait pas jusqu'au prêt, Jusqu'au prêt, ok. enfin jusqu'aux Donc, échanges, est-ce que tu as découvert comme ça quelques jeux qui t'ont marqué sur des systèmes que tu n'avais pas à cette époque? Sur Bah, la tu vois, Super ou sur la NES? Alors plus sur la Super, Ouais. mais tu vois par exemple, alors qu'à l'époque, tu avais une version aussi qui était sortie sur Mega Drive, mais que j'ai même pas calculé, c'était Street Fighter 2. Ah bah Street Fighter oui. 2, moi je l'ai connu sur Super Nintendo. Parce qu'en plus Là, j'avais des potes qui étaient... je dirais oui, c'était la meilleure version. Du moins, voilà, il y a eu les variantes, il y a eu les mêmes versions sur Mega Drive, mais au niveau sonorité, c'était peut-être supérieur à la version. Alors là, je pourrais pas te dire parce que ouais, la version Mega Drive, là, tu vois, j'étais passé complètement au travers. Et bon, à la base, je suis pas non plus super super fan de jeux de combat, mais c'est vrai que celui-là, je sais pas, t'avais un truc, il était relativement technique, mais quand même simple. Donc même, tu vois, tu faisais une première partie, t'arrivais quand même à jouer. Alors des Ouais. fois, tu sortais les coups spéciaux un peu avec de la chance, parce que tu sais, t'avais la technique où Tu bourrinais, tu bourrinais comme un fou, le joystick, tu le balançais dans tous les sens, enfin où la croix La croix directionnelle, directionnelle, ouais. tu vois là, tu la martelais, tu faisais n'importe quoi, et puis de temps en temps, tu sais pas pourquoi, ah bah ça te sortait un Hadouken, et puis après quand tu comprends comment il faut le faire, bah alors après t'essayes de le faire. Le jeu était vraiment chouette sur Super Nintendo. Je me rappelle aussi Secret of Mana aussi. Ah, grand jeu, grand jeu. Ça, c'était aussi un très très bon jeu. C'est pareil, j'allais des fois chez des potes pour faire des petites sessions de jeu de temps en temps. Tu vois, enfin, alors j'ai jamais vu la fin. Tu vois, j'ai dû voir le début peut-être, voilà. Et puis à un moment donné, le jeu genre 10 heures après, enfin, de façon complètement hachée. Donc j'ai jamais fait de A à Z. Après la spécificité, on pouvait jouer à plusieurs jusqu'à 3 sur le jeu, quoi. C'était Mais il était vraiment, enfin, je trouvais vraiment sympa. Il est très Donc bien, ça, ouais. c'était le genre de jeu, je trouve, qui manquait un petit peu Sur sur Mega Mega Drive. Drive. Même si, bon, il y avait des très bons jeux, mais Ouais, il y avait quelques jeux comme ça, action RPG. Je prendrais par exemple la Légende de Thor. Il y avait en 3D isométrique Landstalker. Ouais, Land Soccer était bon aussi, ouais. Il y avait Soleil aussi, voilà, c'était vraiment des jeux typés Zelda ou action RPG sur cette plateforme-là, mais il y avait quand même une plus grande variété, on va dire, sur la Super au niveau du JRPG ou action RPG. Ouais. Ok, donc Ouais, t'as pu clairement. découvrir ça, donc c'était déjà Ouais. pas mal. Hein. Et Donc j'étais content. ouais, c'était déjà pas mal. Est-ce que t'as eu donc à l'époque, on est tout le temps dans cette époque, tu as eu des portables ou non? Alors la seule portable que j'ai eue à l'époque, c'était donc la Game Gear. Voilà, là on parle, là on parle. Là on parle du Donc système de qualité, monsieur. tout à fait. Alors après, j'ai pas eu énormément, énormément de Quel a jeux. été ton jeu de début et le jeu qui t'a marqué sur le système? Parce que je pense que j'ai eu Sonic aussi sur Game Gear. Sonic, on connaît. Est-ce que c'était Columns, Ça ton premier c'était jeu? le. Et Columns aussi. Ah, ouais, Columns aussi, Alors, des heures de Columns. jeu. Enfin, le seul truc qui t'empêchait de jouer, c'était la batterie, quoi. Ouais, voilà. Batterie, quand ça tombait en rade, C'était les piles, c'était le voilà. seul truc. Mais ouais, ça, Columns aussi, c'est pareil. Tu peux y Alors, passer un temps, quoi. est-ce que tu as des anecdotes avec cette portable-là, si tu l'avais emmenée à l'école ou quelque part? Alors ça, en général, non. Non. Franchement, enfin, c'était une console portable, mais j'y jouais à la À maison, en la fait. maison. J'avais trop peur de la perdre ou de la casser ou de. Et j'ai même pas le souvenir. Non, je crois que j'ai même pas ramené à l'école, jamais. J'ai trop peur qu'il arrive un Casser, truc, tu vois. ouais. Parce que pourtant, c'était une console qui était quand même relativement, enfin, autant que je m'en souvienne, elle était quand même relativement robuste, hein, quand tu Oui. l'avais en main. Alors certes, t'avais le poids des piles aussi, mais tu sentais quand même que c'était un truc Oui, costaud, quoi. c'était ma stock. Hein. Je pense Ouais. même au niveau de la Game Boy, hein, la Game Boy est assez résistante. Ouais. Mais Mais c'est vrai que la Game Boy, elle, par contre, elle était plus racée, mais pareil aussi, quand tu l'avais dans les mains, c'était tu une sentais que brique. c'était du costaud aussi. Ouais. Donc ouais, non, mais après la Game Gear, c'est vrai que j'ai pas eu
énormément de jeux. Donc il y a eu le Sonic, il y a eu le Columns, ouais, ça c'était Sonic et ça Columns, c'est voilà, bizarre. c'était les classiques, hein, on va dire que c'était les bons choix. Est-ce que tu as connu à l'époque le Air Sword Gym? Earthworm Jim. Alors ouais, justement, en le voyant, alors je me demande si je l'ai, Si tu l'as parce que pas eu lui sur je l'ai Mega Drive, fait. peut-être. Alors je l'ai fait. Je l'ai peut-être fait sur Game Gear Sur aussi, Game celui-là. Gear. Parce que je sais que je l'ai, ouais, je sais que je l'ai fait. Lui, c'est soit sur l'un, soit l'autre. Le Echo, tu vois, par exemple, le Echo, ça, Écho de dauphin. je l'ai eu sur Game Gear et sur Mega Drive aussi. J'avais eu les deux. On trouvait le Après. catalogue en fait qui était disponible sur Master System et Mega Drive sur la console et assez bien fourni quand même. On avait des Fantasy Zone par exemple, le petit jeu de shoot kawaii qui était bien. On avait les FIFA. Ah, bah, on était bien servi, on était bien servi. Non, Après franchement, la con. au Japon ils ont eu d'autres jeux encore mieux, mais ça allait quoi. Ouais, non, franchement, nous, à l'époque, en plus, c'est sûr que tu comparais console couleur, console noir et blanc. Même du Mortal Kombat, regardez. Il n'y avait pas photo. Ouais, alors Mortal Kombat, moi j'ai jamais trop Jamais accroché sur les accroché. Mortal à l'époque. NBA Jam. Comparativement à ceux de maintenant, ouais, NBA Jam. Mais ça, lui, je l'avais fait plus sur Mega Drive, Sur le Mega NBA Jam. Drive. Ouais. Ça aussi, c'était pareil, c'était des jeux. Il y avait Outrun, il y avait Shinobi par exemple. Vu qu'on a vu les Shinobi, on va aller voir aussi ici. Shinobi. Ah mince, il est là. Voilà, j'ai passé. Tac, c'est difficile, l'écran de contrôle, il y a un décalage. Mais Oui, voilà, on c'est avait le un. Shinobi. Bah, Les Shinobi aussi, c'était comme Il sur Master, quoi. Parce que les ouais, jeux étaient ouais, quasiment des copies des jeux Master System ou avec ouais. quelques améliorations, voilà. Ouais, parce que ça, je me rappelle aussi, ouais. Je T'as l'avais pas fait eu sur Game Gear, d'accessoires souviens. avec la portable? Jamais eu Non. l'adaptateur antenne, rien, non? Ouais, non, Non. non. Après, c'est vrai que à cette époque-là, ils avaient tendance à sortir plein d'accessoires. Mais moi, en général, j'ai jamais franchi le pas. Tu vois, par exemple, même sur Mega Drive, tout ce qui est 32X, Mega CD. En fait, pour moi, tu vois, c'était des accessoires pour lesquels, enfin, qui voulaient essayer de prolonger la durée de vie de la Mega Drive. Ouais, bah oui. Mais pour moi la Mega Drive, la console, c'était déjà fini, quoi. Tu vois, quand comment Quand le méga CD il est sorti? quand le Mega CD est sorti, par exemple, voilà, pour moi, je trouvais ça totalement sans intérêt. Alors après, je pourrais pas te parler de la qualité des jeux, puisque tu vois, j'y ai pas joué, donc il y avait peut-être sûrement des bons jeux, mais moi, je voyais pas l'intérêt. Tu disais, voilà, tu as une console 16 bits qui a marqué son temps, qui était sympa, qui était truc, qui était machin. Là, il te rajoute un accessoire CD. Après, tu avais aussi le 32X pour lui donner plus de puissance. Mais tu sais, tu avais vraiment l'impression, genre, c'est la console qu'on veut pas laisser mourir. Alors, on rajoute plein de trucs, mais qui au final, quand tu sors la console d'après, tu vois, quand ils ont sorti la Saturn, qui est arrivée pas excessivement longtemps après, enfin, la Saturn ou la PlayStation, je sais pas, après le Mega CD, c'est arrivé peut-être quoi, 3 ans après, 2-3 ans après, si Ouais, je raconte pas de bêtises. c'était dans ces Tu vois, zones-là, hein, parce c'était que dans je crois ces je zones-là. crois ouais, parce que je crois que le 32X, il est presque limite sorti en même temps que la PlayStation, je Ouais, crois. quasiment, 93. Je pense que c'est 93, 80, 93, 94, un truc comme ça, hein. Mais tu vois, moi, pour moi, voilà, quand Sony a annoncé sa PlayStation, je me voyais pas acheter un 32X parce que pour moi, c'était la console, ça y est, c'était fini. On devait passer à une nouvelle génération. Et même si tu rajoutais voilà, tout un tas de trucs autour, pour C'était moi, pas ça ça servait à rien, tu qui te ferait rester sur ce vois. système-là et ne pas prendre un système Non. plus récent, c'est ça? Ouais, parce que pour moi, en fait, tu étais toujours resté bloqué. En fait, c'est comme si tu avais un plafond de verre. En fait, même si tu pouvais rajouter tout ce que tu voulais, alors ok, maintenant tu peux mettre tes jeux sur CD, tu as ceci, tu as cela, tu rajoutes un peu de puissance. Mais la base reste une Mega Drive. Oui. Donc au final, tu peux améliorer un peu, mais voilà, pour moi, enfin, tous ces accessoires-là, entre guillemets, ça, je voyais pas trop l'intérêt, quoi. Tu vois, Alors, surtout. oui, vas-y, Ouais, vas-y, pardon, vas-y. Non, non, excuse-moi. non, Non, je disais surtout qu'en plus, en parallèle de la Mega Drive, j'avais eu la Neo Geo. Et Ah, bah attends, ça c'est le plat de résistance, monsieur. On va y arriver.
Donc, Donc, tu étais donc. équipé en même temps de la Mega Drive, d'une Neo Geo. Raconte-nous cette histoire. Comment Ouais. ça s'est passé? Comment as-tu embrouillé tes parents pour qu'ils t'achètent une Neo Geo? Eh ben écoute, je sais pas. Je crois que j'aurais juste demandé à ma mère. Enfin, Je pense pas. Je pense pas que ah bah c'est une console qui se demande comme ça quand même. L'argent, c'était cher, hein. qu'est-ce que tu veux à Noël? Alors après, tu prépares le terrain, tu te dis, ouais, mais ça sera Noël, mon anniversaire, mon truc, mon machin. Je veux ça. Après, ok, d'accord. Donc Elle alors ça dit sera ok, ok, puis après elle regarde le prix, ça elle sera. dit non. Alors après, tenir. Alors ça sera. Donc ça c'est pour ton Noël, pour ton anniversaire et pour le Noël d'après. Alors. Ah, la Ok. technique! Ok, Ah d'accord. Allez, ouais! vendu. Ah, mais ça valait le coup, ça valait le coup. On Mais va y en même temps, aller. ouais. C'était alors moi c'est vrai qu'à l'époque, tu sais, enfin, tu t'avais pas la notion de l'argent, tu pouvais juste Ouais. voir entre guillemets, tu vois, s'il y avait une console où on te disait ça coûte 3000 francs et que l'autre coûte 1500, bon bah tu comprenais que celle à 3000 francs coûtait plus cher, mais t'avais pas vraiment la notion de l'argent, Ouais, tu vois. comment avoir ces 3000 francs à l'époque? C'était ça, Voilà, quoi, tu tu veux vois, dire. parce que la console elle est sortie, je sais pas, je devais avoir allez 11-12 ans quand elle est sortie. Mais alors, comment est-ce que tu as connu la Neo Geo pour demander déjà une Neo Geo? Comment as-tu été renseigné sur cette console? Bah, en fait, moi, bah, je lisais tous les magazines qu'il pouvait y avoir de l'époque qui parlaient des jeux vidéo. Et c'est vrai que à l'époque, alors ça, je le faisais moins parce que parce que j'avais moins l'âge de le faire. Je l'ai fait un peu plus tard, notamment sur PlayStation, où j'allais chercher des jeux en import et tout. Mais dans les magazines, tu sais, t'avais toujours une section genre jeux européens et puis les jeux en En import. import, ouais. Parce que des fois, t'avais des jeux qui sortaient jamais officiellement en Europe. Et donc, t'avais toujours voilà, des encarts comme ça, et donc tu regardais, et des fois tu voyais des jeux, tu te dis waouh, mais pourquoi ça sort pas chez nous? Et puis après, pour l'import, enfin, si, attends, si, ceci dit, je suis un menteur parce que sur Mega Drive, je me rappelle que en fait, la différence entre les jeux japonais et les jeux européens, en fait, c'était juste la forme de la cartouche, c'est-à-dire qu'en fait, pour Ah oui, parce que tu pouvais. en fait, la. On pouvait mettre en direct, ouais, les jeux Jap dans un modèle européen. Et en fait, c'était juste ce que Sega avait imaginé pour éviter que les gens justement achètent des jeux japonais pour les mettre sur les consoles européennes et vice-versa. C'est que en fait, sur l'arrière de la cartouche, sur la cartouche Mega Drive japonaise, en fait, ça faisait un petit bout arrondi et C'est puis ça faisait arrondi, un ouais. coin direct. Et Le ça coin faisait direct, un coin. c'est dans Et l'européen qu'il y avait la petite ou sinon encoche. l'européen. Alors. Voilà. Oui, dans l'européen, voilà, c'est ça. Il y avait l'encoche et pas dans la version japonaise. Et en fait, je me rappelle avoir limé les encoches que tu avais dans le port cartouche. Et alors t'étais obligé, tu sais, alors t'appuyais sur le truc pour ouvrir le cache qui protégeait le support cartouche. Donc tu l'ouvrais et puis tu limais les Tu trucs. l'y Alors mets avec une là, lime t'étais à là comme un ongles. ouf. Alors tu y allais à fond, tu vois. Et puis après, quand tu avais ton jeu, tu essayais de le rentrer. Alors dès que tu voyais que ça rentrait, ah, c'est bon, ça y est, c'est fait. Et. J'ai connu des personnes qui ont donc limé la console et aussi limé les cartouches. Ils ont Alors vraiment fait là, le boucher, ils ont coupé des petites je suis tranches. pas allé jusque là, mais limer ouais, les retours pour mettre les Ah bah cartouches japonaises, ouais. t'as déjà fait le sacrilège de Ah limer une ouais. Mega Drive, hein. Tu le dis Ah bah devant ouais, tout le monde, mais mais bon. bon, désolé, hein, mais C'était l'import. obligé. Après, il y avait un petit Obligé. problème aussi, c'était le 50-60 Hz. C'était possible que après avec un petit switch ou un Il y changement de avait, puce. ouais. Mais bon, Ouais, ouais, le ouais. jeu fonctionnait. Le jeu Mais fonctionnait. ouais. Mais ça, c'était sympa. Et du coup, alors honnêtement, je ne saurais pas te dire dans quel magazine, mais forcément, tu as SNK qui avait quand même déjà une réputation dans l'arcade plutôt bonne, Ouais, bah oui. déjà à cette époque-là. Et ils arrivent et ils te disent, voilà, on t'amène l'arcade à la maison. En gros, c'était un peu le message, quoi. C'était la Rolls-Royce, je me rappelle, c'était la Rolls-Royce débarque, quoi. Ouais, la Rolls-Royce des Et consoles, la Neo Geo. voilà. Et donc, comme tu me parles de l'arcade, donc tu l'as vu sur les magazines, est-ce que tu fréquentais des salles d'arcade ou est-ce que tu fréquentais t'allais dans les petits cafés comme ça en cachette pour jouer ou... Alors, fréquenter les salles d'arcade à cette époque-là, pas trop. C'est arrivé un petit peu après, plus quand j'étais ado.
genre vers les 15-16 ans, où j'allais dans, où j'allais plus dans les salles d'arcade, notamment, alors c'était La Tête dans les Nuages. Alors je sais plus quand est-ce que, c'est, alors ça a appartenu à Sega quand ils l'ont ouvert, c'était Sega qui l'avait ouvert. Après ils l'ont vendu, donc elle existe toujours, mais maintenant c'est plus une salle d'arcade Sega. Donc ça j'y allais de temps en temps, dans les cafés parfois pour jouer aussi un peu au flipper. Ah oui. Ça c'était sympa aussi. Les flippers, c'était marrant, c'était marrant aussi. Ouais. Ça m'est arrivé plus d'une fois. C'était de l'époque, et d'ailleurs, il existe toujours des Ouais. concours sur ces machines. Et donc, tu as encore cette mémoire d'aller comme ça en cachette de temps en temps dans les cafés pour aller jouer à ces Ouais, ou tu machines-là. sais, à la sortie de l'école, tu fais un petit crochet, genre tu mets allez, 10-15 minutes de plus pour rentrer de Tu l'école. mets ta petite pièce et hop. Voilà, tu vois, tu fais tac, une petite partie ou deux pour essayer que ce soit discret, tu vois, comme Ouais. ça t'arrives avec un petit peu de retard, mais tu te dis, bon, bah voilà, moi aujourd'hui j'ai marché doucement, Ouais, tu vois, la j'étais technique en fait, la là, technique. ou Ah, j'ai pris un j'étais petit peu avec tes plus de... Voilà, un copains, petit peu... on a discuté un peu. Ouais. Ok. Donc. Et donc, avant de passer, donc on va passer à la Neo Geo, vu que tu l'as eu en même temps que la Mega Drive. Est-ce que tu, à l'époque, est-ce que tu achetais déjà les jeux toi-même? Ou est-ce que tu te souviens des combines pour avoir les jeux? C'est-à-dire, est-ce que tu allais au supermarché avec ta mère? Est-ce que tu allais dans une boutique spécialisée? Ou quelles étaient la routine, en fait, ta routine pour les jeux? Pour l'achat des jeux, autant que je m'en souvienne, alors peut-être qu'au tout début c'était pas comme ça, mais relativement tôt on allait dans des boutiques spécialisées parce que t'en avais quand même quelques-unes, et je me rappelle même notamment pour la Neo Geo. D'ailleurs, je me rappelle que j'avais enquiquiné ma mère, allez, on va dire ça pour être poli, parce que genre il y avait qu'une boutique, je sais plus où, dans Paris, qui avait le jeu que je voulais, et c'était les seuls à l'avoir, quoi. Genre la boutique à côté de chez nous, bah, ils avaient pas de jeu Neo Ouais, Geo. bah ça... Les autres boutiques qui habituellement pouvaient en avoir, comme par là ce jeu-là en question, ils en avaient pas. Ah, c'était Et du l'élite, coup, hein, Neo Geo. obligé de prendre la voiture, de partir sur Paris, d'aller dans la boutique, d'acheter et d'acheter le jeu. Mais c'est ça qui est beau, c'est le Graal jusqu'à obtenir ton truc. Ah C'était ouais, les non mais c'était ça. mémoires. Et puis je me rappelle, et en même temps c'est logique vu le prix des jeux, tu vois, sur Neo Geo j'avais, je sais pas, je l'ai peut-être gardé bah 4-5 ans, parce que la PlayStation est sortie quand? C'était en 80, en Europe c'est 95, 95. 95 en Ouais, Europe. donc bah je l'ai gardé 5 ans. Et j'ai dû avoir 5 ou 6 jeux. Ok. Parce Bah que on va y aller alors, on va regarder En les gros, jeux. vu le tarif des jeux, t'en avais un par an, et quand t'en avais un, t'étais content et tu demandais pas ton reste, quoi. Ah oui, là c'est clair, c'est Voilà. clair. La Neo Geo, après voilà, Rolls de l'arcade et Rolls à la maison des jeux d'arcade. Donc Ouais. qu'est-ce que tu as eu sur Neo? Quel a été ton Alors premier jeu? sur Neo Geo, j'avais eu Art of Fighting. Art of Fighting, le premier du nom. Ouais, donc le premier du nom, que je trouvais sympa. J'aimais bien l'intro aussi, où tu vois les deux héros. Alors je sais plus, je crois c'est deux amis, C'était Rio et Robert c'est Garcia. Rio et Robert, ouais. Et en fait la sœur de Rio a été kidnappée, et donc les deux décident de partir, enfin d'enquêter, pour essayer de la retrouver, quoi. Et donc bon, bah, après c'est un jeu de combat, on va dire, somme toute classique, mais super bien réalisé, que Et j'ai adoré en à plus, l'époque. t'avais les personnages se défiguraient quand ils se mangeaient des Ouais, castagnes. quand tu prenais des coups, tu voyais les bleus, ou après à un moment donné le sang sur le visage et tout. Et ça, c'était un truc, tu vois, enfin, c'était à des années-lumière de ce que pouvait proposer la Mega Drive ou la Super Nintendo. Oui, bah oui. Même la taille des sprites, En plus, l'effet de zoom, hein, c'était. on le voit d'ailleurs Oh sur la ouais, non mais vidéo.
C'était impressionnant. Et moi, franchement, j'étais bluffé. Tous les jeux que j'ai joués sur Neo Geo, j'ai été bluffé. Même s'il y en a qui avaient des petits défauts techniques, parce que justement, ils essayaient de pousser tellement loin la machine et ça allait tellement loin et ils étaient tellement en avance sur le reste que même des fois, tu vois, par exemple, Last Resort, c'était un jeu de shoot, enfin shoot'em up, qui était excellent. À Il un est là. moment donné, en fait, sur le jeu, t'as tellement de sprites que la machine, en fait, peut plus les afficher. Donc, en fait, les sprites, des fois, disparaissaient et réapparaissaient juste sur ta tronche, ce qui fait que t'avais pas le temps de les éviter ou de faire quoi que ce soit. Et Là, donc, des c'était fois, vraiment la bah, limitation de la mais machine j'étais. déjà, quoi. Ouais, ah là, ils avaient poussé le truc à fond. Et c'est vrai que par rapport à ce que proposait la concurrence, c'était super loin. Même là, enfin, quand je revois, ouais, ça, c'était le premier niveau. Avec un niveau, genre, t'as l'impression d'être dans un Tokyo futuriste. Enfin, c'était ouf. L'ambiance sonore aussi. Le jeu n'était pas facile aussi. Il était quand même relativement dur. Mais il était super plaisant à jouer. Moi, j'ai adoré. Qu'est-ce que j'avais eu d'autre? J'avais eu aussi, alors c'était un Magician Lord. Magician Lord, donc c'était Ouais. l'un des jeux aussi du lancement Ouais. de la console. Ouais. D'ailleurs, je pense que ça devait être lui le premier que j'ai eu, je pense. Même peut-être avant Art of Fighting. Art of Art of Fighting. Fighting, je pense que ça devait être le deuxième. Magician Lord aussi, oufissime. Difficile, hein, difficile comme jeu. Mais d'une difficulté. Faut le connaître vraiment par cœur. Ouais, faut le connaître par cœur, comme ça te permet d'anticiper les Les patterns ennemis, des ouais. ennemis et tout ça. Puis après, on voit que le jeu, voilà, il mange des petites boules et en fait, il récupère un pouvoir, en fait. Il se transforme. Oh ouais, mais revoir les images là comme ça, ah là là. C'est sûr qu'aujourd'hui, mais tu vois, même aujourd'hui, quand tu regardes, et ceci dit, c'est aussi le cas pour la majorité des jeux Mega Drive ou Super Nintendo, mais encore plus pour la Neo Geo, je trouve que tu vois, même si aujourd'hui, quand tu fais des jeux en 2D, ok, c'est peut-être encore plus beau et tout, mais ça n'a pas vieilli, quoi. Non, non, Je veux dire, non, ça. voilà, franchement, ça reste super propre, c'est super clean. Moi, je me rappelle que ouais, sur ce jeu-là en particulier, j'ai pas mal ragé sur ce jeu-là. Ouais, il est vraiment dur, hein. Parce qu'il est, ouais, il était vraiment hardos, mais il était quand même super sympa à jouer. Et ouais, ça, je me rappelle. Surtout qu'au début, en plus, j'avais pas de carte mémoire. Alors, tu recommençais les jeux au Ah début. En fait, je pouvais oui. jamais les finir. La carte mémoire, elle arrivait dans un second temps. Mais c'est pas grave. Franchement, moi, je kiffais à l'époque y jouer. Non, déjà, t'étais un des élus ayant une Neo Geo AES à l'époque. C'était Ouais. ouf. Et est-ce que tu as eu d'autres jeux sur cette Neo Geo? Alors Est-ce après que j'ai tu n'as eu pas eu des Metal aussi. Slug? Alors Metal Slug, non, je suis passé lamentablement À à côté? côté. Parce que je pense que. Alors je sais plus quand le premier il date de quand le premier. Alors le premier, hop, il est là, Metal Slug. 96. Ouais. Et ouais, c'est pour ça, c'est parce que j'avais astucieusement déjà Déjà revendu ma Neo revendu. Geo à l'époque, Ok. chose que j'ai regretté toute ma vie. Et ma chérie, qui est dans le chat, Starbellule, a eu l'immense bonté de m'offrir pour mon anniversaire de cette année une Neo Ah Geo. bah c'est un beau cadeau, hein. Ça c'est C'est plus clair. qu'un beau cadeau, franchement, ça m'a fait super plaisir, ça m'a vachement touché, parce que c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais revendu, parce que c'est pareil, c'était une époque, tu vois, où je pouvais pas garder mes consoles, tu vois, si j'en voulais une autre, je vendais la console que j'avais, j'achetais la nouvelle, et on n'en parlait plus. D'ailleurs, tu vois, la Neo Geo, quand je l'ai eu, la Mega Drive, en fait, je l'ai revendue peu de temps après pour pouvoir m'acheter, je sais plus quel jeu, si c'était pas Art of Fighting ou Magician Lord, et après avoir et garder après de l'argent de poche pour moi, quoi, histoire de voilà. Quand on regarde la ludothèque, franchement, d'un jeu, il y a quasiment rien à jeter, hein.
Ah mais c'est clair. Moi, je me rappelle aussi, tu vois. Bah, alors, c'est pour ça que je pense que premier Fatal Fury. Alors, je me demande si c'était Fatal Fury ou c'était quoi le nom en fait du jeu d'origine. C'était pas Reelbout, Non, le jeu d'origine, c'est vraiment le Fatal Fury. ouais. Après, tu as eu la série Real Bout. Ou alors, ouais. Alors, je sais plus lequel j'ai eu. Alors, des deux. Je sais, mais Tu je as pense que Real c'était Bout Fatal Fatal Fury. Fury, le 2 et le Ouais. spécial. Je peux mettre le... Alors, mais je pense que j'ai eu. Non, c'était les Fatal Fury. Non, non, ouais, non, c'était les Fatal Fury. Non, les Reelbout, non. Ouais, non, c'était les Fatal. Ah, ouais, non. Avec le. Non, non, non. C'était Fatal Fury. Ouais, donc j'ai eu le premier Fatal Fury. Le 1. Ouais, le tout premier. C'est pareil, qui était aussi oufissime avec ouais, les frères Bogart, Terry et Andy. Non, franchement, je le trouvais génial. Après, Franchement, c'est par fin. exemple, on va se remettre cette intro. Tu mettais ta cartouche, voilà, là ça va être l'intro AES. AES, non, MVS, c'est pour ça qu'il va avoir l'écran vert, MVS, ouais. mais sinon, voilà, tu mettais ta cartouche, t'avais le fameux logo qui apparaissait. Alors attends, faut Ouais. que je remette ça, en fait. Non, parce que c'est la capture. À chaque fois, faut que je l'enlève, faut que je la remette. Voilà, donc t'avais le logo qui arrivait, Neo Geo, Ouais. 350 mégas, etc. Ouais. Ah, mais c'était fou ça. Mais après, d'ailleurs, c'était marrant parce que ouais, sur le logo de démarrage, donc avec la petite musique là où tu voyais le logo Neo Geo là où il mettait 300 ouais, 350 C'était mégas max. la taille. En fait, c'était soi-disant la taille maximum que les cartouches pouvaient faire, sauf que au final, en fin de vie de console, alors je sais plus, là c'était plus vers les années 2000, On était dans les ils avaient gigas déjà. sorti, ouais, ils avaient sorti, alors je sais plus, je crois que le plus gros jeu, je crois que c'est un King of Fighters, il faisait 1,3 ou 1,4 giga, Ouais, c'était. ce qui était complètement ouf, parce que même à l'époque, Il y a eu une donc on progression était. énorme aussi dans les jeux qui sortaient. Hein. Tu regardes par exemple, on est en train de Ouais. regarder le Fatal Fury 1, on voit le niveau graphique. Là, on va le voir par exemple, le Neo Geo. Ouais, 330 ah, mégas voilà. Pro Gear Spec, Ouais, voilà. voilà. Ouais. Là, Avec la petite musique là. ouais. Alors, on C'était voit excellent. déjà le Fatal Fury 1. Je vais voir les dates hein, parce que je les connais pas de cœur. 91 donc pour le Fatal Fury 1. On passe à 93. On remet le Fatal Fury 2 et normalement déjà là on a un saut graphique qui est énorme. Et en fin de génération, tu disais donc les jeux. Oh, il a pas voulu celui-là. Ah, c'est Ah pas non, grave. bon. Oh, bah, celui-là, voilà. Je sais pas si c'est passé. J'ai appuyé sur les deux ou je sais pas. Ouais. Ah. Mais ouais, non, t'avais un vrai. C'était limite, ouais, un saut générationnel, t'avais l'impression de changer de console. Tellement les progrès étaient fulgurants. Parce que en fait, t'avais vraiment. En fait, la Neo Geo AES, en fait, c'était juste un truc, on va dire, qui te permettait Là, on passe par exemple au 3. Regardez déjà l'intro. Ouais, et là. Il y a déjà Ah ouais, des non, mais il différences et est. Ouais. surtout après c'était une ambiance en fait tu regardais des FMV en 2D tout Ah ouais, mais simplement. c'était ça quoi. Parce que en fait, la Neo Geo, elle, c'était juste pour permettre de visualiser ton jeu sur ta télé. Et en fait, la plus grosse partie de la technologie était dans les cartouches. Et c'est pour ça que d'ailleurs les cartouches coûtaient un bras. Parce qu'en fait, ta console, en fait, c'était vraiment juste un support pour envoyer l'image, en fait, en gros. Enfin, je caricature, mais c'était limite ça, quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'en fin de vie, donc bah, les 330 mégas, ils les ont atomisés. Parce que les cartouches, en fait, au fur et à mesure que la RAM progressait, bah, ils ont pu en mettre de plus en plus dans les cartouches. Et surtout, ils ont même pu, d'une certaine façon, indirectement, booster aussi la puissance de la machine, Oui, puisqu'en parce que fait c'est intégré en fait dans dans la la cartouche. cartouche, pour que les gens se rendent compte, la cartouche faisait la taille approximative hein, d'une cassette vidéo quoi. Là, Donc par exemple, voilà, elle est énorme. on voit les graphismes, l'évolution, en fait, juste en 2-3 ans, on Ouais. a ça, quoi. Et C'est fou. en fin de génération, on a des trucs de fou. Est-ce que tu as eu donc ces jeux-là? Est-ce que tu en as eu un Ouais. autre, comme ça, je pourrais le mettre
Alors, j'ai eu un jeu de baseball. Alors, c'était un jeu de baseball, mais un Futuriste peu. ou normal? Non, le ca... alors, mais Alors, caricatural. c'était le Donc, je... Baseball Stars, soit le 1, soit le 2. Est-ce que c'était Alors. celui-ci? Ou est-ce que Parce c'était que. celui-ci qui était plus... Alors, moi, je me rappelle d'un jeu. Ah, ouais, si, c'était celui-là. Voilà, Ça, c'est Baseball ah, ouais, Stars c'était 2. celui. Ouais. Ah bah c'était celui-là parce que là je reconnais le black bien Le musclé à bec, la fin ouais. quand tu rates et que tu te fais Il cassait la striker batte. et casser sa batte sur son genou. Ouais, c'était celui-là, Baseball Star 2. Ah, il était excellent celui-là. Pas évident à jouer, mais dès que tu avais chopé le coup, tu pouvais prendre beaucoup de plaisir. Il était vraiment très sympa à jouer. Et il avait aussi une super ambiance ouais, non, il était excellent Et celui-là. c'était un jeu assez simple, que tu pouvais faire des petites parties. Ouais. Ah ouais, ça je l'avais adoré celui-là, Tu il pouvais était choisir, excellentissime. mettre, par exemple, si tu appuyais sur une touche, normalement, tu pouvais choisir, mettre un power-up. Voilà. Tu faisais time, tu mettais soit power-up, soit tu choisissais ton meilleur pitcher. Alors là, Ouais. on met mettre le gros pitcher, voilà, il va arriver le spécial. Et, non, et normalement, Eh oui, ah si on oui. arrive à toucher, on fait Fight. quasiment out. Ouais. Mais normalement, c'est quasiment home run si on arrive Ouais. à le mettre. Ouais, non, mais ouais, non, il était excellent ce jeu. Alors Il attends, était on pouvait mettre la excellentissime. grosse batte aussi. Ouais. L'énorme batte métallique. Ah là là, on va pas y arriver, hein. Ouais. Mais voilà, donc tu as eu ce jeu-là et tu as comme Ouais. ça des souvenirs d'être un élu. Alors non, alors élu peut-être pas, mais c'est vrai que je me rappelle que quand je disais à mes potes que j'allais à la Neo Geo, tout le monde me regardait avec des gros yeux en me disant waouh, t'as trop de chance, parce que c'est vrai que bah il y avait pas beaucoup de monde qui l'avait, hein, moi dans mon entourage. En tous les cas à cette époque-là, je pense qu'aujourd'hui ce serait un peu moins vrai parce que après il y a eu un marché d'occasion qui s'est bien développé et du coup ceux qui l'ont raté à l'époque ont pu la récupérer plus tard, Ouais. mais à l'époque, ouais, j'ai pas le souvenir. Non, j'ai pas le souvenir que dans mes amis, il y avait ne serait-ce qu'une personne qui l'avait. Après, par contre, j'avais des amis qui avaient des consoles aussi, tu vois, comme la Core Graphics, qui ont eu aussi la PCFX, mais ça, bon, elle est arrivée plus tard, la PCFX. Elle est sortie plutôt, je crois, à peu près aux alentours de, je pense comme plus ou moins comme la PlayStation, Bon, première je du pense nom, normalement à peu c'était près. pour concurrencer la PlayStation 1. Je pourrais regarder Et par exemple dans la liste, ouais, comme j'ai du PCFX, suffit de voir à peu près la date, mais je pense que 97, 95, ouais, 95 les premiers jeux. Je pense que ça doit être ouais, tu vois, donc c'est à peu près, on va dire, en même temps que la PlayStation. Et ça, la PCFX, pareil, c'était une console enfin, qui n'est jamais sortie en dehors du Du Japon. Japon, ouais. Et j'avais un pote aussi qui était fanat de console et tout, et d'import et tout ça, et donc qui se l'était acheté en boutique spécialisée. Après, voilà, t'avais déjà à l'époque la CD-ROM qui était Ouais. en fait, c'était dans les mêmes zones, hein. Ils ont tout sorti, tout ce qui était CD sur les consoles en Ouais. fait en add-on, et Ouais. pour essayer encore Ouais, de un peu dans les revendre. mêmes zones. Mais tu vois, la PCFX, tu vois, aujourd'hui, les gens te disent, ouais, mais le design de la série X, par exemple, c'est nouveau. Mais en fait, la PCFX, c'était une tour de PC, hein, Ouais, on miniature. peut la voir la petite dans l'image, mais Mais manette à six voilà. Et boutons. tu avais le lecteur CD, en fait, qui était en haut. Ouais. Et que tu ouvrais tu sais, avec un système de clapet. Et la console, en termes de taille, elle n'était pas très, très grosse. Hein. Elle faisait peut-être, je sais pas, 25-30 cm Alors, grand max de haut, on va plus ou peut-être moins la comp même chose en profondeur. Ouais, on va peut-être comparer ça peut-être à une Wii U, deux petites Wii U l'une à côté de l'autre à peu près. Un petit peu Ouais, plus haut, on serait un peu plus haut, Ouais. on dirait allez, deux Wii U de côte à côte Côte à côte. et une Wii U et demie En hauteur. de hauteur à peu près. Et je me rappelle aussi, tu avais un jeu de combat qui était excellent, qui était en fait, comment dirais-je, uniquement fait
en session de séquence de dessin Ouais, de animé. dessin animé, ouais, je me rappelle. Alors, comment il s'appelait ce jeu de Alors, combat? Je n'ai plus le nom. de PCFX, je ne sais pas Ouais. spécifiquement. Je sais qu'il y a eu un jeu Okutonoken comme ça sur ces Alors, en fait. consoles. Alors, en fait, c'était. Alors, c'était pas un jeu au Okutonoken, parce qu'en fait, c'était C'était du le, FMV? bah, le dessinateur. En fait, c'était le dessinateur de Okutonoken qui avait fait, en fait, le chara-design du jeu. Ouais. Et en fait, en gros, c'est clair que le chara-design te faisait. Le héros, on va dire celui qui était pensé un peu genre le héros gentil, bah, même s'il ressemblait, enfin, il ressemblait beaucoup à Ken, sauf qu'au lieu d'avoir les cheveux bruns, noirs, il avait les cheveux de mémoire, je crois qu'ils étaient gris et longs. Enfin, bref, mais tu sentais que. C'était Chine. Bah ouais, mais en fait après t'avais aussi le pendant de Sheen Ouais. qui lui était un des héros du jeu, mais genre qu'un côté un peu méchant. Et le jeu en fait c'était ah oui, Battle Hit. Voilà, je Battle crois que c'était Hit. celui-là. Ok, Il me ok. semble que c'était Bah, celui-là. je ne l'ai pas dans ma Attends, liste, j'essaierai de vérifie. le Ouais, trouver. si, c'est Battle Hit. Et tu verras, le héros ressemble à Ken. Enfin, la plupart des personnages en fait ressemblent à des personnages de comment dirais-je, de Ken le survivant. Et pour cause, puisque c'est C'était character designer. Ouais. Et en fait, ouais, il est fait vraiment, ouais, en full motion vidéo, mais enfin façon dessin animé. Donc, t'avais pas beaucoup de technique dans le jeu. Peut-être que les persos ils avaient je sais pas, deux trois techniques chacun, ouais, à peu près. Toi, en fait, quand ton adversaire te lançait une attaque, t'avais un timing précis pour parer l'attaque, pour parer l'attaque. Et donc, si tu parais la, si tu parais, si t'arrivais à parer l'attaque, t'avais la cinématique. Donc, tu commences à voir le gars, il prépare son attaque, et puis hop, À chaque fois, c'est t'avais des un phases en petit. fait. C'était le Ouais, quick c'était time des event phases. à phase. Ouais, de l'époque, quoi, on va dire. Donc, le jeu était pas ouf pourtant, parce qu'il était assez limité, mais par contre, tu prenais du kiff quand même à y jouer, Regardez, ouais. parce que voilà, visuellement ça te faisait penser à Ken le survivant, donc tu étais à fond dans le truc, et puis la qualité de l'animation des FMV et tout, c'était super bien fait, donc c'était vraiment chouette, Alors, et ça, je me rappelle, on a fait pas mal de parties dessus, même si c'était une console que j'avais pas. Donc là, on parle beaucoup d'animation et d'animé. Alors, voilà, années 90, quels étaient tes dessins animés et tes animés préférés que tu regardais? T'étais Ah bah Team Dragon Ball, Chevalier du Zodiaque Ah moi j'étais team tout, moi je regardais tout, les Dragon Ball dès le départ, suivi par Dragon Ball Z, t'avais donc José nous dit Candy. Saint-Seiya. Ouais, mais tu rigoles, mais je regardais aussi, moi je regardais tout. Enfin, après je regardais pas forcément tous les épisodes de tout, mais là où je regardais tous les épisodes de tout, c'était vraiment donc Dragon Ball, donc après Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, même à la fin avec les doublages complètement what the fuck, parce que les doubleurs en fait étaient en grève, et pour manifester leur mécontentement, ils s'étaient dit, allez, on va faire des doublages. En fait, on va même plus faire les traductions, on s'en Ouais, fout, on fait ce on va qu'on faire veut. nos propres doublages et on va faire nos trucs. Et ça donnait des trucs complètement débiles qui n'avaient aucun sens. Et alors, est-ce que tu te rappelles à l'époque que si tu regardais donc tous les épisodes donc de Dragon Ball ou Chevalier du Zodiaque ou etc., tu connaissais la série qui était avant aussi Dragon Ball, parce que tu regardais toujours la fin pour pas louper le début de Dragon Ball. Est-ce que ça te le faisait? Alors, moi je sais que ouais, souvent tu te disais toujours ouais, faut pour pas 5 rater, minutes avant, et donc tu regardais l'épisode d'avant. T'étais obligé de voilà, regarder. tu te cales, ouais, voilà, tu te cales toujours un petit peu avant pour dire, voilà, je suis devant la télé, c'est l'heure, personne ne peut me déranger, je sais que ça va commencer bientôt. Et ouais, non, mais ça, j'étais à fond À dessus. fond. Tout ce qui était, bah, tu vois, tout ce que José cite, les Joséci. Cités d'Or aussi, ça, j'adorais. Cité d'or, Tom Même Sawyer. Tom Sawyer, tout ça, c'était des trucs, enfin, c'était des dessins animés qui étaient géniaux, quoi, tout simplement, parce que ça te. Alors, soit t'en as qui te
te transportait, tu vois, qui te faisait rêver, tu vois, un peu comme les cités dehors. C'était hyper hyper sympa. C'était une invitation au voyage et tout. T'avais aussi, alors dans un registre qui n'a rien à voir, hein, là je dis ça pêle-mêle, mais t'avais Jace et les conquérants de la lumière. T'avais Ulysse 31. Enfin, t'avais aussi. Ah, je suis fatigué. Alors, est-ce que tu as connu ça? Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je vais te mettre ça tout de suite dans l'image. Hop, les Dr. Slump. Ah, mais Dr. Slump, bien sûr. Dr. Slump, avec Harale. Voilà, avec Harale. Ah, mais oui, mais ça, c'était. Ces histoires saugrenues qui arrivaient en fait à cette petite fille, en fait, qui est un robot. Ouais. Ah mais ça j'adorais, c'était un humour barré. C'était d'ailleurs un peu ce que tu retrouvais, alors de façon différente, mais dans Dragon Ball. Ouais. Parce que dans Dragon Ball, t'avais aussi un humour qui était complètement barré, qu'il a après complètement, enfin quasiment ouais, qui complètement fait disparaître dans Dragon Ball Z. Mais ouais non, Dr. Slump aussi c'était excellent aussi ça. Alors est-ce que tu te rappelles aussi, je vais mettre ça de côté, on a parlé de jeux vidéo, mais peut-être ces petites voitures là en fait qui avaient deux faces, est-ce que ça te fait pas penser à Micro Machine? Est-ce que tu aimes Micro Machine? Alors Micro Machine, j'adore, mais par contre là j'avoue que ce que tu montres à l'écran... En fait ça basculait en fait, tu mettais d'un côté, t'avais la voiture et hop tu l'enlevais, tu mettais de l'autre côté et t'avais une autre voiture. C'était assez à la mode à l'époque. Ouais, parce que je me rappelle que les Micro Machines tu les avais aussi en jouet. Je me rappelle. Mais par contre, alors ça, je t'avoue que j'ai pas connu. On est toujours dans les 94, 90, début des années 90. Est-ce que tu te rappelles de ça? Est-ce que tu l'as vu au cinéma? Est-ce que ça t'a plu? Jurassic Park. Le monde perdu, là, c'était juste pour ça, mais voilà, Jurassic Park. Est-ce que t'as eu ça? Alors non, ça j'ai pas eu l'occasion d'avoir une griffe, c'est quoi, de Vélociraptor? C'est du Vélociraptor, oui, du Vélociraptor. mais le film, ouais, bien sûr, alors le film... Un des bons films de l'époque, t'avais kiffé? Franchement, enfin, c'était un des premiers, alors c'était pas le premier, parce que le premier à visuellement avoir mis une vraie claque, c'était Terminator 2. Qui est sorti un ou deux ans avant. Oh mon dieu, Terminator. Parce que je crois que Jurassic Park, de mémoire, c'était 95 et Terminator, ça devait être 93, ouais, je crois. Terminator, je crois que c'est même 92. Ou 92, peut-être. Oui, même 92, t'as raison. C'est facile à voir vu qu'il y a eu des adaptations en jeux vidéo, donc je vais juste vérifier ce qu'on dit. Mais voilà, Terminator 2, Judgment Day en 93, donc le premier facilement en 91-92. Ouais. Alors que le Jurassic Park, c'est plus 94, je crois. Ouais, c'est ça, 94-95. Et je me rappelle, ouais, le premier à m'avoir mis une claque au cinéma, c'était Terminator 2. Parce que pour l'époque. D'ailleurs, le jeu Jurassic Park 93, donc voilà. Je pense que c'est l'année du film. Oui, parce que souvent c'est lié. Jurassic Park, ouais, ça c'était assez fandard. Donc j'amenais en fait le cinéma. Est-ce que tu as eu, donc dans cette époque, tu nous as dit que c'est Terminator 2 qui t'a vraiment marqué. Dans cette génération, c'était quoi aller au ciné? Qu'est-ce qui te faisait kiffer? Quels sont les films que tu as vus au ciné? Moi je me rappelle d'ailleurs alors Terminator 2, je me rappelle, pour être honnête, je l'avais pas vu au cinéma parce qu'à l'époque j'avais pas l'âge pour aller le voir au cinéma. Parce que quand il est sorti, alors pourtant l'année, je crois que c'était juste un problème de mois, tu vois, genre à quelques mois près, j'avais pas l'âge adéquat pour aller le voir. Et ça, par contre, quand il est sorti en cassette vidéo, puisque oui, à l'époque, cassette vidéo, voilà. C'était la base. Je l'avais acheté en cassette vidéo et du coup, j'avais regardé à la maison et j'avais été scotché. Scotché parce que c'était la première fois que tu voyais des trucages de ce niveau-là. C'était un des premiers films à utiliser vraiment les trucages numériques et ça apportait du coup quelque chose de complètement dingue. Et là aussi, pour le fait de
d'avoir aussi les restrictions d'âge au cinéma. C'était marrant parce que Terminator 1, qui est quand même beaucoup plus violent que le 2, et qui, de mémoire, je crois que le Terminator 2 était déconseillé au moins de 12 ans, alors que le premier était déconseillé au moins de 16 ans. Et le premier, je l'avais déjà vu avant de voir le 2. Ouais. Et je pouvais pas aller voir le 2 au cinéma parce que je crois qu'il y avait un problème de mémoire. Il y avait un problème d'âge limite. Je crois que j'étais juste en dessous de mémoire. Si je raconte pas de bêtises. Okay. Mais je l'avais vu en cassette, subjugué. Et Jurassic Park, je pense que c'est le premier film par contre à avoir placé la barre très très haut. Parce que même si tu vois, t'es pas forcément hyper passionné par la préhistoire ou par les animaux préhistoriques, à un moment donné, t'es forcément intéressé, ça te fait forcément rêver. Et là, tu mais vois. À l'époque, les dinosaures, c'était une religion. Hein. Ouais, non, mais et puis là, enfin, c'est la première fois que tu vois des dinosaures ou des animaux. Alors d'ailleurs, il y en a beaucoup qui disent que oui, ils l'appellent Jurassic Park, mais tous les animaux qu'ils montrent dans le parc ne datent pas de l'ère Jurassique. L'ère Jurassique, ouais. Donc bon, ok, mais c'est pas grave. On pinaille, on pinaille. Voilà. À ce moment-là, c'était moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Alors j'ai raconté des bêtises. À ce moment-là, en fait, tu tapes sur ton voisin et tu dis tais-toi et regarde le film. Et ouais, non, mais c'était ça. Moi, je me rappelle, tu vois, parce que t'as toujours un attrait pour ça, tu vois, parce que c'est toujours un truc hyper fascinant, ouais. Même si tu t'en fais pas une passion ou voilà, mais c'est toujours fascinant. Et là, tu regardes et tu vois la première scène. Justement quand il découvre je sais plus, je crois que c'est un diplodocus ou je sais plus, enfin bref, mais t'as la même réaction que Sam Neill quand il voit, il enlève ses lunettes, ouais. Il en croit pas ses yeux là, il fait mais qu'est-ce que je vois, ouais. Bah toi t'es pareil en fait, bah, toi, c'est les débuts en fait, c'est les débuts des effets spéciaux faits par ordinateur, on va dire. Ouais. Le T2, les Jurassic Park, c'est vraiment époustouflant. À l'époque on n'était pas du tout habitué. Ouais. Donc. Ah ouais, et puis la Dinomania, c'était un fou, hein, t'en avais partout. Ah oui, t'en avais partout. Tu pouvais pas y échapper. Ouais. Hein. À la télé, dans les magazines, dans les boîtes de céréales, tout. Ouais. C'était partout. C'est un brachiosaure, nous dit José. Ouais. Ouais. Merci pour cette précision. Il est au taquet, José, c'est comme ça qu'on l'aime. Et donc, exactement. on va faire un petit interlude, le petit interlude où tu vas deviner des jeux. Voilà, on va voir ta... Oh là là. Alors ça, c'est la question pour un champion. N'oublie pas, je te montre des boîtes de jeux. Juste par la boîte, tu me dis le titre. Hop, celui-ci, il est facile. Alors déjà, c'est sur Mega Drive. Il y a un petit personnage avec des lunettes. On dirait que c'est un super-héros. Est-ce que tu arrives à voir? Non, t'as une petite main qui dessine, on dirait, là, ici. Petit indice. On dirait du Marvel ou quelque chose comme ça. Ouais, au niveau du trait. Ouais. Non, tu trouves pas? Oh non, alors là. Ah, attends, hop, j'enlève juste cette partie-là. Regarde la deuxième. Non, en plus pour ça, je suis nul. Il y a écrit zone. T'as pas trouvé. Là, j'aurais bien envie de te dire un truc, mais qui n'a rien à voir, mais c'était pour la boutade. Ouais, non. Warzone, mais non. C'est pas Warzone. Warzone, c'est beaucoup plus récent. Non, franchement, là, c'était Comics Zone. Alors, Comics Zone, tu ne connais pas? Regarde. Voilà, c'était ça le jeu. C'est-à-dire que le personnage, en fait, le méchant. Est un dessinateur et arrive à bloquer le héros dans ses dessins. Et lui, en fait, il fait des petits dessins pour l'attaquer. Et toi, tu dois te sauver, le monde à travers ça. Ah, mais c'est génial. Ah, mais alors là, tu vois. Ah, c'est un grand classique de la Mega Drive. Je commence très facile. T'as pas trouvé celui-là, ça va être chaud pour les autres. Hein. Et ben, ouais, va falloir que je révise mes classiques parce que là, je t'avoue. Celui-là, ça c'est. Gros. Même il avait un petit rat, tu pouvais prendre des objets, un petit rat et tout. Ah ouais? Ouais. Bah on passe au prochain. Prochain, hop, celui-ci. Sur Sega Saturn, je suis un jeu de voiture. Non, ce n'est pas des voitures de rallye. Ah non, merde, je suis con. Daytona USA. Non, ce n'est pas des voitures de Daytona. C'est du super tourisme. Oui, bah oui, non plus. C'est du super tourisme. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est l'autre. Et l'autre, c'est quoi? C'est. Ah, il n'y en a pas beaucoup hein, sur Saturn. Ah, bah non, mais justement, là, j'ai un trou de mémoire. Alors attends, c'est un jeu de Sega.
Tu vois, c'est écrit Sega Sport. Oui, mais oui. Sega, Ah, Sega, Sega. T'as pas trouvé? non, c'est passé. Non, bah on passe alors. Sega Ah, Touring mais Car Alien, une... Championship. Ah, mais putain, je savais qu'il y avait un touring, mais alors j'aurais Voilà. pas retrouvé. On a là Mais je me le rappelais plus. Jux. C'était le troisième. Tu vois, Daytona USA, Sega Rally Ouais. et lui. Bah voilà, je l'avais plus, lui. Ah, mais On va attendre juste 2-3 secondes pour voir le jeu, parce que j'ai fait ma jolie capture, mais en fait, au milieu d'une au milieu d'une course, mais voilà, on vous regardait, voilà, c'était des voitures de tourisme. Et donc ça Oui, mais ça speedait, c'est. ça existait en arcade, hein, système M2. Ah Et ouais, voilà, mais on... ça, ces gars, putain, à cette époque-là, ils étaient mais trop forts, Ils sont forts, hein. trop forts. C'était dingue. Eux, tout ce qu'ils faisaient, c'était des, enfin, quasiment tout ce qu'ils faisaient, c'était des trucs de fou. Alors, Et la team AM2, hop, on va changer. c'était des fous furieux. Je vais te mettre donc le prochain jeu. Normalement, c'est 5 petits jeux à deviner. Celui-ci Ah sur ouais, mais Nintendo DS. oh la vache, elle Après, était dure, en plus, j'ai même pas. ah, ça c'est dur, ouais. Alors, t'as 3 petits personnages, ils ont des looks chelou. Ouais, ça c'est Ils ont des micros, on dirait qu'ils chantent. Ouais, mais c'est pas Hop. SingStar. Là, je rigole, mais Premier mot. Elite. Elite, Ah, c'est chaud Elite, celui-là, hein. Elite. Là, ça a augmenté, hein. T'as pas trop, tu vas pas trouver. Et non, Tu vas là, pas trouver. franchement. Puis la DS, si, la DS, je l'ai eu. En plus, je te disais, j'en ai pas eu, mais je suis un menteur. Elite Beat Agent, ouais, Elite Beat bon. Agent, c'était le jeu musical où tu devais Oh appuyer sur putain. l'écran. Voilà, et t'avais des histoires cheloues qui se passaient à l'écran. C'était Ouais, mais tu vois, assez moi, à la mode à l'époque, hein. sur la DS, j'ai pas eu assez de jeux. Moi, j'ai eu très très peu de jeux et celui-ci n'en faisait pas partie, Ok, malheureusement. pas de problème. On va passer au prochain jeu sur Xbox. Attention, c'est ton domaine. Xbox, un jeu d'horreur classique, adapté d'un film. Oui, justement, merde. Ah, punaise, mais je suis fatigué. Je sais pas pourquoi. Là, en plus, dans ma tête, je sais que c'est pas ça, mais je pense à Shining. C'est horrible. Non. C'est un film de Carpenter. Je regarde, je ne sais pas. Hop. Ah, je sais plus. The Ah, The Thing. Voilà, putain. Voilà. Ah, je suis fatigué. Ah non, mais je vais aller me coucher. Hein, c'est Ah, pas possible. t'avais donc des C'est petits pas possible. monstres qui rentraient Ouais. dans les personnes et qui se faisaient Ouais, et puis passer après il pour des devenait fou. personnages et Ouais. t'attaquaient par derrière. Donc, Ouais. bon petit Ah oui, jeu, hein, The gros, Thing. bon classique. J'adorerais jouer ça à l'époque. Quand je l'ai découvert, c'était excellent. Et donc, c'est une adaptation d'un film qui existe. Ouais, qui existe. Ouais, c'est un film de Carpenter. Allez, The Thing. dernier, très facile. Ah, non, mais non, là, je suis Dernier, foutu. c'est Hein. cadeau. Le dernier, c'est cadeau. Je suis foutu. Un record, bon, ça va. Ah, Ouais, c'est c'est cadeau. record, Tu vois, voilà, tiens. record. Bon, Attends, là, t'as été gentil. c'était cadeau, T'es là, parce gentil. que je voyais que T'es tu gentil. peinais. Non mais The Thing, normalement, j'aurais dû l'avoir, The Thing. Tu vois, autant les autres, là, j'étais out. The Aïe, Thing, aïe, j'aurais dû aïe, 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 l'avoir. la plus mauvaise Mais non. note de l'histoire de l'émission. 1 Ah, sur 5. 1 sur 5. oui, j'avoue, là, j'ai été Ok, nul, on peut le ok, dire, on peut le dire. ok. Pas de problème, pas de problème. Voilà, je te donne voilà l'opportunité d'y jouer maintenant. Voilà, je t'ai présenté quelques petits jeux, ça pourrait te plaire. Voilà, Starbellule me dit, Carrément. mais quelle déception! Ouais, Quelle je sais, je déception! sais, je Ah, ça, c'est sûr, c'est pas de la série X, hein. Alors, on va continuer cette émission. Donc, on était dans. On va avancer maintenant. On a parlé un petit peu de séries, de films à la télé. On a parlé donc d'un petit peu d'arcade. Donc, tu as eu la Neo Geo. Quel est le système après cette Neo Geo? Donc, tu nous as donné déjà un petit goût de ce que tu as fait. L'erreur de ta vie, dis-nous. L'erreur de ma vie, donc revendre la Neo Geo pour acheter une PlayStation. Alors, pas parce que la PlayStation au final m'a déçu, mais Ouais. parce que se séparer d'une console comme ça, non, c'était pas possible. On va aller sur J'aurais pas dû. PlayStation, peut-être que j'ai quelques titres qui pourront te remémorer quelque chose. Hop, on est parti sur Ouais. la capture. Donc, quel a été ton starter pack pour la PlayStation de Sony? Alors pour la PlayStation, je pense que le premier jeu que j'ai pris, parce que c'était un des jeux, je me rappelle quand ils avaient fait la présentation de la PlayStation, en fait, globalement, leur message c'était l'arcade à la maison. Ouais. Et tu avais un jeu qui était quasiment au pixel près identique à la version Je d'arcade, crois à part deviner. aller. Et c'était un jeu de voiture. Jeu de voiture. Ouais.
Un jeu de Jeu de voiture. voiture. Typé arcade. Ah, je sais, oui. Réalisé par Namco. Ouais, ouais, Parce qu'à ouais. l'époque, ils étaient tout seuls. J'y arrive, Il n'y avait j'y pas de arrive. Bandai encore à l'époque. J'y arrive. Hop! Et ce jeu-là, il Ridge m'a. Racer! Voilà. Avec des musiques de ouf qui te mettaient grave dans De l'ambiance. fou, Et ouais. tu roulais à fond. Et en vue subjective comme ça, ouais, Ouais. là, c'était le meilleur Là, pour avoir le le top mec des qui a fait la sensations. capture, il est pas très doué parce que normalement tu faisais des drifts Mais. de gogo et tout, Ah ouais, mais. tu pouvais. Ouais, c'était la folie. Et ce jeu-là, c'est vrai que quand ils avaient fait un comparatif avec la version d'arcade, et genre, à part, allez, vas-y, un arbre en haut à gauche, quand tu fais le virage, Ouais. machin, qui était supprimé sur la version PlayStation, le jeu était identique, quoi. C'était ouf, c'était bah, Et d'ailleurs, pour le tu te coup, souviens, une révolution. ouais, après, c'est, voilà, on a eu le Révolution. Est-ce que tu te souviens quand tu mettais le jeu dans la console et tu le chargeais, quel est le jeu qui apparaissait parce qu'il faisait souvent C'était ça. un truc genre Galaga ou C'était Space Galaga, Invader ouais. ou ouais, c'était ça, C'était Galaga. D'ailleurs, ça te on. permet, tu pouvais y jouer en plus, hein. Ouais, C'était pas ouais. juste l'image et tout, tu Tu pouvais carrément y t'avais jouer, le jeu complet à l'intérieur et si tu appuyais sur Start, hop, tu démarrais donc le Ridge Racer. Donc voilà, excellent choix pour cette PlayStation. Donc là, on a le 9 du 9 95, donc c'est vraiment quasiment au lancement ou au lancement de Ouais, cette. de mémoire, c'était un jeu de lancement, C'est ça. un jeu de C'était un jeu qui était lancement. dispo Day One, ouais. Et qu'est-ce que tu as eu d'autres jeux qui t'ont marqué que je peux posséder ou sinon tu nous racontes une Alors, histoire? bah, sinon après, alors sur PlayStation, il y en a eu énormément. Énormément. Mais comme ça, Il y a vraiment les eu, principaux, franchement, qui bah, t'ont marqué ceux qui m'ont ou qui ont marqué, une histoire à côté. le premier Resident Evil. Ça a été aussi pareil pour moi le premier jeu d'horreur à vraiment c'est con ce que je vais dire hein, mais vraiment à te faire peur quoi parce que tu vois même alors on sait qu'il est inspiré de Alone in the Dark Ouais. mais tu vois même le Alone in the Dark à l'époque même si lui il est quand même assez rigide quand même dans son gameplay. Il a une mise en scène, il a un truc qui fait que, en tous les cas, moi je trouve, et par rapport aux souvenirs que j'en ai, il est beaucoup plus, j'allais dire, enfin le mot est peut-être un peu fort, mais beaucoup plus entre guillemets terrifiant que Alone in the Dark. Et pour moi, ça a été vraiment une grosse, grosse claque. Alors, J'avais eu l'occasion de d'ailleurs, ouais, pardon. ce jeu-là, quand tu l'as eu, tu y jouais durant la journée, la nuit? Est-ce qu'il y avait cet engouement à l'époque? Est-ce que tu as vu cet engouement sur les jeux d'horreur à travers ce Resident? Alors, oh, ouais, et puis ça, c'est vrai que, tu vois, j'aimais bien y jouer dans le noir, dans mon coin, tu sais, en mode vraiment tout seul pour, Ouais. tu vois, être aux aguets Ton des moindres bruits maximum. qu'il peut y avoir et tout, pour être vraiment à fond dans le truc. Et ça, j'adorais jouer dans ce genre d'ambiance. Pareil avec les Silent Hill aussi, qui m'ont beaucoup marqué, parce que eux, c'était une façon de te faire peur, mais plus de te faire angoisser en fait. Pas forcément de te faire peur comme Resident Evil, mais de te faire angoisser. Parce que en fait, bah, avec le brouillard, tu voyais rien. T'avais ta petite radio qui, quand elle commençait à grésiller, ça veut Grésiller, ouais. dire qu'il y avait un ennemi qui arrivait. Et 9 fois sur 10, tu ne le voyais pas arriver. Alors tu regardais partout, derrière, à droite, à gauche. Donc ça te mettait une pression. Et ça aussi, c'était hyper bien amené. Et ça aussi, c'est un jeu sur PlayStation qui m'a marqué. Après, qu'est-ce que tu as eu? Alors, c'est pas forcément que ça m'a marqué, mais je le trouvais vraiment bien fun et bien délire. Là, Ça peut parce être que le je le vois plaisir dans la coupable, hein. liste. Tu peux aimer C'est. des jeux qui ne sont pas bien ou que toi, par exemple, Alors, te font c'est. kiffer, hein. Alors, c'est pas forcément qu'il est pas bien, Ouais. mais je les trouve enfin, particulièrement fun. C'était les Road Rush. Ah, Road Rush. Ça, j'ai trouvé bien sympa, jeu de moto où tu pouvais balancer Alors des coups attends, de sur la latte. PlayStation, il y avait le 3D et avant, il y avait le normal. Mais ça, c'est pas le normal, c'est pas le 2D. Je pourrais. Mais ouais, C'était le parce que 2D ou le 3D? moi, c'était le plus le 2D. Le 2D, alors attends, on va prendre la version peut-être. Mais bon,
Ah, il était bien délire. J'aimais bien pouvoir foutre des coups de latte Voilà, là on voit au la tapis. version que tu as eue normalement à peu près. Ouais, voilà, ça, ouais, ça ressemblait un peu plus à ça, ouais. Et ça, je l'aimais bien. Ça, c'est pareil. Enfin, voilà, c'était du Ça, fun. je trouve que c'est un classique qui pourrait en refaire un que je l'achèterais Ah pour ouais. tester, hein. Ah mais clairement quoi, parce que ça, bon, c'est jeu bien sûr 100% arcade assumé. Si les personnes ne connaissent pas, voilà, c'est une course de moto en fait hors la loi, comme Ouais. comment on appelle ça, les speedball avec les voitures, mais en fait avec les motos. Et donc on pouvait se castagner, prendre des armes en fait aux autres, et il y avait aussi les flics. On pouvait leur piquer leur casse-tête et tout, donc les chaînes. Non, c'était vraiment excellent, et l'adaptation aujourd'hui, au jour le jour, ça serait excellent, je trouve. Ouais. Ah ouais, là il y a matière à faire parce que c'est en fait enfin en voiture t'avais aussi un peu le pendant avec Need for Speed les Need for Speed de Ouais, les l'époque, Need pas for ceux Speed, ouais. d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les Need for Speed ils sont un petit peu changés quand même. Fameux sur cette PlayStation, c'était le Hot Pursuit. Ah, c'était C'est ouf. celui-ci, Need for Speed 3 Hot Pursuit. Ah ouais, non mais il était Et excellentissime. les Excellentissime. musiques aussi, donc on avait donc EA déjà avec des vraies Ouais. musiques, des vrais artistes. Ouais, Et ouais, c'était ouais, fou, hein. Une très belle animation. Des ouais. Ah raccourcis, ouais. plein de raccourcis sur la piste et tout, c'est. Mais ouais, il était super bien foutu. T'avais des sensations de vitesse folles. C'était le mix parfait entre jeu d'arcade et, alors je vais pas dire simu, mais on va dire jeu de conduite un peu plus simu entre guillemets, parce que même si ça tirait vers l'arcade, c'était pas non plus n'importe quoi. Tu faisais pas, enfin, fallait quand même que tu conduises un minimum, on va dire. Oui. Franchement, on va dire pour les sensations de conduite, c'était un peu le Forza Horizon d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'était un Là, peu, je trouve, c'était un peu ce délire, quoi. on avait des sensations sur ce Need for Speed qui étaient de l'aspect simulation au niveau de la conduite, c'est vrai. Il y avait Il y quand avait même, ouais, quelque un petit chose, côté là. il y avait un petit truc. Et moi, je trouvais, ouais, vraiment super sympa. Après, c'est vrai que la PlayStation, elle a posé de bonnes bases Plein de pour nouvelles plein de licences, hein. choses. Il y en a eu tellement, et puis après, qui ont explosé littéralement sur PS2. Si C'est tu t'en pareil, t'as rappelles. Grand Ouais. Turismo, t'as eu Metal Gear, pff, oh là là, On va sur Metal Gear. là là, ah Raconte-nous ouais, non, ton c'était la folie. expérience. Quand C'était la tu folie. l'as su par les magazines ou le bouche à oreille? Alors, Metal Gear, lui. À cette époque, et je suis en train de réfléchir, ouais, je devais déjà travailler Ah, tu travaillais chez déjà ces micros? Micro. Ah bah on va passer sur ça aussi. Ouais, je pense parce que c'était. Ouais, je pense qu'en 98. En 98, attends que je te raconte pas de conneries. Enfin, pas de bêtises, pardon, on va éviter d'être grossier. Ouais, parce que la PlayStation 2 elle est sortie en 2000, donc ouais, je pense que je devais déjà travailler. Ouais, parce qu'en plus, lui il est sorti fin 98. Ouais, Bah, je tu travaillais travaillais déjà, déjà chez je travaillais Micro. déjà chez Micro. Alors di Ouais, dis-nous dis-nous je quelques travaillais titres sur déjà. PlayStation et on va passer sur cet épisode Micromania. Donc, bah, Metal Gear. Qu'est-ce qu'il y avait Legacy of d'autre? Kain, est-ce que tu l'as eu? Soul Legacy of. Reaver. Alors, Soul River, ouais. Quand tu passais dans l'autre monde, là, avec le morphing et tout, c'était la folie. Ça, c'est incompréhensible que t'aies pas eu une suite ou un nouvel Ouais, le jeu épisode. était à l'abandon le plus total, hein. Alors qu'il était oufissime. Je crois que c'était. Comment il s'appelle? C'était Crystal Crystal Dynamics. Dynamics, oui. Et le jeu, tout était parfait dans le jeu. En fait, les graphismes étaient dingues. La PlayStation faisait un truc qui, soi-disant techniquement, était impossible à faire sur cette console-là, justement le côté morphing pour passer d'un monde à l'autre. Et le jeu sans chargement, sans temps de chargement, quasiment, je crois, à part peut-être un Ah, passage. certainement sur des zones vraiment qui changeaient le.
c'était ouais non mais c'était hallucinant quoi. Techniquement le jeu il était super c'était au top du top de ce que pouvait faire la Oui, à PlayStation. l'époque, oui. En jouabilité, il était top, l'histoire était géniale. Mais c'est vrai que ouais, l'histoire de Raziel, c'est dommage qu'il l'ait pas plus Plus creusé que ça, creusé. parce que Kane, au final, ils en ont fait des jeux basés sur Kane, mais sur lui, pas trop. Donc c'est un peu dommage, parce qu'il méritait plus que Ouais, ça. je pense Bon, qu'il y a des fans de l'époque qui seraient ravis d'avoir une nouvelle version. Ah mais clairement, clairement, là tu demandes à Bluepoint de faire un Ah remake. oui, on peut leur faire confiance, hein, ils font des bons Waouh! trucs en ce moment. Ah mais c'est clair, c'est clair. Alors, ISS Pro en matière de foot ISS aussi, Pro. oh, c'est génial. Oh, ISS Pro, c'était donc génial. t'étais. Heart of À Darkness, l'époque, une c'était tuerie. Team ISS, donc. Bah en fait après au départ c'était FIFA, j'ai envie de dire presque comme tout le monde. Alors ouais, je pense que c'est ça. Donc Parce que dis-nous on non, a c'est presque. l'épisode de FIFA le meilleur pour toi de la PlayStation. Pour s'il y a débat là. Bah, pour moi je pense que c'était FIFA 98. Ouais, 98 hein, ça y a Ouais. rien. Ouais, je pense que parce que enfin je sais pas, ouais, il y avait un Ah, il y avait enfin la Coupe du le jeu monde. en tous les cas était ouais, et puis il était quand même agréable à jouer, t'avais un bon feeling manette en main. Alors aujourd'hui peut-être que voilà les gens viendraient plus chipoter machin, mais ouais non, FIFA 98 ouais, bien 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 fun, mais après obligé Team ISS, ISS, qualité ouais. d'animation, sensation de foot, enfin sensation de jeu là t'avais, même à l'époque t'avais l'impression limite de regarder un match de foot, parce que dans la qualité des animations, tous les petits mouvements que tu retrouvais, enfin c'est des trucs que tu n'avais pas dans FIFA et ça manquait un peu quoi. Ah, Quand il y avait goûté, c'était les conduites de. l'émotion de la conduite de ballon et du shoot. Ah ouais, les conduites de balle, c'était fou quoi. Pour l'époque, les ISS Pro, ah ouais, c'était des vraies petites perles. Donc ça, c'était Et génial. quoi d'autre alors? Qui t'ont Ouais, donc marqué? Heart of Heart of Darkness, Darkness. une pépite monumentale. Ça, c'était aussi top. Donc bah, la série des Grand Turismo, passage obligé, grand classique Est-ce que tu as aussi. fait le concours qui était disponible pour gagner la voiture? Non, Non? non, Ok. non, je l'ai même pas Même pas tenté tenté. parce que je me rappelle, je crois qu'ils avaient déjà mis quand ils ont lancé le concours, il fallait déjà passer, je crois que de mémoire, alors je te raconte peut-être une bêtise, je me souviens plus trop, mais enfin moi ce que je me rappelle, c'est que je m'étais entraîné juste pour le fun et j'ai regardé le temps que je faisais, parce que je sais plus, tu devais faire un temps sur je sais plus quel circuit, déjà pour être qualifié, je crois. Ouais, tu Et devrais faire le meilleur après, temps, t'avais. envoyer ta carte Ouais. mémoire et après pour être Ouais. sélectionné pour, je crois que c'était Trial Mountain ou un truc comme ça. Ouais, il me semble. Ouais. Et moi, je me rappelle que t'avais déjà. Alors, je sais plus dans quel magazine où ils en parlaient. Et ils avaient publié un temps d'un gars qui avait fait un temps, quoi. Bref. Et moi, à l'époque, alors que j'étais à fond dessus et tout, je devais oh, genre être à, je sais pas, 3 ou 4 secondes. Donc, je me suis dit, non, c'est pas la C'est pas la peine de peine. tenter quelque Alors chose de ça. après Ouais. le mystère du record en fait pour la petite anecdote, c'est-à-dire que celui qui a gagné et les meilleurs temps étaient faits avec des bugs du jeu. C'est-à-dire que tu pouvais rouler tout simplement à côté de la barrière et tu perdais pas de vitesse. Donc les mecs ils Ouais. utilisaient tous les bugs possibles du jeu pour pas perdre de vitesse Ouais. en te ramassant contre la Ah. rambarde, mais tu continuais. Ouais. Donc en fait Ah voilà, oui, ça c'était un grand classique de Gran Turismo. c'était Ça la c'était gruge. peut-être le défaut du jeu, où c'est pareil quand t'arrivais dans un virage un peu trop vite. Si tu tapais les voitures gérées par l'ordi d'une certaine façon, tu perdais pas de vitesse et ça te permettait de revenir dans la trajectoire, et limite sans freiner quoi. Donc ça c'était un peu Et donc un peu les moi gruges j'avais de. participé, j'avais envoyé ma carte mémoire, je n'ai plus jamais vu ma carte mémoire, et après C'est. j'ai vu que en fait les mecs ils faisaient pas la piste toute jolie comme je faisais, non, ils utilisaient des gros bugs et Ouais. tout, mais ouais. Ah, c'est Ouais, la bon, vie, ça, hein, j'avoue, ça fout c'est un la peu vie. la. Ça fout un peu la haine Ouais, quand même, hein, bah parce que toi, après. tu vois, t'essayes d'être Ouais. réglo, de faire ton petit truc comme il faut, et. Mais bon. Ça fait partie du Ouais. jeu. Les Final Ça fait partie Fantasy, du est-ce jeu, que ouais. tu as connu le Final Fantasy à l'époque? Alors, bon.
Le 7, ça a été une claque phénoménale. T'as commencé les Alors FF moi j'ai par là commencé. ou avant? Ouais. Non, moi j'ai commencé avec le 7 tout simplement parce que comme j'étais pas Nintendo à l'époque, bah forcément je connaissais pas. Je connaissais de nom, mais j'ai jamais joué. Et d'autant plus que la plupart ne sortaient pas de façon officielle chez nous. Ils ont commencé tardivement. Et le 7, on va dire, c'était la première grosse claque que j'ai pris dans ma tronche parce que Le en fait il y avait JRPG un vraiment à son état ouais pur. bah, je pense que ça doit être un des premiers sous la forme moderne, on va dire. En même temps, j'ai envie de dire, c'était peut-être le seul aussi à l'époque, alors c'est normal que ce soit un des premiers, mais à poser les bases, on va dire, de ce qu'allaient être les JRPG dans le futur, quoi. Et juste en comparant, par exemple, avec l'expérience que tu as eue avec le remake, je pense, est-ce que ça t'a fait plaisir de retrouver cette ambiance que t'as découvert? Alors moi, le remake m'a fait extrêmement plaisir et je pense que forcément, si tu as joué au set original, alors plus à l'époque qu'aujourd'hui, parce que enfin, ceux qui découvrent le set original aujourd'hui, tu vas te dire ouais, ça a pris un coup de Oui. vieux, ça a machin, ça truc. Mais ceux qui l'ont découvert à l'époque, c'était une claque phénoménale. C'était le premier jeu, ils avaient inventé une technique pour pouvoir lancer une cinématique de façon totalement transparente, voire même dans certains cas, tu pouvais continuer à contrôler ton perso au début de la cinématique avant que la caméra parte et déclenche d'autres D'autres événements. événements, ouais. Et donc, visuellement, déjà, c'était époustouflant à l'époque. Donc là, aujourd'hui, tu retrouves le set forcément. Forcément, rien que l'introduction, déjà ça te met des frissons quand tu fais le set remake parce qu'ils ont gardé la même structure d'introduction, donc ça te donne des frissons. Retrouver les personnages en plus de façon plus approfondie avec une qualité graphique, Donc, est-ce que voilà, sans t'as commune senti quand mesure. même une émotion à rejouer à ce jeu comparé à ce que t'avais fait sur PlayStation? Ah ouais, ça m'a fait plaisir, mais après c'est vrai que l'effet comment dirais-je, d'émerveillement que tu pouvais avoir à l'époque, tu le retrouves pas dans le remake. Parce que aujourd'hui, même si le remake, en dehors des défauts qu'il a sur certains aspects du jeu, même s'il les avait pas, aujourd'hui il n'apporte pas ce que le set de l'époque a pu apporter. Parce que le niveau technique des jeux déjà n'est plus le même aujourd'hui. Et c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. C'est même quasiment impossible aujourd'hui de faire ce que Final Fantasy VII de l'époque a fait. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réussir à apporter une technique totalement nouvelle et un rendu visuel à des années-lumière de ce que tu pouvais faire avant. Tout en plus en apportant une histoire hyper profonde, des personnages attachants et tout ce que tu veux. Alors là, dans le set remake, tu retrouves le côté histoire, personnages attachants, etc. Mais tu as pu la baffe aussi qui accompagnait le jeu de l'époque, la baffe visuelle. Même si le jeu est très beau, aujourd'hui, des jeux très beaux, il en existe. Et Final Fantasy VII Remake n'est pas le jeu ultime d'un point de vue technique. Donc, il fait partie du haut du panier, mais t'as plus ce côté-là. Mais t'as le côté, par contre, nostalgie qui joue à Ok, fond, et t'as c'était des pour scènes, voir des fois. si cette nostalgie en fait t'avait accaparé encore sur cette Ah bah, version. non, mais ça te touche, tu vois, la première fois que tu vois les persos dans le jeu, parce qu'au départ, bah, comme dans le jeu original, tu commences qu'avec un certain nombre de persos. Donc quand tu recroises les persos pour la première fois dans le remake, bah, ça te rappelle des souvenirs. Il y a même des choses des fois que je me rappelais plus. Et j'ai été vérifier sur le net, je me suis dit, mais attends, ça fait partie du remake ou ça faisait partie de l'ancien? Parce qu'en fait, des fois, ils ont tellement magnifié le truc là pour le coup que t'as du mal à reconnaître des fois. Et en fait, tu dis, ah bah ouais, mince, ça c'est vrai, je l'ai fait dans l'ancien. Sauf que dans l'ancien, c'était un passage qui durait 5 minutes, alors que là, par contre, ils ont enrobé tout ça pour que ça dure plus longtemps, et du coup des fois tu as des passages que tu as déjà fait mais tu as l'impression que c'est presque des Des nouveaux, quoi. nouveaux, ok. Mais ouais, non, le côté nostalgie joue forcément, et surtout à la fin, en plus à la fin Ah du bah, pas remake. de spoil, hein, pas de spoil. Non, tu spoiles pas, mais tu sais que le meilleur reste à Ouais, venir, quoi. normal. Et Donc donc, sur on continue, sur cette PlayStation, quel autre titre peut-être t'a marqué?
Bah donc après le 7, naturellement le Le 8. 8. Et après le 9. Le 8, et puis Voilà. après le 9. Alors le 8, je l'ai trouvé moins sympa que le 7. J'ai eu un peu plus de mal à accrocher. Ouais. Je sais pas trop si ça vient peut-être du fait que là ils ont voulu partir dans quelque chose de plus réaliste au Plus niveau réaliste au niveau d'ambiance, réalisation, ouais. au niveau des persos, de l'ambiance. Alors que par contre je me rappelle un truc. Alors tu vas me dire pour un jeu ça fait pas beaucoup, Ouais. mais l'introduction du jeu avec la musique, la Liberi Fatali, elle est magnifique cette intro. Ah, c'est... Et du coup, tu retrouves pas tout à fait ça dans le jeu et c'est, je sais pas, il Ils manque, t'ont enfin pour trompé sur moi, la après il y a, marchandise. je sais pas, ouais, il y a un truc, pour moi la sauce elle prend pas complètement, tu vois, dans le 7 elle prend complètement, dans le 8 elle prend à moitié, alors après il y a des gens qui l'ont adoré, moi je suis passé un petit Bah, peu à côté, chacun en ses goûts, hein. C'est normal, c'est voilà. parfaitement normal. Donc moi je suis passé à côté. Le 9, Le 9. j'ai beaucoup apprécié le chara-design, toute l'atmosphère qui se dégageait de On l'univers retrouve qu'ils avaient des créé pour persos le 9. chibi en fait. Ouais, voilà. Donc même si là c'est fait encore de façon différente, parce que automatiquement aussi là ils maîtrisent mieux la console, donc le rendu visuel il est aussi un peu plus chatoyant. Donc je l'ai trouvé, pour le coup là je l'ai trouvé plus sympa que le 8, mais pas au niveau du 7. Et après, qu'est-ce que tu as eu d'autre sur cette Alors après console sur qui t'a marqué, hein? PlayStation. Si s'il y a rien qui t'a marqué, on... Ce que je réfléchis, après ouais le F1 2000, jeu de Formule 1, Duke Nukem, est-ce que je l'avais fait? Non, je l'avais pas fait sur lui, j'avais dû le faire sur ordinateur, Duke Duke Nukem. Nukem. Ouais, Duke Nukem, ouais, je crois que je l'avais fait sur Ça ordi se lui, peut, ça se celui-là. peut. Alors, à l'époque, DBZ, DBZ Ultimate 22, te rappelles-tu de cette émotion? Alors, tu vois, bizarrement, les jeux Dragon Ball, j'ai jamais. Alors, il y en a qui vont sûrement me jeter des pierres, mais j'ai jamais Ah, t'as jamais trop accroché? accroché. Au mieux, je les trouvais sympas, mais sans plus. Tu vois, même les Budokai, il y a des Budokai pourtant qui sont. Ouais, Alors, sur voilà, pour le coup, c'est Super. pas sur PlayStation, Sur Super. ouais, mais voilà. Bon, je suis passé un peu à Ok, côté. ok. Dino Crisis, Dino Crisis, excellent Destruction aussi. Derby. Destruction Derby, les Drivers, Die Hard Trilogy, moi je l'ai adoré aussi, basé sur la Ah oui, trilogie mais donc des Die Hard, c'est... comme son nom C'était l'indique. excellent, excellent. Ça, je le trouvais génial. Ouais, non, franchement excellent. Pourtant, le jeu comme ça, tu le regardes, il a pas l'air de casser trois pattes à un canard, Ouais. mais quand tu Alors, l'as entre les au mains, niveau de gameplay, avec un manette, vu que c'est ouais. trois jeux en fait en un, en fait, trois styles de Ouais, jeux différents. puisqu'en fait, pour chaque film, on va dire, en gros, c'est un style de jeu T'as comme ça différent. un action, un jeu d'action, après t'as un shooter. Un shooter. Ouais. Non, franchement, il était super Non, sympa, bien. agréable à jouer, assez fun. Après, bon, techniquement un peu faible, Ouais. mais même pour de la PlayStation, mais bon. Crash Team Après, il y a eu Racing, les. est-ce que tu l'as eu? Alors, Ou les Crash Team Crash? Racing, ouais. Ouais, Crash Bandicoot. Alors le premier sur, le 2, j'ai un doute. Le 2, un peu moins sûr. Mais ouais, le premier Crash, excellent. Naughty Dog à cette époque-là, il faisait des jeux de ouf en matière de jeux de plateforme. Aujourd'hui aussi, d'ailleurs, ils font toujours des jeux de ouf, même si ça n'a plus rien à Cool voir. Borders 2, est-ce que ça te dit quelque Cool chose? Border, ouais. Ah ouais, jeu de surf, enfin De snowboard. de snowboard, voilà, je cherchais le mot. Excellent aussi, lui, ouais, bien À aimé. l'époque, c'était Colin McRae aussi. Ouais, et Colin McRae, pas. C'est des classiques, t'es obligé. Ouais. En fait, quand t'as une PlayStation, T'es t'es obligé de obligé de les faire, connaître, ouais. ceux-là. Tu peux pas faire Alors, autrement. Monument, Et il était excellent. Castlevania Symphony of the Night, est-ce que tu l'as fait ou non? Eh bien, non, même pas. Ah, tu dois le faire. Ouais, la série des Castlevania,
Je sais Ah, pas t'as pas pourquoi, je suis accroché. toujours passé à côté. Je suis toujours passé à côté. Même là, tu as des épisodes qui étaient sortis sur 360 et sur PS3 qui étaient excellents. Et là, ils ont même bénéficié d'un patch One X. Mais même, là, pour le coup, je ne les ai pas faits. Je n'ai même pas essayé, je ne les ai pas faits. C'est un tort. Dave James, Fight for New York. Voilà, excuse-moi, je saute du coq à l'âne, mais c'est parce que je vois Ah oui, que je me suis je suis dans la trompé, liste. je me suis trompé, je suis Mais passé. Mais on va continuer, on va continuer. Est-ce que tu as un autre jeu sur PlayStation que tu veux mettre en avant Ghost Goblin, ou tu veux passer sur un autre système? C'est toi qui vois. il y en a eu plein, mais bref, Banjo Musashi, ça aussi j'ai adoré, il est excellent celui-là. Ouais, franchement, avec la vue de dessus, ton petit samouraï, ouais, excellent celui-là, j'ai beaucoup aimé aussi. Les Ape Escape aussi pour l'adaptation pour les analogues. Est-ce que tu l'as acheté? J'avais fait le premier, Ouais. ouais. Alundra aussi. Alundra. Non, franchement, il y a trop de jeux sur PlayStation, c'est trop. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'ailleurs, Non, les franchement. Smash Court Tennis, est-ce que tu y as joué aussi? C'est aussi à la mode hein, à l'époque. Smash C'était jeu Court de tennis Tennis. un peu chibi, mais excellent en fait. Oui. Ah, ok. Celui-là, c'est Bah, alors là, tu vois le nom. Anna Kournikova Smash Le Court nom. Tennis. Le nom comme ça me rappelait rien, mais là en voyant les images, ouais. Obligé aussi. Mais Y a non, mais tellement de t'avais trop trucs, de ouais. jeux. Tellement de trucs. T'avais trop de jeux. Je sais plus sur PlayStation combien t'as eu de jeux. T'en as eu 10 000, je crois. Un jeu qu'on ne C'était parle pas, par complètement exemple, fou. pas très souvent, Bloody Roar, aussi. Bloody Roar. Jeu de combat qui était sympa On se aussi. Ouais, quand transforme tu te en transformais bête. en animal. Ouais, c'était excellent. T'avais aussi, je crois que c'était sur PlayStation aussi, je crois pas que c'était sur la 2, c'était Bushido Oui, Blade aussi. Bushido Ouais, ah Blade. bah ouais, je le vois dans Il est la liste. là, Bushido Blade 1 et 2. Bust Move aussi. Bushido Blade, Oh là le jeu là, non où mais. le combat pouvait s'arrêter en une seconde ou deux. En un Ouais, en un coup, coup. ouais. Voilà. Parce que si t'arrivais à placer ton coup, paf, tu es Tu le direct. transperces, tu lui coupes le bras, tu lui coupes Ouais. la tête, voilà, et c'est fini. Ouais. Ah ouais, ça aussi c'était excellent. C'était aussi sur PlayStation, Soul Blade. Je sais Ah même plus maintenant, c'est oui, tellement que c'était sur PlayStation. sur Hein. PlayStation, sur Et PlayStation. ouais, Soul Blade aussi, qui était On va le mettre, excellentissime. c'est un classique de chez classique. Oh là là, ouais, Spyro the Dragon aussi. Oh là, mais en fait, il y en a trop. Ouais, Soul Blade qui était T'as excellent. ça, regarde, t'as Spider-Man, des jeux qu'on retrouve maintenant, les licences n'ont pas disparu. Elles sont arrivées en Ouais, fait sur cette non mais console. c'est. Ah ouais, non Donc, mais c'est les Street fou. Fighter en 3D, bah en Il plus y a. en veux-tu, en voilà, t'en avais à l'époque. Ouais, Voilà. mais tu vois, là j'étais moins fan des versions 3D, tu vois, par rapport aux versions Ouais, ce que je 2D. voudrais juste dire, c'est que voilà, ils ont rien Mais t'avais inventé. tout, ouais. C'est vraiment tout Non, non, ah disponible. bah non, c'est clair. C'est Suikoden, clair. les Seven Fighters, par Shippuden. exemple. Seven Fighter. Funfighter, c'était C'est excellent, ça excellent. aussi, j'adorais. Bah. Ça aussi, c'est pareil. C'est dommage que ce soit une série qu'ils aient Ouais. arrêtée, parce qu'il y a du bon potentiel. Tel Concerto, c'était excellent. Tekken, c'était excellent. Tel concerto d'ailleurs qu'on a parlé avec la geek en rose et c'est un jeu excellent, excellent que je conseille. Faut Moi vraiment aussi, le découvrir. j'ai adoré. T'avais une super ambiance en plus Tenchu aussi dans le 2. aussi. Tenchu, grand classique aussi. Les Test Drive. Non, mais en fait, quand tu regardes toute la liste, tu Ouais. dis, mais à un moment donné, en fait, T'as tout tu sais fait, tu même. voudrais tout. Enfin, y en a trop. Les X-Files, enfin, The X-Files Oh. en full Ouais, motion en vidéo, FMV, jeu j'adorais d'enquête, aussi. excellent. J'adorais parce que t'avais vraiment l'ambiance de la Theme série. Hospital, aussi Mais disponible c'est sur pareil. PC. Theme Park, pareil. Pas Un jeu qui... Time Time Crisis Crisis, hein, aussi. Theme Crisis. Ah J'allais putain, sur avec Tobal, le mais gros on con. va y aller. Tobal numéro 1 Alors, aussi, Tobal excellent, avec numéro 1, Akira Toriyama au design. au design, ouais. Toka Torinka aussi, c'était excellent. Les Tokka, Oh. les Tomb Raider, Tomba, je sais pas si Tomb t'as connu Raider, j'en crois. Tomba. Tomba. Non, non, Ok, non, non, non. les Ça, j'ai Tony pas Hawk, connu. Tony qu'on a Hawk, parlé, une les tuerie. Twisted Ça, Metal, c'est Twisted Metal aussi, j'adorais, complètement barré. Vagrant Story. Vagrant Story Alors aussi, je l'avais fait, j'ai celui pas aussi à les images, mais c'est l'époque. pas grave. Vandal Arts. Magnifique, Vandal Arts. Alors ça, par contre, je l'avais pas fait.
Je connais, mais je l'avais pas fait. Je l'avais pas fait Tactical. parce que j'étais un peu moins fan des et ouais, un peu moins fan. Donc je jouais à ce genre de jeu tactique, un peu tour à tour et tout. J'y jouais un peu, mais à dose, Limité. on va dire un peu Ouais. limité. Ouais, Alors on va parler aussi sur un gros monument, les Wipeout, hein, qui ont été inventés. Wipeout, C'était des. monstre. C'était, tout était vendeur sur cette console en fait. Hein. Ah mais Et c'est là, c'est que clair, les mais jeux c'était que fou. voilà que j'ai mis sur la liste et je pourrais en mettre des Même centaines et des centaines. Armageddon Ouais. aussi, hein, passer des heures dessus. Wild Arms, un RPG monstrueusement génial, avec son intro en dessin animé, Oui. avec une musique un peu là où si flottante, là, western et tout. Excellentissime Alors aussi. donc là on a fait déjà pas mal le tour de la Il y en a trop. PlayStation, il y a Il y en vraiment a trop de jeux, trop de jeux, trop de jeux. Ah mais c'est la Faut folie, passer c'est sur un horrible. autre système. Qu'est-ce que tu as eu après? Qu'est-ce que tu as Eh eu? ben, tout logiquement, tout bêtement, je suis passé. T'as pas eu rien de Sega, la Ah non, Saturn, attends. la Dreamcast Attends, non, justement, j'allais te dire une bêtise. J'allais te dire, je suis passé à la PlayStation 2, mais il y avait la Dreamcast Ah, la avant. Dreamcast! Parce que. Team Sega, comme t'étais Team Ouais, bah, Sega, t'allais pas à la alors, Nintendo mais. 64. J'étais Team Sega, par contre c'est vrai que j'avais pas pris de Saturn à l'époque, parce que Il y a José qui nous je citait me aussi rappelle Medal que... of Honor. Ouais, Classique. ah mais Medal of Honor, c'était un classique avec la scène du débarquement, quand tu la revois dans Call of Duty, bon là ça n'a plus rien à voir, mais Medal À of Honor, ouais c'était l'époque, excellent. Medal of Honor, Oh, c'était fou. le son était fou. D'ailleurs, c'était Ah, en le son était... Dolby, je sais Ouais. plus quoi. Il poussait vraiment Ouais, ça. ouais, Hein. ouais. Le son Ah ouais, était le des sound armes ré... design à Le l'époque, son était c'était... des armes réelles et tout. Je me rappelle, il y a eu des reportages sur Ah ça. ouais, Ils ont fait. c'était dingue. Ouais, c'était excellent. Mais du coup, j'étais pas passé sur la Saturn parce que moi, je me rappelle à la sortie de la PlayStation. Ouais. Donc, t'avais déjà le Ride Racer de l'époque qui m'avait foutu une claque. Et en fait, Sega, bizarrement, alors qu'ils étaient les maîtres incontestés de la 3D en arcade, ils ont vendu la Saturn limite comme une console 2D. Et du coup, ça m'avait pas plus emballé que ça. Et puis, quand après, parce que je sais plus ton, t'avais, c'était quoi? C'était Toshinden, je crois, à l'époque, Toshinden, oui. qui était sorti aussi Day One. Donc, Sony avait poussé aussi sur Toshinden. Et en fait, D'ailleurs, mais ça, c'était trop tard. Le mal était fait parce que Toshinden, il est sorti. Plusieurs mois après sur Saturn, la version Saturn était plus belle que la version PlayStation. Mais après aussi pareil, le Tomb Raider, premier du nom, qui a fait grand bruit sur Ah non, je PlayStation, l'ai pas. la version Saturn était pourrie. Bah oui. Ils avaient tué la version Saturn. Et tout ça fait que au final, vu de loin, je me suis dit, oh non, la Saturn, vas-y, tant pis, je laisse tomber, tant pis. Donc, Mais par contre... t'as passé en fait la meilleure partie de ton temps sur la PlayStation, après avoir Ouais, ah, vendu j'étais PlayStation. ton âme avec ta Neo Geo. Oui. Et donc, t'es Ouais. passé sur la Dreamcast. Quels sont le Starter Pack Dreamcast que tu as eu? Quel a été? Alors, je suis pas sûr que ce soit le Starter Pack parce que je me rappelle plus Ou trop, les jeux qui mais t'ont au marqué, niveau hein, des quand tu ne jeux, sais pas, c'est vraiment les jeux au qui t'ont niveau des marqué. jeux, en tous les cas, c'était. T'avais Sonic, c'était quoi? Sonic Sonic Adventure, je crois, si je Adventure, raconte pas de ouais. bêtises. T'avais Crazy Taxi, t'avais Sega GT, Daytona USA. Moi, je me rappelle quand tu prenais les jeux, c'était dingue. Tu regardais, parce que tu te rappelais justement, tu comparais avec les versions d'arcade D'arcade, et tu regardais, et là, tu disais ouais. waouh, mais là, Daytona, on c'est va mettre ouf, Daytona c'est. aussi. Les jeux sont identiques. Oui, là déjà, tu avais la qualité graphique qui suivait, l'animation C'était super dingue. rapide. Ah ouais, et puis c'était vachement Ouais. plus propre que ce que tu avais sur PlayStation. C'était ouf, Chouchou Rocket. Même Chouchou Rocket, tu vois, qui était un jeu pourtant techniquement complètement pourri. Enfin, c'était minimaliste à mort, mais il était tellement marrant à jouer. Tu vois, ce genre de jeu, c'était tellement marrant à jouer. Mais pareil, toujours dans un esprit arcade. T'avais, Je repasse juste Crazy comment il s'appelle? Taxi, aussi fun à Ouais, l'état pur. Crazy Taxi, un Ouais, classique. classique. T'avais aussi le jeu de Capcom, c'était Power Stone. Power Stone, Power je Stone l'ai. aussi, qui était génial. Jeu qu'on pouvait jusqu'à 4.
Et d'ailleurs, voilà le bon de cette console aussi, avec 4 ports manettes pour pouvoir. Ouais, c'était fou ça. Et c'est ça, typiquement, enfin, le jeu était génial. Après, par contre, des fois, quand tout le monde sortait ses attaques, ça pouvait être le gros bordel. Tu voyais plus rien à l'écran, tu savais plus ce qui se passait, tu savais plus où t'étais, mais c'est pas grave. C'était marrant à jouer. T'avais Rival School aussi, qui était sympa. Ah, je l'ai mis dans la liste parce qu'il avait, il avait pas fonctionné la dernière fois, mais le voici. Ouais, il était sympa. Ouais. T'avais Ready to Rumble aussi. Let's just get ready to rumble. Ouais. Il était énorme. Et moi, je me rappelle en fait la Dreamcast. Alors, je sais plus quand est-ce que Sega l'a présenté officiellement. Ça devait être en 97 ou 98. Et à l'époque, ils avaient déjà parlé de Shenmue et de Resident Evil Code Veronica. Mm-hmm. Et ils avaient montré des images. Et je m'étais dit, j'achèterais cette console pour ces deux jeux. Sauf que ce que je savais pas, c'est que ces deux jeux-là sortaient au moins 2 ou 3 ans après la sortie de la console. Ouais. J'étais un peu dégoûté. Après, il y avait quand même des jeux entre-temps. Hein. On a pu quand même s'amuser. Mais du coup, Resident Evil, la grosse claque. Premier Resident Evil passage 3D. Full 3D. Super bien réalisé, la scène d'intro dantesque qui se passe à Paris en plus au début. Mais excellente. Et puis après le jeu, voilà, enfin génial, franchement génialissime. C'est génialissime, rien à dire. Et puis Shenmue, la claque ultime. Le jeu qui a révolutionné son époque, franchement, enfin, c'était. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'un jeu qui est tant de publicité à l'époque, tout le monde lui donnait vraiment des très bonnes notes, ne s'est pas très bien vendu. Le problème, c'est que je crois alors que en Europe. En tous les cas, enfin, et pour la France, on va parler pour la France, parce que moi, je sais que à l'époque, dans ma boutique, j'ai, on va dire, 99% des gens qui étaient prêts à acheter le jeu. Quand tu leur dis c'est en anglais et rien d'autre, ils posent le jeu et ils prennent autre chose. Même le 2, ils avaient fait l'effort de traduire. Alors, ils n'avaient pas tout traduit, ils n'avaient pas traduit les textes, enfin les dialogues, ils avaient traduit le journal de Rio, et je crois qu'ils avaient traduit aussi d'autres trucs, mais globalement, les dialogues restaient encore en anglais. Mais ça, pour un jeu comme ça. Il y avait déjà le texte, c'est déjà pas mal. Mais tu vois ce qui a tué, je pense, ce jeu là et le problème, c'est qu'après tu peux pas jouer à Shenmue 2, enfin si tu peux, mais si t'as pas fait le premier, c'est un peu dommage, et donc si les gens n'achètent pas le premier, mais c'est bizarre, ils vont pas acheter le 2. C'est bizarre que tu me dises ça, parce que par exemple Final Fantasy, c'était pas en français sur l'ère PlayStation, qui était une ère avant, beaucoup de jeux Final RPG Fantasy... étaient en anglais. Non, attends, Final Fantasy 7 était en français traduit intégralement. Ah oui, non, je confonds. C'était un des points forts. C'était pas le courant à l'époque. C'était pas le courant à l'époque. D'ailleurs, j'ai cette version, je l'ai eu à l'époque aussi, mais... Mon point de vue, c'est qu'il y avait plein de jeux RPG qui étaient disponibles sur la PlayStation 1 ou sur la Saturn, étaient en anglais, donc je vois pas pourquoi ce jeu-là souffrirait de ça, quoi. Ouais, mais ça, je sais que tu as énormément de gens qui ne l'ont pas acheté parce qu'il n'était pas traduit. C'est toujours un blocage. Ou au moins sous-titré. C'est toujours un blocage chez parce que les gens se disent, si je fais ce jeu d'aventure, parce qu'on te le vend comme un jeu d'aventure quand même narratif, donc il faut quand même que tu comprennes ce qui se passe. Et en gros, les gens étaient en mode, mais si je comprends rien, comment je vais prendre du plaisir. Et puis tu avais aussi une notion, parce que le jeu était quand même vachement en avance sur son temps, parce que c'était un jeu aussi où limite... roleplay et des fois t'avais des gens qui comprenaient pas pourquoi tu devais faire des pourquoi tu devais aller sur le port, aller trouver du boulot, enfin il y avait des trucs, c'était aussi proche de la réalité en fait dans la démarche, et ça, peut-être que les gens n'ont pas perçu aussi le côté hyper ludique, et ceux qui pouvaient être intéressés, en fait le coup de massue, c'était l'anglais, quoi. Okay. Et c'était dommage, parce que le jeu, en plus, même à l'époque, techniquement, c'était magnifique. Les musiques,
complètement dingue. Le méchant Landy, là, complètement On charismatique. dirait tout, l'ambiance du jeu, je pense aussi, Mais hein. C'était tout, fou. enfin tout était génial. Et là, tu as ce jeu qui révolutionne vraiment les jeux d'aventure. Tu mènes ton enquête, tu dois parler aux gens dans la rue, reconstituer un peu le puzzle du truc pour continuer d'avancer. Et puis en parallèle, tu sais que tu dois affronter un mec qui, en termes d'arts martiaux, est super fort. Toi, t'as pas le niveau, donc tu dois t'entraîner, tu dois trouver des maîtres qui doivent t'apprendre des techniques. Tu dois, enfin, et puis tu as des événements qui peuvent être aléatoires, qui se passent à certains moments de la journée. Donc ça crée beaucoup de richesse dans le jeu. Et franchement, le jeu est génial. Et même, ouais, les courses de Voilà, il y a Transpalette. José qui insiste sur les courses de Transpalette. Et Eh ouais, mais sur carrément. la Dreamcast, donc quel autre jeu peut-être t'as marqué ou que tu te souviens? Il y avait Revolt aussi. Là, je le vois dans la liste Revolt, qui était oui, pas mal. Revolt. Jeu de voilà Il était de excellent. Jeu voiture de voiture télécommandante. Voilà. téléguidée qui était excellent aussi. Super bien délire, hyper accessible, vraiment génial. Techniquement Alors, aussi, est-ce que encore tu as connu, pour bien faire plaisir réussi. à José, le 18-wheeler? Le jeu de camion? 18 Wheeler, alors j'ai connu le 18 Wheeler, et oui, alors attends, je vais te montrer aussi, parce que attends, ouais, sinon je vais me faire engueuler, parce que c'est vrai que ma chérie s'est embêtée Ah, c'est ce qu'elle dit sur le à chat, sortir, elle est dans les cartons là. ouais, à sortir des jeux. Bah, je te passe en plein écran et on va voir ça, hein. Dans mes vieux cartons, bon, alors après, ça, c'est des jeux pour le coup dont on a déjà parlé, puisque les Shenmue 1 et 2 de l'époque. Oui. Oh, de l'époque. Alors, je sais pas si on arrive à les voir là. Alors, ah Ça merde, fait le avec le flou floutage, ça de. fait le Ah floutage, merde, mercredi. Alors, attends, on va enlever le mais. floutage. On va enlever le Ah, faut voir les floutage. boîtes, c'est beau. C'est la base. Allez. Alors, ne plus flouter. Voilà, Alors, là on les voit. voilà. Là, voilà. Donc, Shenmue 1, Bien, Shenmue bien, bel 2. état, bel état. Ouais, franchement, nickel chrome. Moi, je me rappelle, parce que, alors, pour être tout à fait honnête, ma Dreamcast, donc à l'époque, je l'avais vendue. Bah pareil, c'était toujours dans De l'idée passer à une prochaine génération de racheter d'autres d'autres consoles, oui. consoles. Et finalement, cette console-là, tu vois, contrairement à la Neo Geo, en même temps, c'était pas le même prix non plus. Montre-nous des jeux, Je me la suis montre-nous. rachetée. Oui, c'était pas le même prix, ça c'est Ouais. sûr. Donc voilà, donc je me la suis rachetée, et le donc je l'ai trouvé d'occasion, et en fait le gars qui me l'a vendu, il me l'avait vendu avec je sais plus, il avait les deux Shenmue, il avait donc bah le Sonic Adventure, mais que j'avais fait à l'époque, et là c'est pour ça que celui-là, tu vois, je l'ai même pas Ouais. rouvert, il est encore sous blister, alors du coup avec les reflets on voit pas trop, mais voilà, le Sonic Adventure qui est génial, hein. Mais du coup, je l'ai pas rouvert parce que je l'avais déjà fait. Et même chose pour Tomb Raider, le Ah, Tomb Raider bien, bien. Dreamcast. Et en fait, j'ai Ah, retrouvé j'étais pas là. quasiment tous les jeux que j'avais eu à l'époque. Le gars qui m'avait revendu la Dreamcast, bah, les avait quasiment tous. Donc du coup, j'ai fait d'une pierre deux coups. Bah, Et t'étais bien pour la content petite dans ce histoire en cas-là, plus, t'as retrouvé. ça. Sa console était, était enfin pouvait lire des jeux non achetés dans le commerce, donc l'un dans Alors, l'autre, est-ce que et Dreamcast Virtua Tennis? Virtua Tennis, une Celui-là, tuerie c'est le atomique, 2K, mais le 1, ouais, c'était pareil. Les deux sont mais bons. même enfin tous les, ouais, ah, mais une tuerie. Moi, je me rappelle à l'époque, bah, quand je bossais chez Micro, mon directeur de réseau, il adorait ce jeu-là, et en fait, il venait dans tous ces magasins dont il avait la responsabilité, et il demandait à tout le monde, c'est qui le meilleur d'entre Pour jouer vous à Virtua à Tennis. Virtua Tennis?
Bah on va peut-être Et aborder alors ça, vu qu'on est à la Dreamcast, tu travaillais déjà, donc tu as travaillé chez Micromania durant beaucoup de temps, je pense. Donc quelques années. raconte-nous alors des petites anecdotes, on va dire les pires clients ou une histoire, quelque chose que tu peux nous raconter. Déjà, tu nous racontes celle-là, donc le Le directeur de réseau, donc il est venu dans le magasin. C'est qui le meilleur à Virtua Tennis? En l'occurrence, il se trouve que c'était moi. Et du coup, on a fait deux trois matchs. Heureusement pour moi, je l'ai battu. Difficilement, mais je l'ai battu. Mais ce jeu-là c'était une merveille. C'était une merveille. Enfin, c'était parfait. Tout était parfait. La prise en main était géniale. Ça, c'est vrai. Les graphismes étaient top. Franchement, pour moi, il avait aucun défaut ce jeu. Tu peux enchaîner les parties. Enfin, il était vraiment excellent. Je me rappelle aussi dans un autre registre, c'était Special 5. Moi, c'était un jeu que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, ils ont fait le remake en VR de ce genre. Ouais. Moi, aussi pour Mais l'anecdote, bah oui, c'était pas mais. ma Sega Naomi, mon arcade Sega Naomi, est équipée à l'intérieur tout le temps de Virtua Tennis. Ah C'est mais le c'est jeu qui est obligé, c'est obligé le jeu. dans la machine tout le temps. On peut l'interchanger, mais c'est vraiment un classique. Il est tellement bon que ouais voilà, enfin c'est. Tu le sors même encore dans 10 ans, dans 15 ans ou C'est-à-dire maintenant 20 qu'une ans, personne, même il n'aura qui pas n'y pris connaît l'œil. rien au jeu de tennis ou au jeu, prend la main et tu prends du feu, tu voilà, tu sens la personne qui est un petit peu plus expérimentée, mais tu prends du plaisir très vite. C'est vraiment Ah simple, mais hein, c'est clair. simple. C'est clair. Et aujourd'hui encore, ouais, ça, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir. Et donc même Special Five, Special oui. 5, tu vois, moi je me rappelle, donc c'était un jeu que j'aimais beaucoup. Et même à l'époque, je l'avais acheté. Et puis un jour, tu vois, j'étais du matin. Et donc, quand tu es du matin, en gros, tu finis à 15h. Et puis je m'étais dit, tiens, je vais jouer un petit peu au jeu. J'ai fini, tu vois, on va le mettre sur le grand écran. En plus, c'est un jeu de musique, donc ça fait un peu d'ambiance et tout. Et puis on va le mettre. Et puis je joue, je joue, je joue, je joue. Et puis en fait, je le finis. Et après, je regarde, je fais merde. Mais en fait, le jeu, je l'avais tellement, tellement, tellement fait qu'en fait, après les enchaînements, tu les connaissais par cœur. Et en fait, le jeu, je l'avais fini en 4h et quelques, quoi, 4h30. Il était 19h30. Je fais, ah merde, faut peut-être que je rentre chez Ouais, moi. j'étais du matin, je Bon, finissais bah, à je l'ai fini, 15h, voilà, mais allez, je suis encore là. voilà. Et c'était génial. Après, voilà, enfin, c'était une époque, tu vois, enfin, bi bizarrement, j'achetais toujours mes jeux, etc. Ou de temps en temps, le fait de travailler chez Micromania, tu pouvais aussi emprunter des jeux pour les tester. Donc ça, c'était chouette aussi. Ça permettait aussi de pouvoir tester des jeux auquel tu pensais pas forcément, mais que voilà, ne serait-ce que pour pouvoir en parler aux gens s'ils veulent savoir ce que c'est. Donc tu pouvais tester, mais bizarrement, tu vois, alors c'était moins vrai au début, mais plus la durée, on va dire, de boulot chez Micro s'allongeait, moins je jouais en fait. Parce que quand tu es dedans, quand tu baignes dedans, quand tu parles que de ça, tous les jours, tout le temps, bah, au bout d'un moment, tu fais un peu une overdose. Et donc quand tu rentres chez toi, tu dis, j'ai envie de me poser, de faire autre chose, quoi. Alors après, tu avais toujours des exceptions parce que tu avais toujours des jeux que tu avais tellement envie de faire que voilà, tu y jouais quand même. Mais c'est vrai qu'au global, enfin, sur mes périodes de Micromania, c'est peut-être les périodes où bizarrement j'ai le moins joué. Paradoxalement, alors que c'est là où j'avais accès le plus au jeu, Alors, quoi. et quel a été ton pire client de ce Micromania? Les pires clients, Vraiment une histoire comme ça, si tu franchement, veux en choisir un, quelle histoire rocambolesque t'est arrivée avec un client?
Non, mais franchement, sur toutes mes années, alors on va pas parler de ceux qui essayent de te voler Ouais, ou machin, c'est pas ça, c'est pas c'est pas le propos. Mais des fois, moi je me rappelle, tu avais un client. Il venait toujours. Alors là, pour le coup, c'est un truc plutôt ouais. sympa. Il venait toujours avec son petit frère. Alors il venait peut-être, je sais pas, une fois tous les 3 mois, peut-être. Il venait toujours avec son petit frère. Et il venait nous voir. Il nous disait, bon, alors c'est quoi les nouveautés du moment? Donc tu lui dis, voilà, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Ok. Et puis après. Il demandait à son petit frère, alors qu'est-ce qui t'intéresse? Et son petit frère, il disait, ah bah ça, je veux bien, ça, je veux bien, ça, je veux bien, ça, je veux bien. Et il lui achetait tout le temps tous les jeux qu'il voulait. Ah, bah, dis donc. Tous les jeux qu'il voulait. Et même des fois, tu vois, même quand il venait pas nous voir, il faisait le tour des rayons, de tous les rayons, hein, Nintendo, PlayStation, Sega. Il faisait ça tout le temps. Il passait devant le rayon, il lui disait, vas-y, regarde, qu'est-ce que tu veux? Ça. Alors, il prenait le jeu, il regardait quand même un peu ce que c'était, tu vois, genre, il lui achetait pas non plus n'importe quoi, tu vois. Des fois, il y a des trucs, tu vois, genre les GTA, il lui disait, ah ouais, non, là, peut-être pas, tu vois, machin. Il Mais y a Starbellule dans le chat qui nous dit le coup de ouais. Noël qui l'a fait halluciner. C'est quoi cette histoire? Le coup de Noël. Tu peux me rafraîchir la mémoire parce que là j'ai la mémoire qui Il y a tellement flanche. d'histoires que voilà, Le coup de c'est passé à la Noël. trappe. Non, non, mais après, nous, tu vois, enfin, à l'époque, quand j'étais chez Micro, c'était une époque où les supermarchés n'étaient pas aussi importants qu'aujourd'hui. Les ventes sur Internet. Ça, j'en parle même pas, puisqu'à l'époque, Le gars ah qui ouais, vient à la ah, ah, fermeture mais du les gars, 24. ah ouais, mais les gars, ah ouais, non, mais là, ça, les gars qui viennent à la fermeture du 24, ouais, c'est vrai, non, mais t'en as tellement, donc tu vois, tu sais que le centre commercial, tu vois, normalement, il ferme à 19h30 ou 20h, suivant les Ouais. endroits, mais tu sais que le jour de Noël, il Plutôt, ferme plus ouais. tôt. Généralement, c'est une pratique commerciale. Donc tu sais que si tu es en galère de cadeaux, tu vas pas l'après-midi, tu essaies d'y aller le matin pour trouver un truc quoi. Et combien de fois ça m'est arrivé même plus d'une fois, hein. Tu vois, on ferme le magasin, donc la grille, le rideau est baissé, on est en train de faire nos comptes, les caisses et tout ça. Et le mec, il tape à la grille. Ah, s'il vous plaît, faut m'ouvrir, faut que j'achète un cadeau. Là, c'est pour Noël. Laissez-moi rentrer, sinon j'ai pas de cadeau, machin. Tu lui dis, bah non, mais le magasin il est fermé. Tu vois, là en plus on est en train de fermer les caisses, tout est fermé. On peut pas. Et les mecs ils sont à base de, ah ouais, mais à cause de vous, mon petit frère ou mon cousin ou je sais pas qui va passer un Noël dégueulasse. Ah, Combien c'est ça? Pratiquement à chaque l'excuse de la Noël, t'es famille, ouais. sûr que t'en as au moins un ou deux qui débarquent. Après, il y en a qui débarquent, qui toquent, qui disent, oh, si vous pouvez, s'il vous plaît, faire un effort, machin. Et tu leur dis non, ils disent, bon, bah ok, merci, c'est pas grave, au revoir, tu vois. Mais t'en as qui essayent toujours De gruger. De gruger, d'essayer de te faire culpabiliser pour te dire, allez, ouais, vas-y, c'est bon, je te laisse rentrer. Parce que le problème, c'est que si tu fais ça, tu peux être sûr qu'à 20h, t'es encore ouvert, hein. Parce que les gens, en Vous fait, arrêtez pas de venir. parce que ils viennent, voilà. Alors c'est pas forcément en nombre, mais c'est en continu. Si tu continues, même des fois quand tu sors du magasin, que tu es dehors, les gens t'apostrophent pour te dire, ah, excusez-moi, est-ce qu'on peut? Non, bah non, non. Tu sais, nous aussi on a une famille. Nous aussi, tu vois, quand on a des cadeaux de Noël à faire, on prévoit un peu, tu vois. Même moi. Tu vois, je suis pas en termes de cadeaux et de prévision de cadeaux, je suis pas un exemple, tu vois, parce que moi en général les cadeaux, je les fais la veille, tu vois. Mais même pour Noël, tu vois, moi je me dis, je me prépare, allez, une semaine à Ouais, l'avance, tu vois, t'essaies pour être tranquille, d'avoir le tu vois. timing. Bah ouais, tu vois, donc mais ça, ouais, ça, genre, t'en as plein, t'en as plein. Et après, ils te reprochent. Ils te reprochent en fait leur erreur, quoi. Alors Mais bon, et ça là fait chez partie Micro, en de nous. fait, est-ce que c'était une belle époque pour toi?
Et chez Micro, ouais, c'était super sympa parce que c'était une époque encore où les magasins spécialisés, tu vois, les gens venaient. Alors, t'avais de tout, t'avais les gens qui s'y connaissaient, donc eux, en gros, tu les voyais pas, tu vois, ils venaient, ils rentraient dans le magasin, ils prenaient leur jeu, ils savaient ce qu'ils voulaient. Des fois, ils pouvaient te poser une question ou deux sur un jeu parce qu'ils se disaient, oh, tiens, peut-être que le truc est sympa, on va essayer de voir ce que ça donne, enfin, voilà. Mais des fois, donc, tu les voyais quasiment jamais. T'en avais d'autres, ils aimaient bien, ils s'y connaissaient, mais ils aimaient bien parler avec les vendeurs, tu vois, parce qu'ils aiment bien le contact humain. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai pu me faire quelques amis. Alors, même si pour la plupart, comment dirais-je, je les croise plus parce que bon, chacun fait sa vie et puis C'est voilà, normal. c'est les aléas de la vie. Mais il y en a encore quelques-uns avec qui j'ai des contacts. Mais tu as aussi la mamie qui vient pour acheter pour son petit-fils qui n'y connaît rien. Tu as les parents qui viennent acheter pour leurs enfants. Et des fois, ça aussi, c'est pareil pour les sorties de GTA. Donc, jeu interdit aux moins de 18 ans. Je me rappelle, tu avais un gamin qui venait avec sa mère. Donc, il lui dit, bah vas-y, achète-moi ça, s'il te plaît. Ok, bon, il venait pour acheter un jeu. Donc, le gamin dit, je veux ce Elle prend jeu-là, le elle prend jeu. le jeu. Elle me le donne et tout. Et puis, je lui dis, vous êtes sûr? Elle me dit, bah comment ça, vous êtes sûr? Bah oui. Je dis, parce que vous voyez là, le logo là qui est écrit, ça veut dire que c'est interdit aux moins de 18 ans. Et son gamin, je sais pas, il avait peut-être 11 ans, 10 ans. Elle me dit, ah bon? Mais pourquoi? Bah, je lui dis, vous voyez, dans ce jeu-là, en gros, bon, bah, t'incarnes un bandit, Alors, quoi. Et donc, tu fais des trucs de est-ce que bandit, quoi. c'était comme José qu'on allait killer des schmites Et alors, ça n'allait pas Ouais. jusque-là, tu vois, mais le petit, quand même, là où il était Ouais. malin, hein, c'est qu'il lui dit, non, mais en fait, c'est un jeu de voiture. Moi, je prends, c'est pour conduire les voitures. Et après, je dis à sa mère, je lui dis, ouais, mais vous savez que vous pouvez quand même écraser les gens en conduisant en voiture. Alors, je dis pas que c'est ce que va faire votre fils, mais il peut le faire hein, s'il a envie. Il me dit, Ah, ah, d'accord. vendeur consciencieux fait son travail. Bah, ouais, non, mais tu vois, après, t'as les parents qui sont réceptifs et qui disent, ok, on va reposer le jeu et tu vas prendre autre chose. Et t'as des parents qui On s'en s'en fout, c'est foutent. ce qu'il veut, prends. Ouais, c'est ce Voilà. qu'on voit un peu partout. Alors, après, moi, je veux bien, mais t'as. Alors. Autant tu peux avoir des gamins qui peuvent On très marave du bien, Schmitt ou ouais, on Marave du bouillave du Schmitt, Condé. bouillave du Condé. Et pourtant moi j'étais dans le Ouais. 93 et ouais. Mais non, eux par contre moi les gars qui venaient acheter GTA, t'inquiète, qui venaient direct te demander il est où GTA Ouais. quoi. Les gars ils savaient, ils étaient au taquet. Pareil aussi les sorties de PES. Les sorties de PES c'était un truc de malade. Je me rappelle, tu vois, le jeu. Alors, je te dis Ouais. une bêtise, hein, c'est pour l'exemple. Genre, le jeu il sortait le 1er octobre. Et en général, tu sais, la plupart des habitués ils savent que les enseignes reçoivent les jeux avant, justement pour pouvoir les vendre le day Ouais, one. Tu vois, tu le reçois pas le jour même. Et ils savaient qu'en général, le PES. Il était à disposition en boutique souvent une semaine avant la date de sortie. Ouais, c'est normal, c'est normal, c'est une pratique. D'ailleurs, moi aussi, j'ai un petit jeu que Et j'ai ben, reçu aujourd'hui. ouais. Ah, Ouais. sympa. On ne dira pas. Non, On on ne dira dira pas c'est pas. quoi. Si ce n'est qu'il sort le Ouais. 19. Mais voilà. Mais tu vois, et tu peux être sûr que la semaine de enfin la semaine qui précède la sortie, les gens t'appellent tous les jours, mais tous les jours sur peut-être 100 appels, t'as 90 appels qui te disent PES, il est sorti. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et le jour de la sortie, alors en général, souvent, parce que tu vois, moi, nous, bah, les micromanias sont dans des centres commerciaux, et donc, tu te retrouves, tu as la Fnac, où à l'époque, tu avais aussi comment, Virgin. les Virgin, voilà, tu avais les supermarchés, tu avais le Score Game, et souvent, ce que la direction centrale nous demandait, c'était faites un tour dans votre centre et dites-nous s'il y a des magasins qui vendent le jeu.
Et donc, des fois, ça arrivait que la Fnac ou les supermarchés, parce que, tu vois, ils font pas trop. Enfin, à l'époque, en tous les cas, la Fnac, c'était pas forcément son fonds de commerce, tu vois. Donc, eux, les jeux vidéo, ils s'en foutaient un peu. Et tu vois, c'était genre, on reçoit un truc, on le met en rayon, quoi. On sait Ouais, même pas quand est-ce exactement. qu'il sort, C'est on l'a reçu, on la met en rayon. pratique. Tu reçois le produit, tu dois le mettre Et en voilà. exposition. Voilà, tu vois. Et ça nous est arrivé plusieurs fois à l'époque de dire, bah voilà, il y a un tel qui a mis le jeu sur le marché, ok. Et ben tu peux être sûr que le lendemain, le jeu il était sorti du rayon. Parce qu'à l'époque, ils appelaient Konami, ils disaient, voilà, il a lancé une truc muche à tel endroit, ils ont sorti le jeu, comment ça se fait? Et le lendemain, le jeu était viré du rayon. Sauf que dans les dernières années, c'était vu ça, c'était, ok, ils l'ont mis en Bah on le rayon. vend nous aussi, Mettez-le en rayon ouais. aussi. Allez, c'est parti. Après, maintenant, C'était les dates de sortie, tout le monde s'en fout. C'est. et même cette pratique-là de vendre à l'époque avant, disons plus maintenant, de vendre avant les supermarchés ou etc. C'était vraiment pour faire des ventes hein, parce que ils avaient des prix vraiment plus accrocheurs de temps en temps. Ils faisaient vraiment du dumping. Et de l'avoir aussi avant la sortie, de le vendre aussi dans les petites boutiques indé, c'était ce qui les faisait vivre. Hein. Mais ça, d'avoir le jeu disponible chez un endroit et d'avoir le mec qui t'appelle pour dire voilà, ils le vendent à tel endroit, etc. Il y avait des procès qui se sont mis, par exemple, sur les FIFA. Je me rappelle à l'époque, c'était beaucoup dans les FIFA, dans les PES, c'était souvent que ça arrivait. Ah ouais, non, mais il ne blaguait pas à l'époque parce qu'en fait, c'était pas à la rigueur, limite, il s'en foutait que les jeux soient vendus avant. C'est pas encore trop grave. Mais ce qui les embêtait, c'est que les jeux que tu vendais avant la sortie ne rentraient pas dans leurs statistiques de vente. Et donc, si tu vends les trois quarts de tes stocks la veille, l'avant-veille ou même avant la sortie, le jour de la sortie, tu vends plus qu'un quart ou la moitié de tes stocks. Et donc, les chiffres de vente sont faussés, puisque les éditeurs, au final, après eux, peuvent s'y retrouver, puisque après le temps de. Mais si tu prends le nombre de jeux vendus Day One, bah, ceux qui sont vendus avant le Day One, ils ne sont pas comptabilisés. Donc, en fait, ça faussait aussi le nombre de ventes de jeux vendus en Day One. Et c'est ça qu'il n'appréciait pas du tout ça. En fait, pour les Et objectifs c'était de aussi une. vente, c'était pas sûr. Voilà. C'était ça en fait, c'est que ça faussait complètement les résultats. Et donc pour eux, moi je me rappelle même à l'époque, on se prenait la tête où des fois, la veille ou l'avant-veille, on disait aux gens, pour les gens, tu sais, parce que chez Micromania, bon c'est un peu comme partout, tu me diras, il n'y avait pas que chez eux, mais chez Micromania, tu sais, avec le système de réservation, tu pouvais donc réserver ton jeu. Et en général, on faisait une petite fleur aux gens qui réservaient les jeux. On leur disait qu'ils pouvaient passer la veille. Parce qu'en général, les jeux, quasiment tous, tu les avais la veille. Au plus Au plus tard, tu tard, les avais c'était la la veille. veille, ouais. Au plus tard, voilà. Donc, tu leur faisais une petite fleur. Mais sauf que tu leur disais, venez, venez payer en espèces avec l'appoint. Et donc, on prenait les sous en espèces. Alors, on se disait, voilà, un tel. On notait le nom du client, son numéro de mégacarte, le jeu. Bon, en l'occurrence, c'était facile parce qu'en général, t'as pas 36 sorties le même jour. Et on disait, voilà, il a acheté un jeu, et tac. Et le lendemain, donc le jour de la sortie, avant l'ouverture, en fait, on enregistrait les ventes en caisse pour que le jeu soit vendu Le Day One, officiellement, day one. ouais. Et ça, Donc ça c'était des c'était. pratiques de l'époque de chez Micromania où tu as travaillé. Là, on est quasiment à 3 heures d'émission. Comme d'habitude, ça passe très vite. Je sais pas, on est sur la Dreamcast, on a Clair. cité quelques titres. Je sais pas si tu veux nous citer quelques titres de la PS2 si elle t'a marqué sur certains aspects. Alors, sur la PS2, alors là aussi c'est pareil. Alors, attends, je me baisse, hein, excuse-moi, je sors du Vas-y. champ, mais c'est pour rattraper Je quelques petits remets. jeux T'as un grand écran. qu'on a Montre-nous retrouvés. tous Donc les là, jeux que t'as là à je montrer. vais Vas-y, t'en. montre. C'est maintenant. Alors, je vais t'en montrer Ouais. pêle-mêle, hein, il n'y a pas de style particulier, il n'y a Pas pas dans. d'ordre de Ouais, préférence ou exactement. quoi que ce soit, c'est des jeux C'est vraiment random. que voilà, T'as conservé. j'ai kiffé. Alors, on parlait de Naughty Dog tout à l'heure avec Ouais. Crash Bandicoot, bah, on peut continuer avec Jak Jak and and Daxter, Dexter, excellent. qui pour moi est le meilleur de la série, avec Mais peut-être le un angle 3, le 3 est pas mal, de ah mince, 30 pardon, degrés, pas, exactement comme ça. voilà.
Le 3 est pas Ouais. mal, mais comment dirais-je, le premier, je trouve que c'est vraiment le, tu vois, The Ouais. Precursor Legacy, et il portait bien son Alors, nom, il y quoi. a José Franchement, sur le chat qui nous disait, excellent est-ce que titre. tu connaissais Thomas Jordan? Alors Thomas Jordan, ouais, c'était l'emblème, on va dire, de la société. C'était celui qui, c'était le nom générique en fait qui se retrouvait, tu sais, quand il faisait les pubs, genre pour prends-toi la méga carte, Ah, et tu sais, au lieu de mettre le nom de quelqu'un, Thomas bah, il mettait Jordan. Thomas Jordan, et c'était, il avait le logo. Le logo ressemblait un petit peu à, comment ça s'appelle, c'est de la marque, c'est Fido, je crois, où Ah oui. t'avais une espèce de gars, comme s'il était monté sur ressort, en fait, qui avait un Ouais, mouvement, ouais, genre je ouais, ouais. saute. Et en fait, c'était les deux prénoms, je crois, du fils de. Enfin, José va me rappeler l'anecdote, parce C'était que le j'ai un doute, mais je personnage crois que que je c'était montrais le sur prénom. l'espèce de badge de micro. Ouais, c'était ça, Ok. c'était celui-là, ouais. Et sauf que moi, je les faisais pas en carton à l'époque. Désolé, José, je ne suis pas assez vieux pour ça. Moi, c'était déjà en Ouais. plastique. Et donc Thomas Jordan, je crois, Thomas, c'était le prénom. Voilà, c'est ça. C'était le prénom du fils du PDG de Ok. Micromania, pour la petite histoire. Donc, Jack and Donc Dexter, voilà. donc tu nous montrais. Donc Jack and Dexter, Excellent jeu, oui, excellent. j'approuve, j'approuve. Oh, mais Ça. Metal Gear Excellentissime Solid aussi. 2, Sons of Liberty, sur PlayStation 2. Ça, c'est pareil. C'est peut-être le premier jeu qui, techniquement parlant, était peut-être aussi impressionnant que les jeux Dreamcast. En tous les cas, sur son Édition avec le DVD à l'intérieur du making-of, normalement. Yes. Yes, Double yes, DVD. yes. Ouais, alors là, on le voit plus trop, mais il y a écrit effectivement coffret comprenant un DVD Ouais. supplémentaire en cadeau. Bien, bien. Donc, excellent, excellentissime. Excellentissime, le Metal Gear. Bah, là, alors, hasard des choses, on va continuer avec Monsieur Kojima. Zone of the Enders, le 2. Bien, bien, bien. Alors, le premier aussi, j'avais aimé. Le 2, l'ambiance encore plus sympa, Plus abouti, en avec fait. le côté. Ouais, le côté en plus dessin animé. Putain, j'ai encore le ticket de caisse acheté en le 18 octobre 2003, Voilà, s'il ça vous c'est plaît. Joe, ça c'est beau. Et pour l'époque, j'avais revendu ISS Pro Bah tiens, Evolution 2. déjà l'âme de la revente. À conserver, à Ouais, ouais, conserver. ouais. Excellent. Énorme. Tu vois, donc excellent, ouais, avec le côté en plus bande dessinée animé japonais, qui était beaucoup plus sympa que les cinématiques en 3D du premier, parce que là c'était Ouais, plus dans plus dans l'ambiance, en l'ambiance plus limite un japonisante, ouais. peu Evangelion, Exact. enfin ouais, À cette époque, c'était oui, Évangélion. ouais, c'était excellent. Alors un autre jeu excellentissime, dont le remake est sublimissime, Shadow of the Shadow. Colossus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je l'ai même en deux versions. Une version CD, boîte CD plastique, et une version avec fourreau cartonné que j'ai jamais Ah, ouvert, du donc coup, tu ne sais puisque pas qu'à lui, j'ai l'intérieur il y préféré a le des laisser cartes loin. postales Il y a des. du jeu. Alors, si je le sais, parce qu'il y a un petit Ok. post-it, je crois, collé ou un truc à l'arrière qui dit qu'il y a des cartes, mais du coup, j'ai pas envie Non, de bah l'ouvrir. l'ouvre pas, l'ouvre pas. C'est très con parce que je le revendrai jamais, hein, soyons clairs. Mais j'ai pas envie de l'ouvrir, je sais pas. Voilà, ça fait Garde-le, partie des il se bizarres. conserve comme ça. T'as Et l'autre version pour jouer si voilà. tu veux. Exactement. Et puis j'ai la version PS4 Aussi, aussi, magnifique remake. joli remake, oui. Alors, j'ai celui-ci aussi. Alors lui, il a une Devil petite May histoire Cry, particulière. vas-y, raconte-nous, on est là pour ça. Alors, Devil May Cry, je sais pas si tu le vois, mais ça, c'est la version Oui, japonaise. je vois avec le séro. Voilà, exactement. Donc c'est la version japonaise. Alors ce jeu-là, je me rappelle, je l'avais. D'ailleurs, on voit même là que c'est en Ouais, japonais. Hein, il n'y c'est a écrit, oui. pas de doute là-dessus. Ce jeu-là, je l'avais testé au Micromania Game Show, puisqu'à l'époque, Micromania faisait un salon tous les ans, vers le mois d'octobre. Alors au départ, c'était réservé qu'au personnel de Micromania, et puis après, ils l'ont ouvert aussi aux meilleurs clients. Donc c'était un mini E3, on va dire, à l'échelle française. Et ils avaient donc amené Devil May Cry en démo, en version japonaise.
parce que la version européenne, soi-disant, n'était pas prête. Mais en fait, après, je vais t'expliquer pourquoi ils l'ont pas fait. Et ils savaient très bien ce qu'ils faisaient, ces bâtards. Donc le jeu, je le teste là-bas. C'était la première fois que je le voyais. Je l'ai trouvé dingue. Action frénétique, techniquement super beau pour l'époque, du délire. Je me suis dit, ah, ce jeu-là, dès qu'il sort chez nous, day one. Alors, heureusement que je bossais chez Micromania, donc le jeu, encore à cette époque-là, donc le jeu sort. Et je me dis, je vais le tester. Je prends le jeu, et là, je me dis, mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi le jeu est si aussi long, ouais. Alors que la démo, ça pétaradait de partout. Et tu vois, un truc tout bête que tu pouvais faire dans la version japonaise, que tu pouvais pas faire dans la version européenne. En fait, Dante, il avait un coup avec son épée qui faisait que l'ennemi, en fait, tu étais projeté en l'air. Pour faire les combos, ouais. Pour faire les combos, voilà. Donc tu faisais ce coup-là pour le projeter en l'air, et après tu pouvais sortir ton fusil à pompe, et dans la version japonaise, tu pouvais le flinguer directement avec ton fusil à pompe alors qu'il était toujours en l'air. Chose qui était impossible à faire dans la version européenne, puisque dans la version européenne, le temps que tu recharges, tu pouvais tirer une fois, et après, le temps que tu recharges, en fait, l'ennemi retombait au sol. Parce qu'en fait, et à cette époque-là, aujourd'hui, ça n'existe plus, ça, puisque maintenant, voilà, il n'y a plus de problème de 50 Hz, 60 Hz, machin. Tous les jeux maintenant sont à la même fréquence. Mais à l'époque, les jeux européens étaient en 50 Hz, puisque les télés de l'époque ne pouvaient afficher que. Pour la plupart, après il y en avait certaines qui pouvaient faire les deux, mais pour la plupart, n'affichaient que du 50 Hz, et donc c'est pour ça que les jeux sortaient en PAL 50 Hz, et ce qui fait que le jeu était moins rapide. Et sur un jeu comme ça, qui justement vend toute sa rapidité, enfin vend le côté nerveux et tout, ça perdait mais toute sa saveur. À moi, franchement, j'avais été ultra déçu. Et donc je me suis dit, bah écoute, je vais regarder sur internet, puisqu'à l'époque ça commençait à arriver. À l'époque, ça commençait à arriver un peu. On était encore à des débits 56K et tout. Mais je vais regarder. Je sais que la console, elle peut être puissée pour lire les jeux japonais. Donc je vais regarder. Et il y avait une puce. Alors je me rappelle plus le nom de la puce. Et c'était genre la puce ultime. Elle pouvait te faire tourner tous les jeux européens, donc normal puisque sur console européenne, enfin européen sur console japonaise, japonais sur console européenne, jeux américains sur console européenne, japonaise, enfin elle pouvait te faire tourner tous les jeux dans toutes les configurations. Donc je me suis dit, chouette, je vais faire pucer ma console pour jouer à Devil May Cry. Ok. Donc je fais pucer ma console, j'achète le jeu japonais, je joue au jeu japonais. Et je te jure, je finis le jeu. Le jeu. Donc je sais pas, Devil May Cry, alors je te raconte une bêtise, j'ai plus exactement le nombre d'heures, mais en gros, on va dire, je te dis une bêtise, il se finit genre en 10 heures. Je finis le jeu, donc 10 heures de jeu. La puce, en fait, je l'ai mise juste pour la console. Donc c'était le premier jeu que j'utilisais depuis que la console était pucée. Donc 10 heures d'utilisation de console pucée. Donc je finis le jeu, je suis content. Et genre le lendemain, je sais plus quel autre jeu, un autre jeu. Et là, la console, elle démarre pas. Je me dis, merde, attends, il y a peut-être une manip à faire, il y a peut-être un reboot, machin, pour remettre les jeux européens et tout. Alors je regarde sur le net, machin, et il y a rien. Et je me dis, oh merde. Vas-y, le truc, j'ai mis juste pour un jeu, j'ai eu de la chance, j'ai pu le finir. J'ai fini le jeu, mais là ma console elle marche plus. Et je te jure, bon, à l'époque je travaillais chez Micro, et alors là, le mec du SAV, je pense qu'il a dû tomber dans les pommes quand il a reçu ma console, parce que globalement, j'ai ouvert ma console, tac, donc du coup le scellé forcément il a sauté. Donc j'ouvre ma console, j'ai pris une paire de ciseaux, j'ai coupé tous les fils en fait de la puce. Mais tu sais, en plus la puce, elle était soudée et tout, je sais plus, il y avait genre 10 points ou 15 points de soudure, enfin c'était un truc de ouf. Et donc j'ai coupé au ras des soudures, tac, je l'ai enlevé, j'ai remis le capot de la console, j'ai revissé, je l'ai envoyé au SAV, je me suis fait un échange standard. Un des petits avantages de travailler chez Micro. Et je suis reparti avec une console neuve. Mon dieu. Ouais, là, la gruge. J'ai joué l'escroc et je pense que, je te dis, le mec du SAV, il a dû tomber dans les pommes quand il a ouvert la console. Déjà, il a dû voir le scellé qui était barré. Qui avait et sauté. Puis après, il voyait toutes les soudures, déjà, avec genre 1 mm de câble. Donc il se dit, ah putain, en plus, le mec, il renvoie une console qui avait été pucée. Qui avait été pucée, cette puce, elle pouvait faire tourner les jeux pirates aussi. Et
De toute façon, j'ai même pas eu le temps de m'en De servir, puisque tester, j'ai ouais, juste eu le voilà. temps de tester avec Devil May Cry. Ouais. Et du coup, la console que j'ai eue après, je l'ai pas fait pucer. Du coup, je Ouais. me suis dit, tant pis, Devil May Cry, je le garde pour la gloire. De toute façon, je l'ai fini. Et voilà, quoi. Donc c'était marrant, quoi. Ok, c'était l'histoire de Devil May Bah, Cry. la petite anecdote, voilà, de Ouais. Devil May Cry. Et comment gruger, travailler à Micromania pour gruger des consoles. Ça, voilà, Ah là. c'est des petits avantages, voilà. Il y a Ensuite, José autre qui avait jeu. dit qu'il avait fait pareil avec les Il a fait 360. pareil? Bah ouais, non, mais ouais, c'était obligé, ça aussi. Alors, autre petit Encore jeu. que moi, j'ai eu du bol, la 360, la mienne, elle est jamais tombée en panne. Ouais. Autre petit jeu grand classique, Silent Hill Silent 2. Hill 2. Ouais. Alors, sponsorisé par Fun TV, quand même, Ouais. hein, c'est pas la Même classe. édition que Shadow of the Colossus avec Ouais, les avec un cartes petit four SAR. cartonné avec des cartes. T'avais un double DVD Double DVD, oui. collector. Alors je sais plus ce que c'était d'ailleurs l'autre. Je crois que c'était un DVD aussi. Tu devais avoir un making of ou je sais plus ce que t'avais. Enfin, tu vois. Et ce qui était pas mal, c'était que t'avais des belles sérigraphies. T'avais alors là, je sais pas si ça va trop rendre, mais Non, tu ça se vois voit bien là, ça se voit bien. ça posait bien C'est joli, hein. ça posait bien l'ambiance. Franchement, L'ambiance, ouais. c'était stylé. Franchement, ils savaient faire des. Tu vois, pourtant la boîte est comme ça, c'est pas un truc de ouf, mais c'est le petit truc stylé qui fait la différence là, avec une boîte en plastique toute basique. Donc excellent, Silent Hill 2, un classique, probablement le meilleur épisode de la La série. série, ouais. T'avais aussi jeu que j'ai beaucoup aimé et que j'ai découvert sur le tard parce que c'était Dragon Quest. Parce que je crois que Ah, Dragon Quest, Dragon ça Quest existait 7. déjà. Je sais même plus c'est quel C'est le numéro 7, celui-là. celui-là. C'était le 7, Le hein. 7, ouais. Que j'ai découvert sur le tard. Donc, Cara Design d'Akira Toriyama. Bon, je pense que ceux qui aiment Akira Ouais, Toriyama reconnaissent ça direct. se reconnaît tout de suite. Et c'est grand jeu aussi, hein. Ouais. Classique, Et hein. donc c'était déjà à l'époque Square Enix. Enix avait déjà fusionné avec Square. Donc très sympa, ouais, vraiment très sympa, beaucoup aimé. À l'époque, je faisais pas mal de RPG japonais. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. Mais moins le temps de jouer aussi, c'est un peu chiant. Alors c'est trop long ces jeux-là. Alors là aussi, alors ça c'est un petit jeu. Alors il est pas ouf ouf, mais la série sur laquelle il est basé, je l'adore. À l'époque, c'était une série géniale. Et le jeu est quand même marrant parce qu'il reprend bien le concept de la série. C'est À 24 24 heures heures chrono. chrono. Voilà. Mais le jeu. Et donc, le jeu est pas fifou, mais c'est assez rigolo. Ils ont essayé de reproduire un peu la même tension que tu avais dans la série. Par moments, ça marche bien. Mais plus souvent, ça marche pas trop. C'est plus pour l'amour de la série alors que t'as Voilà, vu. c'est plus pour ça, quoi. C'est Ok. pour l'ambiance ouais, liée à la série. Autre hyper super grand classique, un de plus, Metal MGS Gear 3, Solid. Snake Ouais, le Eater. 3. Ouais. Excellent. Petit boîtier Steelbook, sympathique aussi d'ailleurs. Excellent. Du jeu Kojima. Hein. Bon, après, si t'aimes pas Kojima, t'aimeras pas les Metal Gear, Que mais. dire, que dire? Alors, Franchement, excellentissime. José, t'as dû utiliser un mot qui n'a pas plu au bot, tout Ouais. simplement, à mon modérateur automatique. Donc Ouais, MGS, mais. MGS, ça on Et les donc présente pas. MGS3, voilà, super grand classique. Tu te dis, Ouais. ça va être difficile de faire mieux que le 2, ou au moins aussi bien. Et bah, avec le 3, ils ont réussi à faire au moins aussi Ça bien, surpasse, ouais. même mieux. Au départ, moi, c'est vrai que quand ils avaient fait la présentation, j'avais un peu peur avec le côté tu peux te camoufler en changeant de vêtements, enfin de tenue de camouflage, de machin. Ouais. Je sais pas si je vais trop kiffer. Puis en fin de compte, l'ambiance, l'histoire, même le gameplay. Même si, tu vois, je pense que lui, c'est probablement peut-être des Metal Gear celui qui mériterait le plus un remake, parce que t'as des phases quand t'es dans la jungle où en fait, alors pour l'époque c'était normal et c'était pas gênant parce qu'on n'a pas connu d'autres choses à l'époque, mais tu te dis, t'imagines là pour le coup vraiment un monde ouvert. Comme Metal Gear 5, mais dans la jungle, dans la jungle de Metal Gear Solid 3, ça pourrait être
Quelque chose de complètement dingue. Mais moi j'ai adoré ce jeu. Comment il s'appelle le papy sniper là, c'est pas Endless ou Ah, je sais plus le nom, je sais plus son nom. mais Où c'était lui un grand moment, ça. c'était excellentissime. Ouais, non, Plusieurs manières de c'était le excellent le tuer, combat. ou pas. Ouais. Ou pas d'ailleurs, ouais. Non, franchement, c'était excellent. Et Kojima, c'est toujours une. Voilà, enfin, il a toujours en plus des petits easter eggs, des Une machins. Enfin, valeur sûre du jeu vidéo. il est. Ouais, franchement, il était excellentissime. Ok. Donc là, tu nous as présenté tout ce que tu avais? Alors, non, attends, c'est pas fini. Et puis, je vous ai pas présenté tous les jeux, là. Je vous ai juste Ouais, présenté bah oui, c'est quelques juste jeux. quelques jeux, vu que là, ça. Mais qui. On Voilà. accélère un peu. Là, c'est God pareil, of God of War. War. Alors bizarrement, la série des God of War, pourtant à l'époque je les ai kiffés, mais je n'ai ni fini le 1 ni le 2. Il a fallu que j'attende la sortie du collector du 3 dans lequel étaient fournis les remasters du 1 et du 2 pour que je les finisse pour faire le 3. Donc sur PS3. 3, PS3, ouais. Voilà. Alors que pourtant je les avais kiffés à l'époque. Mais lui, je me rappelle. Enfin, je me rappelle. Je sais plus sur quel boss j'avais buggé. Et du coup, je sais pas, j'avais pas réussi à le battre et ça m'avait saoulé. T'avais ragé, Et donc. je l'avais laissé tomber en me disant un jour je Rage vais m'y remettre. quit. Et puis je m'y suis remis, mais genre 10 ans après quoi. Donc, mais bon, en tous les cas, quand même excellente saga et génial. Et là aussi, un jeu super coup de cœur. Et ça, c'est tristement dommage qu'ils fassent pas de remake et Ico. Et Ico, pour moi, ce jeu, c'est une Oh, mais tuerie. ça devrait arriver, hein. Ça devrait arriver, je pense. Alors, j'espère qu'ils vont faire un remake. En plus, là, c'était l'édition avec, pareil, la petite boîte cartonnée comme pour Pareil. Shadow of the Colossus. Alors, lui, je l'ai ouvert parce que j'avais pas de version en boîte plastique. Mais il est excellent. La relation entre les deux personnages, c'est génial. Alors que pourtant, ils ne parlent pas. Le seul truc que Ico dit, c'est, je crois, un truc du style. Ouais. Genre un truc dans ce goût-là. Mais la poésie qu'il y a dans ce jeu, franchement, c'est génial. La relation qui se crée avec les deux personnages, alors qu'ils ne se parlent pas, c'est génial. L'atmosphère, la musique, enfin bref, ce jeu, c'est une pure tuerie. Faut qu'ils nous fassent un remake comme Shadow of the Colossus, et alors là, Ouais, c'est le jeu de l'année obligatoire. je pense que Bluepoint va s'en charger. Voilà. Et ouais, ça c'est franchement c'est excellent. Et un dernier pour la route, alors ça c'est Ouais. juste un petit clin d'œil pour rigoler. C'était pour montrer qu'à l'époque on avait des petits CD de démo Ah avec le ouais. PlayStation Magazine. Exact, exact. Bon, ça c'était pour la blague. Mais quand même, il y avait quand même 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5. Alors, c'est bien parce qu'il présentait les vidéos, tu sais, genre, c'est un truc de ouf. Ouais. 5 vidéos de jeux nouveaux. T'avais deux extras. Waouh, t'avais le teaser de Final Fantasy X dans celle-ci. T'avais un making-of sur WRC. C'était marrant, quoi. Enfin, Ah, voilà. Et ça, tu l'avais à chaque fois dans le magazine. Et t'avais quand même des petites démos jouables. Tu as Dead or Alive 2, Formula One 2001. c'était Ouais, la c'était base, hein, sympa ça. c'était la base, hein. Avoir des CD de démo. C'est dommage que ça se fasse plus trop maintenant, mais ça c'est pareil, c'est une autre époque. C'est une Alors, autre époque. on va finir donc cette émission, vu qu'on a beaucoup papoté, on est déjà 3 heures et quelques, faut essayer de limiter maintenant. Ouais, c'est Il dur. paraît que c'est mieux, donc c'est très difficile, mais voilà, comme on dit, il y a toujours d'autres possibilités de faire d'autres émissions. Ouais. On va juste finir donc sur les petites questions habituelles. Hein. Next Gen, alors, Xbox Series X ou PS5 maintenant? Juste une Alors, réponse. de ce qu'on en sait Ouais. à aujourd'hui, ça reste quand même Xbox Series X. En day Xbox. one. Xbox Day One. Ok. Et donc, le petit moment Dragon Shenron, les boules de cristal. Mais avant ça, avant juste ce moment-là, on va parler donc des 5 jeux coup de cœur de tous les temps. Ouais. Alors, On va en prendre bah 5 alors, Ico. allez. Ouais, ok, Ico. donc Ico, ça Ico. c'est obligatoire. Ouais. On va prendre. Allez, Ridge Racer, parce que c'est Ridge lui qui m'a fait Racer, acheter la PlayStation. ouais, 2, 3, c'est lequel? On va prendre. On va prendre le premier Halo.
Halo sur Sur Xbox. Xbox. Quatrième jeu. On va prendre allez, Heavy Rain. Heavy Rain. Et Dernier puis jeu. en cinquième jeu. Allez, ouais, FF7, ouais, ça FF7. abolit ma Et voilà, et ma comme on dit, ah, ma voilà, idée, mais FF7, ouais. tu partais en voyage, t'avais tes jeux, mais en fait, voilà. Hop, le bateau coule, l'avion est en train de tomber, tout ce que tu veux, et il n'en reste qu'un. Quel sera ce jeu, le jeu ultime pour Monsieur Samagaga, quel va être ce jeu? Oh là là. Le jeu des fins des temps? J'avoue que je pense. Alors là, ça se jouait vraiment dans un mouchoir de poche, mais pour moi, ce serait du coup ICO, Ico. parce que je trouve, ouais, je le trouve trop, trop, vraiment trop fantastique. Enfin, il y a une poésie dans ce jeu. Il y a un truc qui fait que il y a, enfin, il est vraiment trop génial en Donc fait, vraiment trop Ico, le génial. jeu ultime pour Monsieur Samagaga, pour jouer jusqu'à la Ouais, fin ouais, des temps. Et donc je disais ouais. le moment boule de cristal, donc le souhait de revenir dans le temps pour avoir un jeu que tu n'as jamais possédé, que tu aurais toujours voulu avoir. Quel a été ce jeu et quelle période, quelle machine? Alors bah tu vois, ça sera sur Neo Geo, Neo parce que Geo. une des réflexions que je m'étais faite, puisque à l'époque quand je l'avais vendu, alors je me rappelle plus exactement, je pense que ça doit être Fatal Fury 3, je pense. Alors c'est celui qu'on avait Quand tout à l'heure. je... Ouais, je pense que c'était celui-là. Je me rappelle quand je l'ai vu, je me suis dit, mais espèce d'abruti, pourquoi tu as vendu ta console? Et alors que après c'est pareil derrière, genre l'année d'après t'avais eu Metal Slug qui était sorti, enfin t'avais eu trop de jeux, les King of Fighters, c'est pareil, j'étais dégoûté, il y avait trop de jeux de dingue sur cette console qui sont sortis juste après que je l'ai vendu, quoi. Ah, oh, j'étais fou. Donc Donc c'était vraiment on dirait Fatal Fury 3, allez, Fatal ouais, Fury parce que c'est le 3. premier. Ouais, c'est le premier qui m'a fait dire, mais pourquoi t'as vendu cette console, abruti? Il y en a eu d'autres, mais du coup, ça serait comme c'est le premier. Allez, on va mettre Fatal Fury. Ok, donc Fatal Fury. Et on va juste faire une petite réflexion. Alors, la question de la fin, qu'est-ce que t'apportent les jeux en fait, les jeux vidéo En fait, tu vois, je trouve que c'est aussi forcément avec l'âge, même si il y a certains jeux que tu joues vraiment juste pour le fun, pour t'éclater, avec les amis, avec ma chérie aussi, parce que j'ai la chance d'avoir une chérie qui aime aussi les jeux vidéo et avec qui je peux jouer, donc ça fait une passion qu'on partage, donc c'est toujours chouette. Donc y a tout le côté jeu pour le fun et tout ça, mais ça, c'est plus fun à plusieurs. Alors qu'avant, tu vois, je pouvais jouer à des jeux fun tout seul dans mon coin, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, quand je joue seul, j'aime bien avoir des jeux qui sont capables de me transporter, soit par les histoires qui me proposent, soit par l'ambiance aussi qui se dégage du titre. Donc en fait, moi, je recherche plus des expériences où il y a de l'émotion. Tu vois, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup, par exemple, les jeux Quantic Dream, même si par certains aspects, ok, ils sont pas parfaits, parfois il y a du gameplay un peu rigide, etc. Mais j'aime beaucoup les productions Quantic Dream. J'aime beaucoup les jeux en fait où on me raconte une histoire dans laquelle, alors pas forcément je peux m'identifier ou me retrouver, mais qui me procure des émotions. Tu vois, un Shadow of the Colossus, t'as certains types d'émotions. The Last of Us, t'as certaines émotions aussi. Dans le premier, dans le deux, apparemment, c'est encore magnifié. Enfin bref, c'est vraiment me transporter dans des histoires dans lesquelles je peux ressentir de l'émotion, et même si le gameplay est pas parfait, même si pour moi c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est l'aventure qui compte quand je joue tout seul. Après, quand je joue C'est en multi, le c'est assez chemin différent. qui mène à la Mais voilà, c'est conclusion ça quoi. Ouais, qui t'intéresse. Ok. c'est vraiment ça qui Et me. au niveau de tes projets personnels, occupation, est-ce que tu as quelque chose de spécial que tu penses pour le futur ou que ce Alors, soit dans l'aspect jeu ou pas jeu, peut-être? Alors, ça reste toujours dans l'aspect jeu. Alors, c'est pas un projet futur puisque c'est déjà le cas, mais j'espère bien que dans le futur ce sera toujours le cas. Je fais partie donc du Xbox Squad, c'est un site communautaire Xbox qui relate toutes les comment dirais-je, toute l'actualité, on va dire, autour de la marque Xbox. Donc, c'est un site voilà, avec une équipe. Ça fait 1 an, plus d'un an maintenant, ça doit faire 1 an et demi que j'ai intégré l'équipe. Et franchement, il y a une super ambiance. L'équipe est super cool. On s'est agrandi il n'y a pas si longtemps que ça. Donc là, maintenant, on a une équipe qui tourne vraiment, vraiment bien. Et ça permet au site de pouvoir continuer à se développer. Donc c'est une belle aventure. Là, c'est vrai que là, en plus, je t'avoue, en ce moment, alors c'est un peu, ça fout un peu mal de dire ça, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu moins là en ce moment dedans. Parce que bah voilà, avec le quotidien du boulot, etc., c'est là en ce moment, c'est un peu compliqué de trouver du temps pour ça. Mais en tous les cas, j'ai bien envie de continuer là-dedans, et parce qu'il y a pas mal de personnes dedans que j'apprécie beaucoup. Et c'est chouette. Donc, et puis surtout, c'est pas dans l'esprit guerre des consoles, tu vois. Nous, on est dans l'esprit, on partage notre passion du JV à travers la Xbox. Ça n'empêche pas de jouer à d'autres consoles d'ailleurs. Et puis nous, on n'est pas là à dire la Xbox c'est forcément la meilleure dans tous les domaines. Des fois, quand Microsoft fait des bêtises, on le dit, il n'y a pas de problème, parce que voilà, c'est normal. Mais voilà, nous, on est vraiment surtout en plus dans l'esprit d'échange, de partage et de respect, contrairement à d'autres sites qui des fois aiment bien envoyer des pics à la concurrence. Mais nous, c'est pas le cas. Donc c'est pour ça que j'aime bien et que j'ai envie Tout ça de rester là-bas. dans la bonne humeur et voilà, ne pas tomber dans la facilité. Exactement. Donc, il y a Exactement. José, voilà, comme il dit, il est ancien, faut répéter de temps à autre. Il disait, voilà, dis-nous tout Day One, Xbox ou PlayStation. La question ne se pose pas pour Monsieur Samagaga Non, jusqu'à après, présent. tu vois, si mon banquier me permet de, ça sera les deux en Day One. Ouais. Mais Si on devrait tu choisir, vois là pas, c'est vraiment le choix, faut choisir. mais voilà, mais tu vois par exemple là sur la génération PS4 et PS4 Xbox One, clairement j'avais pris la PS4 pardon, parce que voilà, au lancement les jeux m'attiraient plus PS4, et après quand il y a eu la Xbox One X, bah, ça m'a paru évident de la prendre pour bénéficier aussi des jeux Xbox, parce que contrairement à ce que certains essayent de faire croire, il y a beaucoup de jeux sur Xbox, et pas que des jeux multiplateformes. Donc là, la One X, voilà, donc elle est arrivée 3 ans après, 3 ans après. Voilà. Là, j'avais le budget, donc je l'ai pris. Voilà. Ok, Donc. ok. Bah, ainsi s'achève donc cette émission. Merci, merci Samagaga d'être venu et de nous avoir Bah, de confié rien. tes petites histoires, tes petites anecdotes bien marrantes. De rien. J'espère que ça t'a plu, hein. On a Ah essayé ouais, c'était de. sympa, et bah pareil, j'ai pas vu le temps passer. Ouais, ça passe J'ai très vite, l'impression que hein. ça fait 5 minutes qu'on est là. Non, ça passe Donc très vite, c'est le ouais. problème. Quand on raconte nos histoires, c'est vraiment très rapide. Donc j'espère Ouais. que l'émission a plu aussi à notre chat et que voilà, le replay sera disponible après sur YouTube sans aucun problème. Et donc bah, je te remercie une nouvelle fois d'accepter cette invitation. Et Bah, merci tu à vas toi. dire tout simplement, c'est toi qui as le mot de la fin pour dire au revoir à tout le monde.
Eh bien, au revoir à tout le monde. Profitez bien de vos jeux, kiffez. Et puis, de toute façon, l'important, c'est pas la marque, c'est pas, voilà, c'est surtout de vous faire plaisir et de la façon dont vous avez envie. Il y a suffisamment de choix pour que chacun trouve son bonheur. Eh ben voilà, Voilà. c'est beau, c'est beau. Donc Voilà. sur ce, on va dire donc au revoir à tout le monde. Salut. Ciao, ciao. Ciao.